page l'histoire, va commencer dans quelques secondes. C'est une façon pour encourager l'ouverture média. Continuer le travail d'éducation, ça a qu'on a fait pour la jeunesse qu'a connu l'histoire pays. Nous remercions pour écouter et pas oublier à bon. Chapitre 3. Finissement gouvernement Geoffroy. Malgré la Constitution 1846, cela t'a aboli la peine de mort. Cependant, ce n'est pas de l'ennemi politique que Geoffroy t'a fait arrêter, juger, condamner et fusiller. Sylvé Salnave, qui est un leader très populaire dans Peuple et qui t'a vivé en exil en Dominicanie, rentré au Cap le 9 mai 1865. Là même, Geoffroy a vu à la tête d'une force de 12 000 hommes pour lancer Cléville au Cap. Alors que Sylvain Salnav a sous commandement seulement 500 soldats et 1000 volontaires, ni Sage Sage à 12 000 hommes, pas de cap privé entré au cap. Après six mois, Jeffrey personnellement t'es obligé de monter dans nord pour aller prendre le commandement et diriger l'opération. Après un accrochage qui est passé sous la mer avec un bâtiment anglais, révolutionnaire entré dans le consulat anglais au cap, il prend point sept réfugiés politiques qui tentent dans le consulat. Et ils ont jeté prison. En représailles, deux bateaux de guerre anglais t'ont bombardé, Ville au Cap. C'est grâce à bombardement ça que Geoffroy a fini par entrer au Cap le 9 novembre 1865. Qu'en est-il mais force de 12 000 hommes pendant plus de six mois? T'es la cause en pile, l'argent dépensé. Et ça a fait une situation économique pire. Il y a bon jeune intellectuel au Cap, à Port-au-Prince, qui pas de travail, t'es tombé critiquer Geoffroy. Pour mettre sous contrôle, Jeffrey de force enroulé dans l'armée. Jeune intellectuel, ça yo, facilement, t'es monter tête soldat contre Jeffrey. Dans la nuit 22 janvier 1867, yo, ...un groupe tirailleurs de la garde qui était cantonné dans un caserne tout près par l'air tombé tiré sous l'air... côté Jeffrey, toute famille l'y vive. Après ça, soldat au point la rue, ...ils tape crié Vive salnave nave, à bas Giffra, le tyran âmes tiré tout tirées tout partout et peuple a te profité, pillé en pile magasin. Victorin Chevalier quitte en exil Inag, courut rentrer et le soulevait ses marques. Ni sage sagesse soulevait toute la Tibonie. Les ça, j'ai foi réalisé réaliser que n'en point moyen qu'un encore. Il a démission le 13 mars 1867. Et avec toute famille, il partit à en exil Jamaïque. Quand mourit en décembre 1878, à l'âge de 72 ans, Geoffroy a passé 8 ans et 2 mois au pouvoir. Il est pour nous connaître que J.C. d'Orsainville, dans un livre Histoire d'Haïti qu'il publie en 1924, a écrit que Geoffroy, c'est un des meilleurs chefs d'État qui a passé au pouvoir en Haïti. Chapitre 5. Jean-Nicolas Nissage Saget, 11e président d'Haïti. Immédiatement après que tu avez fait exécuter Salnave, y a un gouvernement provisoire qui t'a fait fusiller en pile partisan Salnave. Enfin, le 19 mars 1870, Nissage Sajet est nommé président d'Haïti pour une période de quatre ans. Nissage Sajet, c'est un mulade. Quoi qu'il ne fait de Port-au-Prince, racine famille Sajet, c'est dans la Ville Saint-Marc. Du fait qu'il t'est passé huit ans en prison sous Soulouk, t'es-lui pas de fin trop bon. Il était très simple, très religieux. Il pensait que comme président, c'est respecter la Constitution, reconstruire le pays et réconcilier tout Haïtien entre eux. Les quelques partisans voulaient faire pression sur lui pour le craser la chambre qui t'a Problème, il était toujours qu'on dit que chaque bourrique rentre dans le pâturage. T'as vu un masse que peut peuple a tiré les oreilles bourriques et quitte en circulation dans le pays. Pour contrôler la situation, ça a... On en respect pou tout moun ki branche page li swa sou l'ouverture medya. Sou vout kou abonen, nan men evitou ou fè s'akonya Pendan l'ot chapit page li swa avware al komanse nan kelke sekonde. See ou nou fason pou an 아파je l'ouverture medya Kontinyiso ou k page li swa sou l'ouverture medya. Sou vout kou abonen, nan men evitou ou fè s'akonya Pendan l'ot chapit page li swa Apare al komanse nan kelke sekonde. See ou nou fason pou anMat nou fason pou an Bi apl 영상 Kontinyiso ou k page li swa sou l'ouverture medya. pour la jeunesse qu'a connu l'histoire pays. Nous remercions pour écouter et pas oublier à bon. Chapitre 3. Finissement gouvernement Geoffroy. Malgré la Constitution 1846, cela as aboli la peine de mort. Cependant, ce n'est pas de l'ennemi politique que Geoffroy a fait arrêter, juger, condamner et fusiller. Sylvain Salnav, qui est un leader très populaire dans peuple et qui a vécu en exil en Dominicanie, rentrait au Cap le 9 mai 1865. Là même, j'ai a avouer Nissage Sage à la tête d'une force de 12 000 hommes pour lancer Ville au Cap. Alors que Sylvain Salnav était sous commandement seulement 500 soldats et 1 000 volontaires, Nissage Sage, a 12 000 hommes, pas de cap privé, entrer au Cap. Après six mois, Jeffroy, personnellement, es obligé de monter dans le nord pour la, prendre le la commandement et diriger l'opération. Après un accrochage qui était passé sous la mer avec un bâtiment anglais, les révolutionnaires ont entré dans le consulat anglais au Cap, ont pris sept réfugiés politiques qui étaient dans le consulat et ont jeté yo dans la prison. En représailles, deux bateaux de guerre anglais ont été bombardés Ville au Cap. C'est grâce à un bombardement ça que j'ai a fini par entrer au Cap le 9 novembre 1865. Quand on a force l'armée de 12 000 hommes pendant plus de 6 mois, c'est la cause l'argent la dépensé. Et ça devient aggraver la situation économique Y a Un bon jeune intellectuel au Cap à Port-au-Prince qui n'a pas de travail, c'est tombé critiquer Jeffrey. Pour mettre sous contrôle, Jeffra de force enrôlé dans l'armée. Jeune intellectuel, ça y est, facilement, es arrivé à monter tête soldat contre Jeffra. Dans la nuit 22 janvier 1867, Yon group tirayor de la garde ki te kantrotne nan yon kazian tou pre paler, tombe tire sou paler kote jefwak tout famil li tap vive. Apre sa, soldat ou pon la ru yo tap kriye vive salnav aba jefwak ou le tiran. Zam tombe tire tou patou e peplate profite piye an pil magazin. Victorin chevalye ki tan exil inag, kouru rentre el souleve se mak. Ni saj saje souleve tout la tiboni. Les Sahas, J'ai réalisé réalisé que n'en point moyen qu'un bain encore. Il a démission le 13 mars 1867. Et à toute famille, il a parti en exil Jamaïque. Cotel mourit en décembre 1878, à l'âge de 72 ans, J'ai foi dépassé 8 ans et 2 mois au pouvoir. Il est bon pour nous qu'on que J.C. d'Orsainville, dans son livre Histoire d'Haïti que publie en 1924, t'écrit a écrit que J'ai c'est Yon, le meilleur chef d'État qui t est passé au pouvoir en Haïti. Chapitre 5. Jean-Nicolas Nissage saget 11e président d'Haïti. Immédiatement après que vous ayez fait Salnave, vous monté un montant gouvernement provisoire qui a fait fusiller en pile partisan Salnave. Enfin, le 19 mars 1870, Nissage saget est nommé président d'Haïti pour une période de 4 ans. Ni sage c'est un est mulade. Quoi que t'ait fait Port-au-Prince, racine famille, Sage c'est dans ville Saint-Marc. Du fait qu'il elle passé 8 ans en prison sous Soulouk, tête li pas de fin, toi bon. Il était très simple, très religieux. Il pensait que lui comme président, c'est respecter la constitution, reconstruire les pays et réconcilier tout haïtien entre eux. Les quelques partisans voulaient faire pression sur lui pour craser la chambre qui t'a problème. Il était toujours dit que chaque bourrique renient dans le pâturage. T'as une masse que l'agent que peut atterrir les oreilles bourriques et est en circulation dans le pays. Pour contrôler la situation, le sa, gouvernement sage est obligé de faire deux emplois. Il y en a de 100 000 dollars et il en de 2 millions de dollars. Avec l'argent, il est échangé les oreilles bourriques à raison de 300 gouttes pour un dollar. Ça a créé un pile problème parce que les paysans ont des belles pièces de l'argent américain et étaient refusés de remettre en circulation. Le 9 février 1872, ils ont dû faire éclater et par les nationales ils ont fois encore des brûlés Le 15 mars 1872, deux ans après que ça a été pris pouvoir, Sina le Comte yon descendant Dessalines et un partisan salnave qui t a vivant en exil en Dominicani, rentré au Cap avec un groupe de huit mercenaires. Il prend la au Cap et il déclare Tetli Jean-Jacques de II. Le lendemain, Général No-Alexis, qui était commandant un département militaire du Nord, reprend la l'arsenal Et sans jugement, il fait fusiller Sina le compte ensemble en avec tous les mercenaires. Parmi eux, y gants un blanc français à quatre Dominicains. Après ça, ils ont fait masse d'arrestations au cap Gonaïve, marc Dans la nuit du 3 au 4 mars 1873, Gallumet Michel, à la tête d'un groupe de 15 hommes armés, déclenchant le mouvement de Gonaïve. Général Laplace Montmorency-Benjamin, marche pour un yo. Ils descendent à coups de fusil et à coups de manchette... Après ça, ils ont quitté cadavre dans la rue pour bête manger. N'importe au prince. En pile du feu, t'es éclaté et en pile caille, t'es brûlé. Deux blancs allemands, Yon Dickmann qui t'a fait commerce miragouane, et Yon Lord Stappenhot, qui t'a fait commerce au Cap, t'es réclamé que le gouvernement paye yo 15 000 pour dommages que t'es subi sous Geffroy à Le 11 juin 1872, deux bateaux de guerre allemands rentrés dans la rade Port-au-Prince. Deux heures de temps après, Capitaine Batch, qui était commandant. De bateau yo, exige gouvernement haïtien pour payer 3 000 livres sterling. Et sans que le réponse gouvernement, il a saisi deux bâtiments haïtiens qui étaient dans le rade. là. Comme gouvernement haïtien, pas de cap fait rien, il été obligé de frapper quelques commerçants pour rassembler l'argent et payer batch. Cependant, avant que vous allez, marin marins allemands ont quelques drapeaux haïtiens sous pont de bâtiments y ou pantalon et ont t'es chier sur drapeau haïtien. En 1870, président dominicain Buenaventura Baez te signé un accord te livrer la dominicanie aux États-Unis. Faut que nous songez que en mars 1861, Santana te livré la dominicanie à l'Espagne. Vois ça, c'est grâce à un sénateur américain qui était le Charles Sumner de Massachusetts qui fait que traiter ça avec les États-Unis, pas ratifié. Deux ans après que Saget est monté au pouvoir, la Chambre te trouvait l'incapacité pour le fonctionner à cause de marronnage. Le pays a été bloqué. Le gouvernement a été paralysé. C'est un point après un point. Puisque pas de bien la Chambre pour contrôler, en pile, l'agent est fait chemin crochu. Finalement, après que le ténomène Michel Domaine, commandant de l'armée, Saget remet démission le 12 mai 1874 Trois jours avant Mandal te fini. Depuis 1804, c'était pour la première fois qu'un chef d'État haïtien t'ait quitté le pouvoir avec tant de dignité. Le 21 mai, après qu'il t'ait passé l'armée en revue avec Michel Domain, il descend sous Waf, il montait à bord un bateau de guerre haïtien qui tirait les motes organisées, qui mène à le Saint-Marc. Côté le passé toute villes, jusqu'à ce qu'il t'ait mouru le 7 avril 1880. Chapitre 6. Michel Domain 12e président d'Haïti. D'après une nouvelle constitution promulguée le 6 août 1874, Michel Domain élu président le 11 juin, était supposé qu'un pouvoir pendant huit ans. Le Domingue, le président, il était grand monde. C'est un monsieur qui était dur, il était violent, il était méchant. En plus de ça, Domingue, grand... c'est un gros vaudouisant. Domingue était monté au pouvoir sans aucun programme politique. Au fond, c'est Septimus ce Rameau, il a vu le de 48 ans, que le nommé vice-président qui t'a dirigé le pays. Faut que nous disions Septimus ce Rameau, c'est un savet. Cependant, c'est un monsieur méchant, il t'est rapace et il était corrompu. De plus, comme tout bon savet haïtien, il pensait que le compte tout bagaille. Il n'a pas de conseil et il n'a pas de, de personne. Septimus Ramote a gagne deux seules idées. Premièrement, créer une banque l'État, qui veut dire une banque nationale. Ensuite, pour te bâtir un panthéon, qui veut dire un mausolée, un gros caveau, pour honorer tout grand héros qui te fait 1804. De belles idées, c'est vrai, mais ça n'a pas de cap pour représenter un programme de gouvernement. Puisque l'État est vide Le gouvernement tombe tombé à prêter l'argent à l'étranger. Tout d'abord, le 12 août 1874, la Chambre a approuvé un emprunt de 3 millions de piastres. Six mois après, la Chambre a voté un deuxième emprunt de 12 millions de piastres. Le gouvernement a envoyé en France quelques commerçants sous Bodner pour régler les affaires en point C'était Crédit Général français qui a été employé pour faire des transactions. Sous 12 millions de piastres en points Crédit général français pour qu'on parle, t'es qu'un 9.5 millions piastres comme commission. À peine si gouvernement haïtien te recevait 2.5 millions piastres. Pays, à gain pour le payer coup de poing à ça pendant 40 ans. C'est un véritable scandale. Après ça, l'opposition e a été très fâchée et a été fait domaine en somme acceptée, monsieur Ramon. Comprendre, Clément, que pas de cap dirigeait pays. Comme époque ça, c'est surtout Gaucha Braque dans l'armée qui était fait politique. Domingue Acceptimus Ramon décide de craser quelques général qui étaient suspects à conspirer pour jeter gouvernement. Général Polémon Lorquet, commandant militaire du département de l'Ouest, profite de fête de l'agriculture 1er mai pour faire trois bataillons à l'arrêter trois générales Général Brice, Général Montplaisir Pierre et Général braun Canal. Dans deux accrochages, Général Brice et Général Montplaisir Pierre, t'es mort Général en Canal, t'es sous habitation frère, dans Pétionville. ville. Senel, a quelques amis, rivé repoussé, une premier attaque. Là, prend refuge, kaye ministre américain. en Canal, t'es quitté pays, hier et t'a en exil, le 4 octobre 1875. Après ça, domaine, akramo, Commettent un bon crime politique. Ça la cause un pile monde, tu obligé de prendre chemin l'exil et ça devine grave aggraver situation gouvernement. Bien vite, c'est tout le pays a qui te soulevé. Demain, à Kramo, les SAA, que le Rameau réalisé que la situation est plus grave, Ils ont décidé de transporter siège gouvernement au CAI. Le 15 avril 1876, pendant que tu transporté sous le au Prince plusieurs mâles, plein l'argent, le peuple fait un vase sous après ça, yo prend la rue. yo tombez tombé déchouqué, il tombe écrasé, yo brisé, yo, tombe yo tombe pillé. Michel Dome, grand moun alors qu'il a entré dans le consulat de France, il a blessé la coup de baïonnette dans le bras consulat. Yo tué ce petit muslamo, il a fini, il a coupé Organ Gasson et il a bouche li Le lendemain soir, il a attaqué le général et yo passez passé à l'infinitif. Michel Domingue t est passé seulement un an et dix mois au pouvoir. C'est Domingue qui vient faire main à gouvernement de Double, qui était commencé. En 1844, avec Philippe Guerrier. Chapitre 1. Fab Nicolas Geffroire, neuvième président d'Haïti. Soulouk tombé, il l'a en exil. La même, Geoffroy monté au palais à point pouvoir. Dans temps ça, c'est comme ça que fait en Haïti. « Fab Nicolas Geffroy, c'était petit Nicolas Geffroy, yon en général, yo, qui était signé à l'indépendance pays d'Haïti, dans Gonaïve, le 1er janvier 1804. Geffroy était fait en Savo, le 19 septembre 1806. Geffroy était en griffe, papa le mulâtre et maman le ton noir. Enrôlé dans l'armée très jeune, bien vite, Geffroy était en grade. C'est qu'on s'allait général de brigade, commandant Jacques Mel, et puis général de division. » Le Jeffrey prend pouvoir le 15 janvier 1859. Il était 52 ans. Il était très simple, très aimable. Cependant, il était un mauvais défaut. Jeffrey a pensé que le compte tout bagaille. Après renversement sous Luc, il a retourné à constitution qui était faite en 1846 sous président Richer. Comme constitution, ça a été prévu à la présidence à vie. Qui donc, j'ai était censé nommer président à vie? Jeffra était un ancien ministre qui a servi ce gouvernement sous Cependant, il y en après, après l'autre il l'a révoqué et l'a remplacé par des collaborateurs intelligents et instruits de monde qui vraiment capait d'elle. Un ancien gros fonctionnaire, eu, tombé conspiré, il a même décidé d'assassiner Jeffra et de ministre de l'Intérieur Jal Guerrier-Prophète, président d'Haïti. À cause bruit ça qui fait, général Guerrier-Prophète, t'es de d'émissionner et le partir à l'exil. exil. Jeffroy a une habitude presque chaque soir à l'oué maman ensemble à Cora, une petite fille qui t'est retenue en caille tout prépare l'air. Cora t'est à peine mariée et elle enceinte. »« Le lendemain soir que guerrier prophète t'est parti à l'exil exil, conspirateur tellement c'est pour Cora et au tap-tan foi pour assassiner. Elle. Soit ça, Jeffroy pas de cap qui t'est pas l'air à cause l'été occupée occupé un conseil de cabinet avec le ministre. Les conspirateurs ont et de le faire. tiré sous Cora, qui était chitant dans sa langue et le Kora Cora te mouri, corred. est mort, C'est une façon pour forcer Jeffroy à qui n'était pas l'air. Effectivement, Jeffroy a voulu sortir, mais ministre a dit non. Le lendemain, il a arrêté 23 conspirateurs. Après jugement, il a exécuté 16 dans yo. Non moins, c'est Jean-Julien, qui, dans le cadre de Collection 2004 ou Collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous inviter à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Enregistrement, ça, c'est la première édition, volume 5, qui couvrit une période qui commençait avec gouvernement Fab Nicolas Geffroy en 1859 pour lui verser juste sous gouvernement Antoine Simon en 1908. Volume 5, ça a 14 chapitres. Chaque chapitre séparé à une pose musicale qui seront extraits tirés d'une musique classique haïtienne exécutée au piano par Eddie Prophète, un empire grand pianiste haïtien au commencement du XXIe siècle. Sa. De plus, on je voulais faire nous toutes connaître que Phoenix, c'est bon nos oiseaux qui dessoudra pour moi Henri Christophe là. Chapitre 2. Politique et administration, Geoffroy a été mis sous pied un bon genre d'administration. Tout d'abord, il a réduit l'armée de 30 000 à 15 000 hommes. Il t'a formé encore des d'élite que le les tirailleurs de la garde. Il t'a voué chercher quelques militaires en France pour entraîner eux. En juin 1859, sept mois seulement après qu'il t'ait monté au pouvoir, Jeffrey t'a fondé l'école de droit pour préparer avocats il a réorganisé l'école de médecine qui était ouvri sous Boyer en 1838. Il a ouvert plusieurs écoles secondaires pour filles et garçons. D'ailleurs, c'est sous Geoffroy que jeunes filles commençaient à fréquenter l'école secondaire en Haïti. Avec l'aide du ministre Kouéli Dubois et J.B. Damier, négligeait pas négligé l'enseignement primaire. Elle a même créé service pour inspecter et surveiller comment l'école a marché. Geoffroy a te fondé dans l'école de musique et l'école des beaux-arts. Il l'école navale militaire. Il a lycée Jacques Mel lycée et lycée Gonaïve. Il a modernisé et li te met laboratoire chimie avec laboratoire physique dans tout ancien lycée. Il a chercher professeur à l'étranger pour venir enseigner dans Je crois J'ai cru à l'ouvrier au sur l'école professionnelle. Il n'y pas de préférence à aucun groupe. Il a distribué bourse d'études à jeunes étudiants noirs, tant que jeunes étudiants mulattes pour y a le faire ou bien continuer étudiant en France. Grâce à belles politique ça a, que Geoffroy a poussé dans le domaine de éducation, En 1872, PIA était déjà gagné et on l'élite intellectuelle. C'est le 28 mars 1860, sous Geoffroy, que Concordat est signé. Monseigneur Testa du Cosquet, c'est lui que Vatican tévoé comme premier archevêque de Port-au-Prince. Lui t'emmène avec lui 40 pères de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Première école que Pessah a été c'était le petit séminaire Collège Saint-Martial. En février 1859, un mois seulement après que le taux pouvoir, Geoffroy négocié avec Pedro Santana, président dominicain, et on détente pour cinq ans. Cependant, deux ans après, le 18 mars 1861, Santana livrait la Dominicanie à l'Espagne. que la cause, la Dominicanie était retournée en colonie sous l'obédience l'Espagne. Dans toute l'histoire, c'était pour la première fois sa dérivée pour a un président consenti recoloniser propre pays En Haïti, ça a été chargé parce que l'Espagne n'a pas jamais aboli l'esclavage Cuba. Et tout le monde a demandé est-ce que l'Espagne n'a pas pensé envahir Haïti et rétablir l'esclavage? Trois semaines après, le 6 avril 1861, Jeffroy a protesté énergiquement. Il dit que Haïti n'a jamais reconnaître la forme d'occupation. Il le pral prend toute disposition pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Je foi te permettre d'imprimer un pile folage en dominicain et même te vouer quelques tirailleurs haïtiens pour te concours à quelques guerriers dominicains. était même arrivé autorisé que organisé devant le consulat d'Espagne en Port-au-Prince une grosse manifestation côté où tu déployes un bon drapeau espagnol que soldats haïtiens ont pris après une frappe que a été fait à quelques soldats espagnols. Le 6 juillet 1861, une flotte bateau de guerre espagnole est pointe pointer quelques gros pièces canon sous Port-au-Prince. Commandant Flotte Sahara, amiral Louis Balcava, baille un ultimatum pour ne pas quitter aucun rebelle dominicain, vient chercher refuge en Haïti. En plus de ça, il exigeait un paiement de 200 000 piastres comme dédommagement. Pour Geoffroy, fait excuse et baille drapeau espagnol. Là, ont de 21 coups de canon. Grâce à l'intervention du consul anglais à de prince Rubal-Kavat est fini par accepter 25 000 piastres et Jeffrey est obligé de conformer et de tout ça. Rubal-Kavat est mandé. Il n'y a pas de chambre à donner, Jeffrey, pour que souffle de ça, que Rubal-Kavat est payé. Jeffrey a fait construire plusieurs fontaines publiques. L'ITE remettait Corvé, un système qui était existé du temps de la colonie et qui était forcé paysans à le travail gratis dans construction à réparation route. J'ai a été chercher quelques ingénieurs français pour réparer quelques canaux d'irrigation. Il a créé service télégraphe et il a amélioré système hydraulique Port-au-Prince. Liban, pour ne connaître que c'est sous Jefra. les États-Unis en 1862 et Libéria en 1864, ont établi relations diplomatiques avec Haïti. Geoffroy a été toutes ports que sous a fait, main et commerce a pris un gros élan. Il était contrôlé, et il était réduit, doit aux négociants étrangers qui tap opéré sous bord mer et t'ont fait plusieurs Haïtiens commencer à faire commerce. Il t'a mis bon petit bateau à vapeur qui t'a fait cabotage et t'a transporté marchandises sous toute la côte-là. Ça t'a favorisé, commerce dans tout le pays. Il t'a voulu développer l'industrie. C'est pour ça qu'il t'est voulu chercher quelques spécialistes étrangers pour monter une fonderie nationale et apprendre aux jeunes garçons haïtiens comment ils travail et vit à faire. J'ai froid à empêché de rentrer dans le pays à toute vivre et toute qualité manger que le pays a produit de 1861 à 1865. Le coton haïtien en grande demande tout partout. J'ai froid te des primes à tout le monde qui a planté et exporté plus de coton. J'ai froid te faire rentrer en Haïti plus que 2000 Américains noirs qui a subi discrimination dans la zone beau, Connecticut, dans pays américain. Cependant, au point de vue finance, ça n'a pas marché. Le budget chaque année est en déficit. Pour combler le déficit, il y a des imprimer l'argent, papier, par pile et par paquet. Comme pas de gen bon gens contrôle ça a la cause. En pile, comme disparaître, disparu, en pile, millions, il fait chemin cochu. J'ai a été un colté parlementaire, 9e, 10e et 11e législature qui a voté plusieurs lois. Malgré Jeffrey t'a fermé la chambre, il t'a à toute parlementaire dixième législature. Ça n'a pas t'empêcher te peuple dans l'élection, de voter et retourner la chambre en pile dans le parlementaire pour aller continuer à monter en opposition contre Jeffrey. Jeffrey n'a dans dansé collé à Vaudou, il a fait craser tout péristyle, ramasser tout le tambour et tout instrument qui été conservé pour faire cérémonie. Cependant, ça va pas qu'un gros scandale t'est éclaté n'importe au Prince, que dans l'histoire, y a rapporté comme l'affaire Bisoton. Le 27 décembre 1863, une fille de 6 ans qui était la Clécine, qui disparue. Quelques jours après, y a arrêté 8 mouns qui avouaient qu'ils étaient sacrifié Clécine dans une cérémonie qui était faite de Bisoton dans la nuit du 31 décembre 1863. Il s'est trouvé que deux mouns qui étaient fait cérémonie, ça, qu'on Pelé, y et Jeanne Pellé. Yon mambo, sete mon onk et ma tank Klersin. Tous les deux te sorti nan yon tribu en Afrik ki relè la tribu mandeng. Yon te kondane tous les huit a mor et yon te ekzekute yo. Jounal al etranje te publie bagay sa ak an pil detay et te prezante Haitien kom yon pep ki toujou kontinue ap fe vie pratik ki sorti an Afrik. Chapitre 4. Sylvain Salnave, dixième président d'Haïti. à Pati, Sylvain Salnave, qui est en exil des îles turques, courut au Cap. Là, il a fait belle réception pour lui. Après qu'il ait fait fusiller quelques mille, parmi eux, d'assais sévère il a l'armée de 4000 hommes et il marchait sur le marché sous bord de Prince. De Pont-Rouge jusqu'il est devant la cathédrale, peuple a massé deux bords à bon laurier dans main et a tapé les vives Salnave. T'es tellement gay moun que foula la pas de cap déplacé. C'est pour la première fois que y'a aux manifestations manifestation comme ça Port-au-Prince. Les Salnaves arrivaient rue oui de Fonfort, les viraient en direction cathédrale. Devant cathédrale, Monseigneur Testa du Cosquet, archevêque de Port-au-Prince, tape salnave. Salnaves. à entrer en dans cathédrale et chantait « Te des hommes poulis ». Salnave, qui était membre du gouvernement provisoire de 22 membres, te démissionnait le 2 mai 1867. Deux jours après le 4 mai, le peuple prend la rue et au tap crié Vive Salnav. Finalement, le 14 juin, l'Assemblée constituante nommait Sylvain Salnav, dixième président d'Haïti, pour une période de quatre ans. Salnave, c'est ton mulat foncé qui t'est fait au cap. Comme soldat, il était très brave, il était honnête. Cependant, il un monde sans convenance, sans manière. Et il t'est senti à l'aise seulement l'élinamitant soldat, l'élinamitant paysan dans le pauvre, et dans le peuple. L'ITRE en train d'en parler, en bonne femme 20 les Amazones, C'est la cause en pile moune, pas de pocher près Salnav. Salnav qui pas de pas, t'es monté au pouvoir sans aucun programme politique. est le président seulement pour te prendre grade général en chef de l'armée. D'ailleurs, d'après Anteno firme pour beau fils, Sylvain Salnav n'a aucune compétence. Aucune qualification pour le te dirigeants pays. Salnav, c'est un gros duisant Et en a un plus bon conseiller que Salnav te gagné, c'était Jean-Pierre Ibo Yonhungan. Léon Montas, c'est un général très instruit, On savait. C'est lui que j'ai fait à nom pour commander le département du Nord. Comme Montas te combattu Salnav, immédiatement que tu te arrivé au pouvoir, Salnav te fait arrêter Montas. Pendant cinq mois, il fait Kembe Montas dans la prison, soit au Cap, soit par au prince Le 11 octobre 1867, la chambre dans la séance demande salnave pour la guerre générale Montasse. Trois jours après, une équipe femmes enragées des Amazones, ils envahi la chambre, et ils ont crié vive salnave à bas la chambre. Ils chassé tout parlementaire yon et ont crassez toute chaise, tout bureau. ont déchiré un bon ancien portrait rare qui était dans la chambre. Lan. Mesdames, ils tombez tombé chanter, ils tombez tombé danser, ils ont vous ils ont faites ils fait orgie toute la nuit. Le lendemain matin, ils le sont sortis, ils ont cloué toute porte la chambre. Et sous grand porte-là, ils ont cloué un morceau de carton, sous qui ils ont écrit maison à louer. Sous ça, c'est peuple qui t'a commandé. Pas de bien la chambre, pas de bien loi, pas de bien justice. Le peuple est seul souverain. Tout ça peuple, c'est ça. Tout ça peut faire, c'est très bien. Le 18 décembre 1867, le journal officiel Le Moniteur annonçait que le général Léon Montas était mort dans la nuit du 4 au 5 décembre. Assassinat, d'assassin sévère et la mort. Léon Montas monté tête à un bon monde qui était bataille contre sa nave. Pour commencer, en juin, un vieux général qui était le Robert Noël. Al soulevé un groupe kakou dans Mone avec la salle organisée. organisé Le 20 novembre, Salnav quittait Port-au-Prince pour aller troquer Conli avec les cacos du Nord. Kako tombé fait guérilla. Dans deux jours, Salnav a perdu 200 hommes. Le Salnave retourné dans Port-au-Prince, il était trouvé en face d'une situation critique. Paya était trouvé divisé en trois. Salnav dans Port-au-Prince, ni Sage dans sage Saint-Marc. La thibonité le Nord, Michel Domingue, Naucaille. Puisque la Chambre était fermée, ça l'a rapidement formé un conseil qui nomme le président à vie. Sans contrôle, le gouvernement tombé imprimé l'agent par pile et par paquet. En décembre 1869, où t'es besoin de 3000 goudes pour yon dollar. Ça la cause toute activité commerce campée et peuple a été fini par les gouttes-là la oreilles bourriques. Le 19 décembre, 1869, trois colonnes rebelles attaquaient Port-au-Prince. Bateau la terreur qui tenait un la bombe à Salnav avec un groupe de dix partisans mettent dehors et dirigeait aux sous-frontières. Palais éclaté. Rebellio a salnave Salnav, l'a traversé les frontières. Dominique a arrêté-le, il a deux points et il a ensemble avec tout les dix partisans et en sapitre. Yo, fusillé tout dispatisant, yo, quoi, des bouquets. Et un peloton d'exécution sous commandement Boiron Canal, t'es fusillé Salnave, sous centre palais national, là, qui après bombardement, t'es toujours tout chaud. Salnave, t'es passé deux ans et six mois au pouvoir. C'est dans ça que t'es fini par remarquer que société haïtienne n'a été divisée en deux classes, nettement séparées. Yon côté où je jeunes les libéraux, c'est un bon monde de couleur et philosophie politique yo, le pouvoir au plus capable, comme c'est eux qui savait, c'est eux qui gagne la connaissance, qui donc c'est eux qui fait pour diriger le pays. Sous l'autre bord, où jouent les nationaux, c'est un bon monde noir et c'est philosophie politique yo, le pouvoir au plus grand homme, puisque c'est eux qui ont la majorité, c'est eux qui ont le masse-peuple, qui donc c'est eux qui doivent exercer le pouvoir politique dans le pays. Tout le monde admet. Ces gros différences ça, qui existaient entre les libéraux et les nationaux, c'est une cause principale qui retardait le développement du pays d'Haïti. Chapitre 7 Boaon canal 13 e président d'Haïti Le 17 juillet 1876 Boan canal prêtait serment comme 13 e président d'Haïti Il était gain 44 ans Malheureusement, il était, était monté au pouvoir sans aucun programme politique En plus de ça, c'est un pourrianiste Des ordres à la sécurité était blâie pas de prince Tout partout, il y a tiré, il y a assassiné y a volé, y a cassé caille il y a cassé magasin la police était là, n'y a pas me fait un rien. Les reprochait au président Canal de ce que Les toit indolent, le insouciant, ils ont seulement écrit ce qu'on dit, les Ségrenins... Un non seulement après Canal te monté au pouvoir, un peu partout dans le pays, il y a ces bouleversements après bouleversements. Le 17 janvier 1879, 400 maisons, ensemble à la cathédrale Miragouane, brûlées. En avril, à cause de mal une épidémie de la fièvre jaune a éclaté dans le pays. La fièvre jaune, ça a été député à l'État, ministre français ensemble avec le consul général pays-Pérou, dans le Père-de-Prince. Le 30 juin, an, dans la Chambre, le groupe parlementaire noir, participe partisan Canal, le groupe parlementaire Mulatio, Boyer, envoyé, boye Baselet, est tombé de Tigréon sur l'autre. Dans la soirée, Mulatio a réuni, où il n'a pas fait, Kaïboye, Baselet. Pendant trois jours, tu as une bataille dans Port-au-Prince entre Noirs et mulâtres. Le 3 juillet, au canal, vous voyez, mettre du feu, caillez, e et Après deux heures, tout port-au-Prince a brûlé. Ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances et du Commerce, la commune, le Premier de l'État, tout est brûlé. Boirez, Baselet, tu perdu deux frères et plus que 150 mounts sont morts. Après ça, Baselet, ensemble avec de des refuges dans l'ambassade. Quelques jours après, ils sont sortis, ils ont pris un bâtiment, ils sont à Gonaïve. Côté Baselet, elle continue l'insurrection. Ça a duré jusqu'au 17 août, après que toute Gonaïve était brûlé. Baselet et laissé à Gonaïve, il est dans l'exil à la Jamaïque. Après 18 soulèvements en 3 ans, le 17 juillet 1879, dégoûté, Boaon Canal, un an avant Mandal fini, démission et bateau, li pati à Boyon bateau partit à l'exil Saint-Thomas. Chapitre 9 Finissement gouvernement Salomon Dans la nuit du 24 juin 1881, il la courmette des parades dans le ciel. Là même, Téléjol fait songer que la veille sous l'eau, te prêt tomber, tu la comète qui te être dans le ciel là et rien à faire, Salomon pour le tomber. Le lendemain matin, mono t'a réveillé pour jouer un écrit sous plusieurs murailles. à bas Salomon, vive la révolution. Dans la soirée, du feu éclaté dans chèque des Boussal. Le 29 août, c'est presque toute ville au caille qui était brûlée. C'est dans la même époque ça que une épidémie la veille red et dans Bord de Prince. Rapidement, la verrette là te dans tout pays. En pile, en pile, monde te C'est jusqu'en 1883, qui veut dire deux ans après, épidémie ça, que peuple a et la verrette Salomon te fini par faire cousler. C'est tout le temps, Salomon t'a fait la tournée dans le pays. Tout pas tout côté le passé, c'est un seul message dit c'est pour nous dire bah la révolution, et au lieu que nous dit vive la révolution. Le 8 décembre 1881, général des hommes grisso, Prend SNAL Saint-Marc et déclarer la révolution. Salomon décrit la loi martiale. porte au prince Saint-Marc et Jacques Mel, et il fait faire une masse arrestation. En avril 1882, il montant tribunal Saint-Marc pour juger 48 plus gros révolutionnaires. Quoique toutes 48 étaient condamnés à mort, il fait exécuter 28 et qu'il y 20 en prison. Après ça, il déclarait chaque tract que l'exilé ta fait circuler dans le pays, l'après, dans les vin, dans 20 prisonniers, il a fait exécuter. situation était concernée. C'est marc Quand Salomon a deux bateaux de guerre, chaque soldat, te couru entrer dans ville au Cap. Dans une déclaration, il dit, au Cap, Ali seul, empêcher que progrès blaye dans tout le pays. Puis a ajouté, je vin ici pour me craser Plusieurs premiers coups de physique qui tiraient. C'est va signal massacre, du feu, pillage. Malgré ces Monocaille, je en fais plus pour au Cap que je en fais pour Vilocaille. Après ça, Salomon t'a fait faire un pile l'arrestation Il t'a déclaré l'état de siège sous au Cap, for Liberté et Trou du Nord. T'as un groupe qui n'est pas d'accord du tout avec Salomon, c'était les libéraux. À la fin de mois, mars 1883, Jean-Pierre Broyé-Bazlet, à la tête d'un groupe de 106 rebelles, débarquer Ravine-Salé, dans la zone de Salomon, qui t'a pris pile, problème, au lieu que t'attaque et boit à préféré voir Burdel, chargé d'affaires françaises à n'importe où, à parler avec Baselet et Baselet garantit que Salomon a placé le quitter-pays et même a payé toute dette qu'il a fait pour monter rébellion. Baselet a refusé. Entre-temps, la situation devient de plus en plus compliquée pour Salomon. Dans le sud, c'était soulèvement après soulèvement. Le 7 août 1883, un gros du feu éclatait Port-au-Prince. Plus que 100 cas étaient brûlés sous bel air. Le 22 septembre, un groupe de 20 à 30 étudiants, école de médecine et école de droit, ont couru à le point refuge dans le consulat d'Espagne, après que était fin assassiné général Pénor Benjamin, commandant Ville-Port-au-Prince. Dans une heure de temps, un groupe de volontaires noirs montait au palais. Là même, ils ont incendié grand oui Ils ont mis du feu dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère du Commerce et des Finances. Ils ont fait pillage tout magasin rue de défense Et ils ont massacré que soit le qu'ils ont Le lendemain dimanche 23 septembre, commandant quelques bateaux de guerre anglais, français et espagnols qui tenaient de pour au prince, te fait même quoi diplomatique là, yon note by Salomon pour dire s'il pas passé l'ordre. Pour faire tout le brigandage ça, au il y a bomba le national ensemble avec toute force dans n'importe de prince... Le lendemain matin, à 8h, Salomon t'est reçu à notre là. Et à midi, toute bagaille t'est rentré dans l'ordre. Comme bilan, en trois jours, plus de 4000 mulats été mouru assassinés. Dans l'histoire du pays d'Haïti, période de la trouble à il y aurait l la semaine sanglante. Comme ça, Salomon t'est fini par éclater les libéraux. Un mois après, le 27 octobre, Boyi Bazlet est mort, Miragouane, il est mort de dysenterie. À la fin de l'année 1885, l'autre du fait, était est éclaté, OKAI, il faut que nous songeons que Salomon, c'est au OKAI, après qu'il ait fait changer la constitution le 30 juin 1886, Salomon, qui était 71 ans, t a réussi à faire nommer le président pour un nouveau mandat de 7 ans, le 4 juillet 1886 ont du feu éclaté dans la Chambre des députés. À cause vent, du feu ça a été et il te tout toute bonne mer. En tout, presque yon capote au prince t'est englouti. Le 23 septembre 1887, yon tremblement de terre qui fait gros dégâts dans tout le pays. Inquiet, Salomon voyait en exil deux associés politiques. C'est légitime et maniga. Le 4 août 1888, Seyid Telemak, commandant au cap, révolté contre Salomon, et à la tête de force l'armée de 10 000 hommes, il prend la route Gonaïve pour l'entrée de Port-au-Prince à le de pouvoir. Six jours après, garnison, dans la capitale-là, entrée en rébellion contre Salomon. Ministre français, Anglais, Américain et consul d'Espagne dans Port-au-Prince, fait arrangement et ont embarqué Salomon ensemble avec sa famille à, -famil à Boyon Bateau marchant en route pour la France. En partant, Salomon dit qu'il quitte dans le pays, il y a gars, cigare l'humain dans deux bouts. Pour Salomon, ça n'a pas duré longtemps. Deux mois après, le 19 octobre 1888, Salomon est mort et enterré dans un cimetière Passy, à Paris. Historien dit un pile bien de Salomon. Il présente comme un président haïtien qui était quoi dans la discipline et quoi dans le progrès. Il reproche les libéraux du fait que n'a pas météo ensemble avec Salomon et fait payer avancer. Chapitre 10 François-Denis légitime, 15e président d'Haïti Légitime qui a peine deux mois, Salomon Thévault en exil jamaïque, t'es couru entre pas de prince à bord d'un bateau anglais. Légitime t'es fait Jérémy, c'est ton noir, honnête, instruit et modéré. C'est un bon catholique. Légitime, tu la France et tout sac français. C'est un membre de l'élite, quoique il était noir, il était penché du côté des libéraux. C'est un pour Bopal, immédiatement que est rentré pour tout prince, tal poste devant Palère, deux divisions, sous commandement général Botex... En face, en dans la Coupe à verre... général Anselme Prophète, commandant de la garde présidentielle, t'est déployé quelques pièces nom. Avec un pile gomigraez. Yo formé un gouvernement provisoire avec Baron Canal comme président qui décrétait élection pour nommer une assemblée pour venir payer une nouvelle constitution. Avec popularité CI les dans Nord et la tout le monde connaît que c'est lui que la Chambre a nommé président. Le 28 septembre 1888, à 7h30 du soir, trois coups d'âme parti en Dambalère. C'est un signal. La même nom le national a commencé à tirer sur les troupes qui étaient massées devant Valère. Même soir, vers 9h, les troupes heures, mort criblé de balles. Immédiatement, c'est tout le pays a, qui est en bouleverse. Mérisier Jannis a Janice, soulevé Jacques Mel, qui était gouvernement, a allé mettre dehors et l'a soulevé le département du Nord. Le 16 octobre, il a nommé légitime chef pouvoir exécutif. Légitime, tu pour lui, prince. Puisque ouvertement, il t'accusait comme moun qui t'a aidé à Assassinat, assassinat c'est télémaque. la cause que légitime, tu tout toute contre lui. Le. le 27 novembre 1888, yon un comité révolutionnaire te détaché le nord de Respéhia. et te fait le département du nord, vine la République septentrionale, avec Florville hippolyte comme président. Trois semaines après. L'Assemblée nationale n'importe au prince, te fait paraître une nouvelle constitution, la constitution de 1888, et finalement, il a nommé général François Denis Légitime, président d'Haïti, pour une période de sept ans. À peine nommé légitime à Saint-Marc, Egonaïve, et puis les marchés sous le département du Nord. Hippolyte est obligé de courir à de de façon pour le cap traverser frontières, si ce cas, ça t'a mal pour lui. Après que Légitime t'a subi un pile baf, un pile nativiste, il t'a abandonné le. matin 20 août 1889, Légitime réunit dans Palais, tout membre corps diplomatique qui était le Port-au-Prince, il demande pour aider à préserver la paix et l'ordre. Il un ministre américain, un médecin, le docteur Thompson, à le conférer avec Hippolyte qui était déjà gain troupli, massé Saint-Marc, et il était prêt pour marcher sur Port-au-Prince. Le 22 août 1889. Deux jours après que le ministre américain T'ait fait des arrangements avec un ténor Qui était porte-parole Général Florent Légitime t'est descendu sur la Port au prince Côté le pont bâtiment Et il t'est parti à l'exil Légitime t'est passé seulement Huit mois et six jours Au pouvoir Chapitre 11 Louis Mondestin, Florville, Hippolyte 16 e président d'Haïti Immédiatement après légitime Parti en exil, comme d'habitude Quelque général montant gouvernement provisoire une nouvelle assemblée constituante Sous direction anténor firme Et avocat Léger-Covin t'écrit une nouvelle constitution Constitution ça a été promulguée Le 9 octobre 1889 Même jour Florville Hippolyte Âgé de 62 ans monté au pouvoir. C'est une plus de belle constitution pays d'Haïti et yon qui était duré plus longtemps. L'ité était en vigueur jusqu'en 1918, qui veut dire pendant 29 ans. Hippolyte était petit, go naïve, le 17 octobre 1889. Florville Hippolyte pas de savoir. Cependant, il était très intelligent. Il était choisi pour aider le diriger le pays a, des éléments vraiment compétents. Comme militaire, il était là pour l'ordre et la discipline. Cependant, comme dans le temps, ils te font crise, ça c'était la cause que t'es fait gros coller, fait gros collè, Et ça, et c'est ça qui expliquait plusieurs mauvais actes qui te commettent ce gouvernement. Trois semaines après que Hippolyte prend le pouvoir, il publie un décret qu'on a invite tout exilé politique retourner dans le pays. Sous Hippolyte, la presse était libre et la Chambre te fonctionnait fonctionnée sans problème. C'est sous Hippolyte en 1890 que les frères de l'instruction chrétienne ont fondé l'école Saint-Louis de Gonzague dans Port-au-Prince. frères ont bâti l'école pour Garçon dans plusieurs grandes villes dans le pays. C'est sous Hippolyte que le département des travaux publics a organisé. Ils ont fini construction du palais des ministères. Ils ont bâti un gros local pour loger la chambre des députés. Ils première usine à glace dans le pays. Avant ça, c'est en Europe et dans une zone Boston aux États-Unis que vous êtes chercher glace. gouvernement Hippolyte l'a dessiné plus que 50 contrats. Contrat service hydraulique, contrat télégraphe terrestre, contrat téléphone, contrat cap sous-marin, contrat WAF, contrat marché vallière avec l'abattoir Port-au-Prince, contrat marché cluny avec pont Hippolyte au Cap, contrat pont la rivière Momence, contrat centrale électrique Jacmel. Et il faut que nous connaissions que Jacques Mel, c'est le premier à ville d'Haïti qui était éclairé à l'électricité en 1895. C'est un véritable carnaval contrat. c'est pas de scandale ni de gargote qui a gagné dans ce contrat. C'est sous Hippolyte que le premier dans sa postolite est arrivé en Haïti. Hippolyte a établi une relation diplomatique avec Berlin et a loué l'ambassade d'Haïti à Londres et à Madrid. L'été, on rencontre Tomaso avec le président dominicain Ulysse Euro. Le bon qu'on nous connaît, que papa, le président dominicain, ça a. Ulysse Euro, c'est un haïtien. Et maman, il dominicaine. dominicain. Le 28 mai 1891, général Sully Guerrier, ensemble avec François Gracia, un officier garde présidentielle, prend les armes. Il a attaqué pénitencier national et a libéré un groupe prisonnier politique. La même patrouille pour la rue Port-au-Prince et ont exécuté plus que 150 conspirateurs. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1896, Mérisier Janis soulevait Jacques Hippolyte, en dépit d'octeur, te dit le non. Le 24 mars 1896, grand matin, il monta à cheval et il décide de prendre route Jacques pour l'altroquer conli avec Mérisier Janis. Les Hippolyte rivaient pour tailler au gagne. Ils te font crise que il tombé sous cheval là il t'est Chapitre 12 Tiresias Antoine Simon Sam, 17e président d'Haïti. Le 31 mars 1896, sept jours après la mort du président Hippolyte, l'Assemblée nationale réunit au nom de Tiresias Antoine Simon-Sam, président d'Haïti. A pas à faire l'armée, Simon Sam s'étant incompétent, sans plan et sans programme de gouvernement, l'ité vint seulement pour suivre travail qui était déjà commencé sous Hippolyte, tels que construction yon ligne rail-train qui relie Port-au-Prince à Thomaso, yon lot ligne rail-train qui relie au Cap à la Grande-Rivière du Nord et yon service tramway train Port-au-Prince. Dès dans le pays, a, et c'est sous gouvernement qui Simon Sam, que l'influence blanc allemand, ça a vraiment commencé par C'est allemand, yo, surtout, qui t'a commandé des marchandises à l'étranger. Et comme spéculateur, tu as vendre en Europe, et ont une bonne partie d'argent que le pays a produits. Nous songeons que le gouvernement Hippolyte a signé plus que 50 contrats avec une bon spéculateur haïtien et étranger. Et dans bien des cas, tu une bonne partie de l'argent, a versé avant même que le travail ait commencé. Comment, pile dans le contrat, tu as à l'étranger Il s'est trouvé en fin de compte que ce gouvernement qui était toujours sorti victime. Parce que finance est sous la graba. le président Simon Sam a mis de yon bon, avec un gros rabais de plus de 40%. Le commerçant allemand été tombé acheter bon ça avec rage et courage. Comme ça, il était venu un pied sous tête gouvernement, qui finalement est obligé faire une bonne concession dans les fait usine à glace, dans compagnie compagnies électriques, dans la douane, dans WAF et dans les train. C'est l'affaire Ludes qui parle permettre de regrossir le pouvoir allemand au terrain dans le pays. Émile Luders c'est un petit blanc allemand avec une haïtienne. Le 20 septembre 1897, un policier a arrêté un employé que était accusé de vol et qui a travaillé dans les écuries nationales que Émile Luders t'a dirigé. L'UDES est un bas de policière. Le lendemain, il a arrêté l'UDES. Ils ont jugé, il ont condamné pour le passer un mois en prison et pour le payer amende. Dans la suite, affaire allait en correctionnel. foi ça, condamné l'UDES à un an de prison. Raison, c'est que trois ans de cela, ils ont arrêté l'UDES sous pression. Le gouvernement a libéré l'UDES et déporté en Allemagne. Chargé d'affaires allemands, n'importe où, au prince il y a un certain Comte von Schering, mandé gouvernement pour le révoquer juge ensemble avec tout policiers qui étaient impliqué dans l'affaire. Il était même exigé que le président Simon Sam pour le présenter personnellement, il une note de protestation du gouvernement allemand. Simon Sam était vague, von Le 6 décembre 1897, bien bonnet, par en rade au prince deux gros bateaux de guerre allemands. Capitaine Thiel, commandant en chef de bateau allemand, yo, fait gouvernement haïtien connaît qu que le gagne jusqu'à une heure de l'après-midi pour premièrement payer l'UDES 20 000 dollars. Deuxièmement, réadmettre l'UDS en Haïti. Troisièmement, présenter excuses au gouvernement allemand. Quatrièmement, yon salut de 21 coups de canon à drapeau allemand. Cinquièmement, réception au palais de compte von Sharing chargé faire allemand. Et sixièmement, descendre le drapeau haïtien qui n'a pas le national là et monter dans le place un drapeau blanc si à une heure de l'après-midi. Toutes les zones ne pas exécutées. Bateaux de guerre allemands ne sont pas bombardés par l'air ensemble avec tout le au prince Si vous savez allemand des représentants américains dans le au prince, si dans la zone n'a pas aucun bateau américain qui te capu, il pour a concours, eu aucun bateau de guerre américain dans dit non, pas eu aucun bateau de guerre américain dans zone À 4h de l'après-midi, le gouvernement a fini par rassembler 20 000 dollars, Émile Lyders a débarqué, le Fonds national a tiré 21 coups de canon. e prezident Simon Sam te oblige recevoa ofisyeleman nan pale nasyonal, chaje da fe alman, kon van chering. Pe pa isyen ki nan tan sa, te gonsan nasyonal is ki tap koule nan vanyo, pat padone Simon Sam pou gwo souflet sa, ke alman o te bay piya. Pendan tout resman dal, kom Simon Sam te gen pou lkolte ak an pil insyreksyon, li te fe an pil arestasyon, Et en pile exécution. Finalement, le 12 mai 1902, trois jours avant mandal fini, Simon Sambal démission. C'est ton manœuvre, puisque avant ça, Simon Sam te fait une vieille élection magouille, quand elle te fait passer comme député, une bonne petite famille, tu était sûr qu'elle te bien assez votes pour nommer ce le compte président pour venir remplacer. Dans l'après-midi, jour élection, peuple souverain envahit la chambre. Il Y envahi palais, y envahi l'Asnal, bilan plusieurs centaines morts et blessés. Le lendemain, sous protection même corps diplomatique dans Port-au-Prince, Simon Sam, -à le Lecomte, avec toute famille qui était Port-au-Prince, à un bâtiment et y allé en exil en France. tirez Simon Sam, tu passé six ans, un mois au pouvoir, et l'histoire rapportait que le tirez Simon Sam tombé, il était en dépôt dans la banque en France une fortune de près de 3 millions de dollars américains. Chapitre 14. Procès de la consolidation. Finissement gouvernement en ton or. Comme le président Hippolyte t'a prêté un pile d'argent à un commerçant haïtien et étranger, le gouvernement de Simon Sam qui vient après Hippolyte, t'a signé une convention pour consolider toute dette. La Chambre, après ça, a voté deux lois qui viennent diviser les dette en deux catégories. Les consolidés bleus, que le gouvernement est d'accord pour le payer, à un taux d'intérêt de 12%. Les consolidés roses, que le gouvernement était d'accord pour le payer à un taux d'intérêt de 6%. Entre-temps, on a de monter président, dans le commencement de l'année 1903, il y a eu un gros magouille qui t'a fait dans les affaires pays de consolidation. Le scandale a éclaté. Les OIC converti en consolidé bleu deux vieux bons qui payés déjà La Là même, il y a eu une commission d'enquête qui révélait que près de 2 millions de dollars étaient fait chemin cocher. Ils ont l'action publique en mouvement et en octobre 1903, ils ont arrêté Joseph de la Mire Maury, Yon Blanc Français, qui était directeur de la Banque nationale, Georges Olrich, Yon Blanc allemand, qui était sous-directeur, Jean-Baptiste Pout de Puy-Baudet, Yon Blanc Français, qui était chef de service, et Rodolphe Tippenauer, Yon Blanc allemand, qui était l'autre chef de service. Ils ont arrêté tout, ils ont ben gros gauche à haïtien. La France t'a fait grosse pression militaire sur Tonton Nord pour forcer libérer deux employés français. Yo. Tonton Nord t'a ferme. Il t'a fait comprendre, Monsieur, abjuger et si au coupable y a pas en prison. Malgré situation crise ça, Tonton Nord t'a quitté Port-au-Prince. C'est algo naïve pour fêter 100 ans indépendance pays d'Haïti. Pour occasion ça. Il été fait bâtir naïve, yon palais qui te gagné quatre grands portails. Le palais du centenaire. Chaque portail, il y a un nom. Un portail, c'est le portail Toussaint Louvature. Un deuxième, portail des Salines. Un troisième, portail Pétion. Et un quatrième, portail Nord-Alexis. Le 1er janvier 1904, dans Gonaïve, plus passé 250 000 personnes ont Et c'était gros fête... Pour occasion ça, Occident est composé 1804, yon marche militaire. Et Justin Lérisson était composé hymne national la dessalinienne qui c'est haut pays d'Haïti. Pendant que une bonne belle cérémonie t'a déroulé dans Gonaïves, n'importe au si un groupe de plus de 20 conspirateurs décide décidé point les armes pour renverser Dondonor. Dans 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 dans. Ça pas de marché. Ils t'ont arrêté conspirateurs et ont fusillé au tout. Le 14 mars, la police du Centenaire qui encore, encore cours les Anglais de Soulouk, arrêté et assassiné un co-intellectuel qui était rélimassé en en saint marc de -Frel. Personne, pas connaît combien de monde qui était assassiné dans ça. Le 28 novembre 1904, un assise criminel possède la consolidation en tel ouvrir. Après 20 jours, le tribunal a été prononcé de condamnation. Il y un pour monde qui était en prison dans pays hier. Yeah. C'est comme ça que bon Guillaume est condamné aux travaux forcés à vie 5 accusés à 4 ans de travaux forcés, 4 à 3 ans de travaux forcés et 3 ans de prison. T'as une deuxième qualité de condamnation qui te frappe accusé qui t'a vivant en exil. C'est comme ça, l'ancien président Tieré. Si on s'amuse condamné aux travaux forcés à vie, 11 accusés à 15 ans de travaux forcés et 8 à 5 ans de travaux forcés. Tout le monde est d'accord que c'est un bon procès. Après condamner, condamné, tu remets l'État, tout l'argent qui t'est fait chemin cochu et payer dommage intérêt. Tonton Nord te il t'est fait grâce. C'est ça d'ailleurs qui te permet de condamner. C'est le compte, Tancred August et Villebon Guillaume Sam, qui Pita, président d'Haïti. À partir de janvier 1908, il était clair que Tonton Nord pral Le 15 janvier, général Jean Jumeau débarquait sur le saint thomas et le soulevait la Tibonie. An tenor qui était Saint-Thomas courir entre Gonaïve naïve un groupe partisan. Dans un accrochage, marchant de salines, Jean-Jumeau était mourit. Les finins apprennent la mort de Jean-Jumeau, il court à prendre refuge dans le consulat français à Gonaïve. Le 15 novembre, Tonton a no révoqué général Antoine Simon après 18 ans que le tape commandé caille. La même, Antoine Simon, à la tête de force l'armée, marchait sous bord de Prince. Le 2 décembre, Tonton Nort accompagné de ministre français, descend sous Waf, à Pont-Bâtiment, qui mène elle en exil jamaïque. Le peuple souverain profiter profite, fait pillage en pile magasin, surtout magasin arabio. Tonton Nort a passé six ans au pouvoir, il est mouru en 1910 à l'âge de 90 ans. Chapitre 13. Pierre Nord-Alexis, 18e président d'Haïti. Après Simon Sampa, en exil, c'est Boiron-Canal, l'autre fois encore, qui montait à la tête d'un gouvernement provisoire. Parmi quatre candidats à la présidentielle, c'est Antenor Firmin et Général Nord-Alexis qui étaient plus en vue. Antenor Firmin, c'est un gros intellectuel que tu connais dans tout pays. C'est lui qui suit pour et empêcher le gouvernement américain installer une base militaire. Moi, c'est Nicolas. Firmé un ambassadeur à Paris, t'es couru en Haïti pour te porter le candidat à la présidence. Firmé, tu en face, le général non Alexis, que tu en baillonti jouette tonton non. Ambition, tonton-noir. est te tellement fort que pata le pataprecul reculer devant un rien pour te dériver président d'Haïti. Laissons-moi ça, pas en exil. Amiral Hamilton qui te prévoit que ça va le gâter. T'es embarqué à bord de deux bateaux de guerre haïtiens, la crête à Pierrot et tout sur l'ouverture, ils ont cargaison Zamac munitions et le pour pour un comment événement pour le développer. Madame Firmain, c'était petite fille Sylvain Salnave. Or, oh, comme c'est Boiron Canal qui t'a commandé le d'exécution, qui t'a fusillé Sylvain Salnave, du tout. Et c'est ça qui la raison qui fait que Boiron Canal, comme président provisoire, pour favoriser Tonton écrasé ton écraser un ténor Firmin. Au Cap, toute population était sûre que Firmin pourrait passer comme député pour à circonscription et de la montée pour au prince à la Chambre poser candidature à la présidence. Le 27 juin 1902, nous avons ce bruit au Cap entre partisans Firmin et partisans Nord-Alexis. Malgré qu'on coupe au frère, Albert Salnave, qui était commandant la place, et Hamilton Kilik qui te débarqué au cap escouade marin bien armé, tonton no, avec l'équipe l'IA te forcé firmé, ensemble avec tous les marins réembarqué à bord la crête à Piro. Immédiatement après, ils yo ont déchouqué une belle caille que firme a gagné. Sac qui est pertes c'est manuscrits livre Histoire d'Haïti, que Firmé a écrit et que le fait publier. Le lendemain, l'autre bateau de guerre, tout Saint-Louverture, te fait naufrage dans la zone Caracol. L'infirmerie le gona peuple Gonaïve l'a déclaré le premier député. Tout partout dans le pays, a, partisans ont décidé de soutenir firme, même par les armes. Cependant, si firme était populaire en province, il n'y pas populaire à Port-au-Prince. Là même, les partisans tontonnoyaux passaient à l'action. Ils ont fait un pile choc avec les partisans firme, surtout l'Imbé, Saint-Marc, avec Saint-Michel de la Saint Saint Dalagne, et ils ont fait du fétiguave Pendant que le bagage était chaud, gouvernement a envoyé un bâtiment allemand dans le nord, a porté des munitions pour ton le Amiral a la crête à pierre, saisi le bâtiment allemand et capturer capturé toutes les armes et toutes les munitions qui étaient à bord. Là pour là, le gouvernement a décrété la crête à aux pirate et a yon bateau de guerre allemand qui était le panthère a capturer la crête à pierre Quand mm -hmm. le Panther est arrivé dans le roi de Gonaïve, Amiral Kilik qui était malade, après que la veille il était perdu en douette, monte a monter à bord. Il envoyait tout le monde, sauf Dr. Coles, qui était rester avec lui. Au lieu qu'elle te rende ou bien te livre Batoa, Kilik t'a préféré développer Coles dans un drapeau haïtien. Elle t'a tiré sous gros dépôts qui était en bas dans la calbatoua. La crête a explosé. Kylik, à pieds exploser Kilik, ensemble avec tout Dr. Coles, tous les deux, t'es Ça t'est passé le 6 septembre 1902. Destruction de la crête à pied haut, en sans qui lit, était un coup dur pour Firmin. Après un mois, Firmin réalisait que dans un point moyen qu'il y avait encore, le 17 octobre 1902, il prend un bâtiment et là dans l'exil Saint-Thomas. Après départ Firmin, le pays a été perdu. Ou du moins, avec départ Firmin, le pays a été perdu en pile, parce que dans le temps ça, Firmin, c'est un raï haïtien qui vraiment a fait la différence. la même, Tonton Nord, à la tête du gros force l'armée, quittait le département du Nord et rentrait par le prince le 14 décembre 1902. Trois jours plus tard, le 17 décembre, l'armée Tonton Nord a nommé le président et ont installé le Navalais national. Quatre jours après, la Chambre ratifie le coup d'État et reconnaît le général Pierre Nord Alexis, 18 e président d'Haïti. Pierre Nord Alexis était fait en 1820. L'été, président, ou du moins, l'élévé président, il est un grand monde de 82 ans. Il est marié avec une dame qui est Amélia. Amélia, c'est ton petite fille, ancien président Jean-Louis Pierrot. Président Pierrot, pour Bopal, il marié avec ton petite soeur, Madame Henri Christophe. Qui donc? Ce qui est très important, Pierrot, au lieu de frère, c'était plutôt beau-frère, Madame Henri Christophe. Et Amélia, c'était nièce, Madame Henri Christophe. Amélia, c'est ton mambo. Et au Tebaïo, vétinon, jouette cessez. tonton No c'est un illettré, il était un secrétaire qui était connu lire pour lui, il était suspect, tout blanc, tout étranger, et il était pensé que Mounsaïo avait une mauvaise idée sur pays pays. tonton no c'est un patriote qui était toujours parler de la patrie, ensemble avec yo qui était fait 1804. Seule l'idée qui était dominelle c'était conserver indépendance pays d'Haïti. tonton No était mal conscient, après qu'on balle éclatait dans la tonton No était très dur, il était très méchant. Il qu'on marche avec un gros coco macaque et le patte kon néglige ses Depuis quelques années, un bon arabe, ça fait pas bon, qui était en Syrie, au Liban et en Palestine, T'es envahi marché rural, côté où tu toute qualité de marchandises. Il est dans le pays à sous décollage avec faux visa américain. Comme un pilon, il n'y pas même qu'à a acheté un bourrique, il à obligé d'aller de marché rural à marché rural avec une boîte de marchandises chargée sous dos. Kom pri ka fe a te tombe al etranje, sak la koz ke gouvernmentanton nou a te chajak poublem finance. Yo te rena pova Arab yo responsab, kom mal fini bek fin, ki vin fe dapiyan sou riches peyi ya. Yo te fe Arab yo pase de tre mouve mouman, e yo te ekspulse en pil nan yo. Nous arrivons dans le finissement de première édition, volume 5. Quand a, nous pral point volume 6, qui en l'autre d'enregistrement, pour nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Encore une fois, songez bien ce seul général d'histoire qui a fait nous revivre et comprendre tout le événement qui t'est passé dans tant longtemps et forcez-nous tête nous ensemble et où oui, ça nous a fait. Pour haïti, chérie, nous haïti, Chapitre 8 Dizirus Félicité Salomon, 14e président d'Haïti. C'est Salomon qui pour vine mettre un point final dans fait mettre au pouvoir un gouvernement de doublure. Ancien ministre des Finances Soussoulouk, et non même plusieurs fois ambassadeur à Paris et à Londres, politicien noir, tant cumule nous a tout est peur Salomon, parce que c'est pour la première fois que dans le pays d'Haïti, ou tes un jeune politicien haïtien aussi bien préparé. Salomon t'a profité pendant que le temps en Europe pour l'étudier et augmenter connaissances. Il t'a fini par entrer dans le pays le 19 août 1879, après qu'il t'ait passé 20 ans et 7 mois en exil. Quoique ambassadeur, même qu il même qu'à venir en vacances en Haïti. Il t'a toujours trouvé yon raison, yon prétexte pour pas quitter l'entrée dans le pays. Après, bon canal en exil. Il était formé en gouvernement provisoire. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1879, après un coup d'État, Salomon était monté comme chef d'un nouveau gouvernement provisoire. Finalement, après qu'ils aient fini de réviser la Constitution, le 23 octobre 1879, la chambre été nommée Lysius Félicité Salomon, 14e président d'Haïti. Salomon était fait au caï en 1815 et était arrivé président à l'âge de 64 ans. Il faut dire que depuis Geoffroy, c'est la première fois qu'un président est arrivé au pouvoir avec un programme de gouvernement en cinq points. Premièrement, réformer l'éducation. Deuxièmement, nettoyer les finances publiques. Troisièmement, professionnaliser l'armée. Quatrièmement, augmenter la production agricole. Et cinquièmement, restructurer l'administration publique. Après seulement quatre mois qu'il est au pouvoir, Salomon présenté la Chambre une loi pour créer une banque nationale. Banque ça a été faite. Pour le succursales dans la principale ville-province dans le pays. Et World Bank Sahara, c'était premièrement recevoir dépôt, fonds, l'État. Deuxièmement contrôler toutes dépenses l'État. Salomon a recherché chercher en France 17 banquiers pour venir diriger Bank Banque Sahara pour régulariser finance du pays. Salomon te payé en point millions que le gouvernement Domingue l'a fait en 1875. Le 1er, janvier, le 1er juin 1880, Haïti a adhéré à l'Union postale universelle. C'est dans la date ça que mon, en Haïti a entré en correspondance par lettres avec le monde entier. C'est la première fois sous Salomon que le pays a commencé à faire timbre pour poster lettres. Salomon a fait établir un service câble télégraphique qui reliait Port-au-Prince à Kingston, Jamaïque. Sept ans plus tard, il été fait installer un lot de câbles qui reliait nicolas à Santiago de Cuba. Salomon t'est fini par payer dette indépendance que Boyer t'est signé avec la France en 1838. Salomon t'est fait un pile de réparation dans le lycée Pétion. En plus de ça, il été chercher en France plusieurs professeurs pour venir enseigner dans le lycée Pétion, pas au Prince, et dans le lycée Philippe Guerrier, au Cap et au Caille. C'est sous Salomon que tu commencé vraiment à ouvrir l'école rurale dans le pays. Hier, L'IT réorganisé l'école de droit et l'école de médecine au prince C'est à époque ça, que jeune mulâtre, après études militaires en France, t'est décidé d'entrer dans l'armée d'Haïti. Avant ça, c'est presque noir. Seulement t'es bien dans l'armée. C'est sous Salomon que quelques mitrailleuses t'es rentré dans le pays. Bien entendu, mitrailleuses Sahara ont été au service seulement militaire de la garde présidentielle. Depuis 1872, Sonny sage le faut qui est en circulation dans le pays c'était l'argent américain. En 1880, Salomon décidait de corriger la situation. Ça, il a commencé à faire l'argent métal et l'argent papier. Il y a en pile de réclamations que les commerçants étrangers étranger quittent un magasin ou bien des fonds de commerce ou pillé, brûlé ou saccagé. Le gouvernement a eu pour à tellement de problèmes que le arrivé il, y a il, y a temps, il y a pas de cap payé l'État. Cependant, Salomon t'a employé des mesures financières tellement habiles qu'en 1887, Les Haïtien, non, ont même valeur à dollar américain. Oui, en 1887, sous Salomon, Les good Haïtien ont yon américains dollar américain. En 1883, Salomon t'a fait la chambre, passer une loi. Sous cette demande, le gouvernement t'a distribué en pile moun, entre toi à 5 terre l'État. Si entre deux et cinq ans, trois canons de terre sont plantés en denrées d'exploitation, Mounsa, qui tape travaillé travail de immédiatement propriétaire. En 1887, légitime qui était ministre de l'Agriculture, a organisé la première exposition en Haïti. Pour ça, il a été bâti en Gokai. C'est dans sa, que l'école de médecine y est, je veux dire. C'est sous Salomon. ke travay konstruksyon pale de ministère de komanse. Kom Comme pale nasyonal la tebomba de soucis vin salnav, Salomon te fe bati yon nouvo pale, ki malourezman pral disparet ak sensinatus le kont en 1912. On y a respet pou tout moun ki branche page li swa sou l'ouverture medya. Sopote kwa abone, la mwen vito pou fè sa konya pandan lot chapit paj l'histoire pral komanse nan kelke segonde. Se yon nan fason pou ankoraje l'ouverture medya kontinye travay edukasyon sa akoun ap fè pou la jwenez kakon istwa pe il. Nou remensyo pou ekoutou e pabliye abone. même c'est Jean-Julien, qui dans le cadre de la collection 2004, aux collections du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient d'inviter à nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Enregistrement à ses premières éditions, volume 6, qui pourra commencer en 1908 avec Antoine Simon, pour arriver jusqu'en 1922 avec le président Louis Borneau en passant par Occupation américaine et charlemagne magne Volume 6, ça a un chapitre. Chaque chapitre séparé avec une pause musicale qui sont musiques classiques haïtiennes, exécutées par Edi Prophète, yonampi grand pianiste haïtien, dans le commencement 21e siècle. La. Premier chapitre, Antoine Simon, 22 décembre 1908, 2 août 1911, 19e président d'Haïti. Jalno Alexis tombé, il prend un bâtiment, il parti à l'exil, Jamaïque. Deux jours après... Le 5 décembre 1908, Général Antoine Simon, à la tête de la force armée de 8000 soldats, rentrait Port-au-Prince. Le, le lendemain 6 décembre, il pouvoir. Deux semaines après, le 20 décembre 1908, toutes 117 députés et sénateurs voté en bloc. Général François Antoine Simon, 19e président d'Haïti. Antoine Simon, c'est un paysan. Il était fait dans la section rurale, tout prévu au CAI. Il monde simple, modéré, malgré le pas de savait. Il était très intelligent et il manquait pas de bon sens. Il a sa carrière militaire comme chef section. Il montait, il a pris grade. C'est comme ça qu'il était général il a commandé des départements du Sud pendant 25 ans. paysans dans le Sud ont en pile. C'est pour ça que été composés en pour lui. Antoine Simon n'a pas mouru pour Où Ou ses lampes, nous ses papillons. Comme président, Antoine Simon a eu une bonne idée. Et peut-être qu'il a fait une pile bien pour le pays. Malheureusement, il était mis pour aider le dirigeant pays, il y a un bon malhonnête qui n'a pas l'autre bagaille sinon volé et plein pochot. Parce qu'Antoine Simon n'a pas les parler français, il n'a pas de aucun respect pour lui. Il est tombé passé dans la bêtise. Il est même le président Gade Champette. ...l'elle comme ça, en septembre 1909, il fait passer une loi di qui dit que n'importe qui a passé, tout le monde fait pour suspendre le fumé, retirer le chapeau et saluer le bien bas. « Sinon, on ne va pas arrêter. Il y a pris un en bakou Makak et Abjetoun en prison. » Mon pote au prince t'es passé Antoine, Antoine Simon en Babétis-Pirède. Antoine Simon, en ce toute famille, c'était vaudouisant. Et c'est une religion qui été pratiquée ou vêtement sans cachotterie. Comme commandant militaire du département du Sud, Antoine Simon t'est arrivé tromper évêque au Kaila, monsieur Maurice, et faire chanter l'enterrement simalo. Yon petit cabrit blanc que le gagné. Antoine Simon te même rive faire enterrer Simalo dans en cimetière au Caille. Naturellement, ça fait bruit. Après ça, monsieur Maurice passe l'ordre que yon paix fait pour faire l'ouvrir tout ce que Ouais, si c'est un monde moun qui est dans ce caille là avant que le cap chante yon enterment. Antoine Simon te gon petite fille que te remet en pile qui te laissé Celestina. Celestina, ça, c'est ton gros mambo. L'Italou vont péristyle des balères et ils te font cérémonie Dans commencement du 20 siècle, Blanc français et blanc allemand, allemands ne manqué pas jouer un rôle dans affaires pays. Les États-Unis te surtout allemands, parce que c'est eux qui contrôlent les compagnies train, usines glace, ou à compagnie Prince, compagnies électriques, Photo Prince, et au Cap. En plus, les avec femmes haïtiennes. ont façon pour arranger les affaires. Parce que le paysat n'entend ça. Pas de permettre étrangers, fait commerce. C'est l'Allemagne qui te convoyé Vente. Y bon parti dans le pays a fait l'autre bord de l'eau. L'Allemagne pour qu'on parle, te acheté plus passé. café un tiers qu'a café que pays des produits. C'est l'Allemagne qui te commandé en Allemagne produits. en coup, ciment bière, médicaments, actuels. Influence l'Allemagne te fond dans les affaires politiques. Commerce l'Allemagne t'es qu'on acheté bon. Non, mais n'importe qui général qu'il veut faire une révolution. à raison de discours pour un Si ce révolution a triomphé, gouvernement qui monte au pouvoir est obligé de payer les allemand yo, Yondola, pour chaque bon discours. Si pa mal chans, pas mal chance, révolutionnaire révolutionnaires n'ont pas triomphé, dans ville-province, ensemble avec mission allemande dans au prince ont toujours l'ouvrir porte de battant pour les révolutionnaires asile politique. Entre l'année 1912 et 1914, comme l'Allemagne a gagné plus d'influence en Haïti que dans toutes les autres îles dans Karibla, pour le gouvernement américain, il était sûr que l'Allemagne pourrait occuper le pays d'Haïti. Et les États-Unis ne voulaient pas de que ça arrive. Après procès de consolidation, tonton note a été même Banque nationale de la République d'Haïti. Ça la cause, de ne pas de gain' banque dans le pays. Quel gros autobus français a allemands ont boit. Kèk gwozotobou emeryken lot bo, tou le dèk goup yo tap fè demache pou se yon nan yo ki gen kontra pou louvri bank nasyonal de la republik da iti. Antoine Simon deside bay blan fransè ak blan alman yo dwa pou se yo ki louvri bank la. La men, Washington fè Antoine Simon kompran ke aranjman sa kont enterè peyi emeryken. E sil persistè, sa kap tou nou menas grav pou severentè ak independans peyi da iti. Antoine-Simon bligé Febac. et le 11 janvier 1911, Banque la a ouvrit avec la First National City Bank 50% toute sa Banque Nationale de la République d'Haïti Au commencement, Banque a deux directeurs, un Américain et un Français. Après ça, Banque la a seulement un Américain comme directeur et c'est la First National City Bank qui était représentée Banque Nationale de la République d'Haïti comme agent dans New York. Ça qui plus grave malgré bank la banque là, c'est une banque haïtien, Le gouvernement haïtien est obligé de payer 1% d'intérêt sur toute fonds d'agent que l'État a déposé dans Banque nationale de la République d'Haïti. Chapit 2 Kontra McDonald Haitien komensal koupe kon Cuba Finisman gouvenman Antoine Simon Tekon blan Ameriken kitere le James McDonald Msyen te vle fè gouvenman ba el doa Poul metre ray E fè tren konekte e kouri nan depatman l'Ouest La Tibonit ak depatman du Nord Pou kouvri depansyo Li mande gouvenman pou l'ta fè bon Ke l'Etat Haitien ta garanti Et sous tel état de bord à l'étranger, il banane. À la taxe que l'état prend le charger la douane, les prend le vendre de la L'état a ramassé beaucoup bon pour rentrer bon C'est une opération tête chatte et Antoine Simon pas de pas marcher. Pour craser courage Antoine Simon, McDonald Madame a Celestina il cadeau cadeau yon collier en perle, s'il t'a fait papal si un contrat. Antoine Simon, pour faire Celestina plaisir, yon petit que le te remet en pile, la même si un contrat. Même soir, McDonald by Celestina collier en perle. C'est longtemps après, le Celestina en exil Jamaïque, que le te fini pas à que collier en perle, McDonald te balla, c'est un collier chrysocal qui pâtent même vos 5 dollars. Célestina, après ça, fait sem si on joue le croisé avec McDonald's, la bonne tasse café en mai à Cli et la rachelle à coute Machette. Il faut dire que quand on fait McDonald's, ça, c'est un flop. Tout d'abord, la banque pas d'intérêt à mettre l'argent dehors pour financer le projet. Ça. Deuxièmement, pas de jambe, fig banane qui te planté. Troisièmement, t'es as trois lignes. Yon première ligne, te connecté au point saint marc verret yon deuxième ligne, tu connecté Gonaïve-Henry. Et yon troisième ligne, tu es connecté au cap grand du nord et Baron. Mm -hmm. Quatrièmement, tout travail, est fait trois côtés différents et pas de gagné aucun plan pour te faire trois systèmes de vignes seul. Comme ça, tu es obligé de gagner trois bureaux, trois dépôts-pièces de rechange, de trois équipes travailleurs. Cinquièmement, comme les Haïtiens sont pas habitués à faire un travail, ils sont obligé obligés de chercher aux États-Unis ingénieur, ingénieurs, des et travailleurs pour venir faire du travail. haut ont roulé pendant quelques années. Après ça, asko ont fait quelques wagons rouler sur les rails pour transporter les cannes dans les usines. Mais hier, tous les rails disparaissent. C'est en 1910 que jeune garçon, ça fait pas bon, avec un pile paysan Haïtien, et commencé à quitter le pays pour aller à la safra, qui veut dire à couper le Cuba. C'est surtout c'est Nicolas. Seigneur Nicolas a été embauché. L'embauchage a été fait sans formalité. Il a été sans passeport et il n'a pas de dans quelles conditions il le travail, Ni comment il a retourner en Haïti, la saison sucre a fini. Ça rappelle que hôtels Seigneur en en Afrique et a en esclavage dans ces domaines. En pile dans couper coupercron, était Cuba. Et descendant descendants fait que aujourd'hui, il y a une grosse colonie haïtienne cubains qui vivent dans province province orientée dans Cuba. Yon l'année après, Antoine Simon est monté au pouvoir. Il était clair le le pas dirigé le pays. C'est comme ça Il a fait arrêter un bon monde. En pile dans le prisonnier, il est mort grand En pile, l'autre est tout fait parce que caché cachet était trop petit. Pour qu'un y bon tout sa yo qui t'es en prison, il fait fusiller un pile intellectuel, un pile savé. Le 2 février 1911, saint sinatus le Comte soulevait Kakoyo dans Wanamet. La même, président Antoine Simon, à la tête d'une force l'armée marchait sur département du Nord. Cincinnatus sinatus le Comte t obligé à le prendre refuge dans le consulat allemand dans la ville au Cap. Après qu'elle t'est point en liberté et mette du feu à Antoine Simon retournait à Bordeaux-Prince. soulevait encore. « Fois ça, c'est toute nord d'Essla qui t'est levé campé. Antoine Simon retournait encore dans le nord. Mais l'aile réalisait toute la mêlée l'a abandonné, dit courir rentrer à Bordeaux-Prince. Le, le 24 juillet 1911, c'est sinatius le comte qui est en exil en Dominicanie, rentrait au Cap-Côtel, déclaré tête le chef de la Révolution. C'est presque tout pays à conière qui soulevait contre Antoine Simon. Furniss, qui était chargé d'affaires américaines, a offert Antoine Simon pour voir marine américain américaines débarquer de pour combattre Kako le cacolo et aider le pouvoir. Antoine Simon a refusé. Le 2 août 1911, Antoine Simon, en avec la famille, est descendu sous WAF, a pris bateau puis est allé en exil. L'Eurivet, il a rejoint Masmoun qui a pris pour faire un vase sur Il a tiré sur Celestina qui pombal dans bras yo sauvé grâce à un directeur compagnie chemin de fer qui t'évolpé yo en dans un drapeau allemand comme ça yo ont réussi monter à bord un bateau américain qui t'emmène yo en exil Jamaïque peuple après ça al pour déchouquer quelques magasins allemands comme dans sans ça es toujours un bateau de guerre allemand en rade là quelques soldats allemands sont débarqué pour une mission diplomatique allemande somme avec tout magasin allemand ou port au prince, sécurité. Antoine Simon est parti en exil avec une fortune de plus de 1 million de dollars. Il est retourné en Haïti en 1914. Il est passé à Rezville sous habitation qu'il a gagnée dans la zone de Borokaï. il de mort le 10 janvier 1923. Côté de 1911 à 1915, nous poiloué en 4 ans sept gouvernements défilés, yon après l'autre, à la tête de pays. Chapitre 3. Cessinatus le compte, 14 août 1911, 8 août 1912, 20e président d'Haïti. Le 6 août 1911, quatre jours seulement. Après Antoine Simon Paty, sinatus le Comte rentrait Port-au-Prince et la même l'a installé dans le palais national. Premier acte que fait, c'est empêcher un ténor Firmin qui était dans à bord de un bateau français débaqué. Firmin était obligé de retourner à Saint-Thomas, côté le pral mourir quelques jours après. Le 14 août 1911, la Chambre réunit et au nom de Cincinnatus le Comte qui était gagné 52 ans. 20e président d'Haïti. Le comte, c'était Petite, Petite, Empereur Jean-Jacques Dessalines. Il était fait le 29 septembre 1859. Très jeune, parent Tévoïl à l'étudier en Allemagne. Il allait le il passait quelques temps à travailler dans le consulat allemand au Cap. Au commencement, personne ne voulait coller sur le comte parce que tout le monde songeait que le comte était condamné à 15 ans de travaux forcés dans le jugement qui était fait sous ton honneur, dans les affaires pour procès-consolidation. Premier, ça, le président Lecomte, fait, c'est mon commission pour ouvrir une enquête sur tout le contrat qui était fait sous le gouvernement Antoine Simon. Premier résultat, enquête, la que c'est qu'on pile l'argent qui été fait chez M. c'est Ce n'est pas des gargotes Antoine Simon, la famille, la ministre Lio, ensemble avec quelques parlementaires tête est fait dans l'agent l'État. Le kont ki tal l'ekol an Alman, te gen bon rapor a koloni Alman ki tap viv nan peyi ya. Se pou tèt sa, apen li monte, koumè san Alman yo fel kado 2 milyon goud. Le kont te rent gen an gouvernman lan, yon ban moun honet e chajak kompetans. Nan edukasyon, li te nomen te atulien Gilbo, minis, ki fè an pil reform. Li te monte yon konspektèr. Qui était là pour le comment l'école tape maché? Il était professeur augmentation. il était relancé l'école rurale, il était gagné un projet pour relouvrir l'école industrielle dans Port-au-Prince. Dans la justice, le compte a révoqué tout juge qui était incompétent ou bien qui était malhonnête. Dans l'armée, il était réintégré en pile militaire et il était fait bâtir en 1912 caserne Dessalines pour honorer grand-grand-papal Jean-Jacques Salines. Le compte dans ses collé avec Vodou. l'ité membre nommé beau fils Jean Laroche, ministre à Vos publics. Comme c'est sous le compte premier automobile entré en Haïti, il a préparé toute rue Port-au-Prince et tout pays a tourné un gros chantier. Dans le finissement avril 1912, il a commencé à gâter. Charles Amor a voulu soulever le contre le compte. Et personne n'a compte. Ça, tu as le passé. Sinon, la nuit 7 pour le V8 août 1912, le compte a plus passé. 300 soldats à garde présidentielle, pas de mourir dans une explosion qui t'écrasait par l'air. Personne n'a jamais expliqué ça qui était la cause de cette explosion. Sa. En tout cas, c'est Antoine Simon, pendant qu'il était président, qui t'a fait déposer en bas par l'air, une bonne ben et une bonne boulette qui était dans la cale d'un bâtiment de guerre. Est-ce que c'est une conspiration Est-ce que c'est un accident Personne ne connaît. En tout cas, en dépit qu'elle passait seulement un an au pouvoir, parce qu'elle était honnête, elle était savée, elle était compétente, historien placé, saint le compte, n'a mis tant pis bon président qui passait au pouvoir dans le pays d'Haïti. Chapitre 4. Tancred Auguste, 8 août 1912, 2 mai 1913, 21e président d'Haïti. Le compte mourit, même joie à la Chambre réunie. Il fait élection et il nomme Tancred Auguste, 21e président d'Haïti. Tancred Kre d'August, c'est ton mulat qui t a fait au cap. L'el au pouvoir, il gagné 56 ans. Condamné tant que le compte pour faire 15 ans de travaux forcés, n'a cause pour ses pour consolidations. Général No Alexis te fait le grâce. Et même te nommé le ministre intérieur pour remplacer Villard. Dans le compte, parce que d'après Général No Alexis, Tancred que d'Auguste, c'est le seul monde qui te dans non grosse crise politique, le gouvernement a traversé dans l'époque. Tancred que d'Auguste écoute, c'est un bel garçon. C'est un monde qui te gagne plus l'influence. li te goun goun plantasyon kan nan zon bo aeopor ma yi gate. Li te kwe an pil nan edukasyon. Se konsa, sou abitasyon, li te louvri yon lekol, kote an pil timoun nan zon nan, te kon alpon edukasyon gratis. Le tan kred Auguste kivou pouvoi, li pat montre ke lte genyen yon program politik. Kom se patizan le kontyo la chanm ki te fel grive prezident, li pat fe okon reforme. Il était qu'un tout le monde dans le placio. Celle-là, elle avait fait, c'est rebâti par les national et continue le même programme éducation qui était commencé sous le président Lecomte. Sous ce signatus Lecomte, de même que sous le Auguste, pas de gangagote dans l'agent de l'État. C'est comme ça en finissement l'année fiscale 1911-1912. Sous le compte, elle a été plus de 90% de la douane. Et pour finissement l'année fiscale 1912-1913, vous avez joué plus de 800 000 dollars dans la caisse l'État. Il faut nous songer que d'un pisse ou Antoine Simon, c'est un blanc américain avec un blanc français qui a dirigé la Banque nationale de la République d'Haïti. Il faut que nous dire, si sinatus le compte, ensemble avec credo August, à cause de l'ordre que dans l'agent de l'État, vous avez déposer en réserve dans la Banque nationale de la République d'Haïti plus de 12 millions de francs français. Pour entrer toute les l'argent qui t'a fait roulement dans le pays a depuis sous ton ordre. En 1912, la, la Chambre votant loi pour permettre au gouvernement de faire tirage sur l'agent qui était en dépôt dans la Banque Nationale de la République d'Haïti. Directeur Bankio refusait. En 1913, la Chambre votant une deuxième loi. Directeur Bankio à tout le monde qui était prêté l'argent à la banque pour venir payer la même. Et en plus de tout. sa kre ou te dwe yo gen pou yo pere yon taks de 10%. Sa te vin ba gouvenman tan kred Auguste la an pil problem. Mache nou a bla yi, tout bagay moun te tet neg pou kol tak situasyon malouk sa a, gouvenman te blije tombe imprime l'ajan e alpon kout pon ya nan man kek gro komesan alman ki tap opere nan peyi ya. An pli de sa, tan kred Auguste gen pou l'kolte a kel kako ki te vle te klanshe yon mouvman nan nor peyi ya. Pour calmer, il était obligé de faire des campings d'armes. Dans le cas d'Auguste, il a été collé à quelques partisans Antoine Simon, c'est pour ça le mois février et mois mars, il a fait faire quelques arrestations dans le sud pays. Il est tombé malade. Le président Auguste est mort le 3 mai 1913. Personne ne connaît au juste de ce qui est la cause de la mort du au président Auguste. Téléjoil dit qu'il est mort empoisonné. Dokter Privel di ke lte mouri anemi, se ta di li te fe feblesse. Furnis, ki te minismeri kenpote ou prens nantan sa, nan telegram ke lte vowe baye Departement d'Etat, di ke dapre rezultat examen san, tan kredo gus te gen sifilis, 3e degre. Le tan kredo gus mouri, li te gen 57 an, e lte pase 9 mwa ou pouvoi. Chapitre 5. Michel Aurès, 4 mai 1913, 27 janvier 1914, 22e président d'Haïti. Le lendemain, pendant que Monseigneur Conan, à Port-au-Prince, tape chanté l'enterrement en tant que y d'Auguste, un groupe de soldats entré dans la cathédrale Port-au-Prince et ont commencé à tirer. Dehors, général Edouard Defli, qui était commandant militaire Port-au-Prince et candidat à la présidence, te font bon soldat en secrétaire la cathédrale là, pour empêcher l'enterrement en chanter. Bovos La Roche, il y a un autre candidat à la présidence, avec une équipe partisan bien amé vient attaquer soldat des fléaux. C'est Mou Pradel, qui était ministre de l'Intérieur sous gouvernement en Auguste, grâce à un Régiment régime l'armée, à, à quelques gardes-palais, qui réussi à faire des groupes dispersés, dégager la cathédrale là et permettre qu'on voit prendre cadavre là à l'intérieur d'un cimetière. Dans après midi la chambre réunie pour faire élection pour nommer un nouveau président pour remplacer d'ancard Auguste Edouard Desfli paraît encore quelques soldats pour gâter l'élection. Soldats là maire repoussé. y a deux candidats déclarés à la présidence. Yon luxembourg luxembourg un grand avocat de prince et l'autre là Michel aurès sénateur de la République. Parlementaire fait élection et on nommé Michel Aurès, 22e président d'Haïti. Michel est a gagné l'élection pour deux raisons. D'abord, comme sénateur, l'autre parlementaire a gagné plus d'intérêt pour nommer nom Michel Ores, qui est un collègue. Yo. Ensuite, il a payé chaque parlementaire un yo, bon de 600 dollars pour six occasions passé Le parlementaire a eu toucher toucher l'agence dans la caisse de l'État. Depuis 1804, 109 ans après l'indépendance, Michel Ores est le premier civil qui devint président d'Haïti. Avant ça, tout ancien président, c'est militant. Michel Oreste fait Jacques Mel, c'est ton griffe. Il est monté au pouvoir à 54 ans. Il est sorti dans une famille qui n'est pas riche. Il était très intelligent. Il était aimé étudier. Il était très populaire. Il est un grand professeur dans l'école de droit de Bordeaux-Prince. Il est un bon sénateur. Il était une réputation. Il a un monde qui te capable parler et qui te capable faire un bel discours, malgré toute bonne qualité. Michel Orest te monte ou pouvoi san yon bon program politik. Sel sal dil pral fe, se premiyaman reforme la me, dezyyaman rentre tout vilajan ki te kontinuye ap feroulman ap e yia, tozyyaman devlope l'ekol rural. An la gen, Michel Orest te gen pou l'kolte ak yon mas poublem. Tout d'abor, gocha boak nan la me ap patouvel normal pou pran l'od nan menyon sivil. Professor Léko, pas d'accord pour réforme tes fêtes dans l'éducation. La Banque nationale de la République d'Haïti a toujours continué à refuser le gouvernement l'argent pour entrer toute vieux l'argent qui a fait roulement dans le pays ya, depuis sous tonton, Non. Michel Laurens qui au commencement était contre le l'argent, a décidé de couper ça. Et ça a te monté le contre lui. Ministre, t'es divisé en deux camps. Et quand camp, t'a bataille contre l'autre, c'est... Se... Tout le temps, le président a recevoir l'état anonyme et au a fait la menace. L'histoire rapportait que là, à l'église le dimanche et jour de fête, il était toujours fait poter pour lui, un fauteuil qui sautine dans la Parce qu'il était toujours refusé. Chita sous fauteuil qui réservait pour président dans l'église. là. C'est le président Michel Aurez qui a fait un tirage à la banque de 350 000 dollars pour te par les nationales là. Nous songez que palais a été écrasé. Dans l'explosion explosion qui était la cause de la mort du président Cessinatus Leconte. Il y a un pile bureau d'ingénieurs haïtiens et étrangers qui étaient inscrits pour des contrats. À la fin, c'est Georges Bossan, un ingénieur haïtien, qui a eu des contrats. Et c'est lui qui a bâti le palais national. Le 1er janvier 1914, un soulèvement éclatait Tomaso. Le gouvernement s'est au Tomaso. Il a arrêté 19 rebelles en avec un général. Yo fusillé yon tout. La même, c'est tout pays qui te soulevé contre Michel Aurès. Des ordres avec 10 éclatés tout partout. Le 26 janvier 1914, Michel Aurès remet démission, la démission, la que Aurès a à la tête yon la Kako, saute au nord et à marche sur Port-au-Prince. Le lendemain 27 janvier, les Michel Aurès, madame Lee, ensemble avec quelques partisans, sont descendent sous Waf bâtiment pour mener en exil. Yon y a te le monde qui et qui Léo emprunté. scandale pété, arrêté, tiré en pile mort, en pile blessé. Pour des autres, la patte a ancien L'ancien ministre gouvernement a obligé allemand Allemands des mêmes diplomatique diplomatiques qui te dans Port-au-Prince pour aider à contrôler la situation. Encore une fois, quelques marins allemands ont été débarqués. Ils ont été attirés jusqu'à ce que Kako Oresa ne soit pas rentrée Port-au-Prince. Michel Ores, 22 e président d'Haïti, Passé 8 mois et 22 jours au pouvoir. Chapitre 6. Orez Zamor. 8 février, 29 octobre 1914, 23e président d'Haïti. Dans le commencement de janvier 1914, deux chefs caco au rez Zamor avec David Mateo te met tête ensemble pour y rentrer par au prince à jeter Michel reste. Cependant, les cacos David Mateo Doriot arrivé Charles Amor, frère Ores Zamor, t'est déjà occupé go Naïf et il mettait Caco David Mateo Entre en déroute. Entre-temps, Ores Zamor prend train, il monte Port-au-Prince, il rentre dans le Parlement national et pouvoir. Trois jours pita. Le 10 février 1914, la Chambre réunit et on nomme Ores Zamor, 23e président d'Haïti. Comme sous gouvernement Salomon, par un, obligé de quitter au prince pour aller vivre ses calassus. C'est à calassus que Ores Zamor est fait. Il savait Et d'un pire, Ores Zamor monté au pouvoir, c'est problèmes sous problème. Le 5 février, David Mateodore rentré au cap, lui met du feu et livrer ville au cap pillage. Kakoyo qui était rentré à Zamor, reste Zamor, pas de prince, il a fait une promesse, il a fait 10 gouttes chaque jour, comme il n'y a pas de baille. Un il tombé, met du feu, et fait fe pillage dans le port de prince. Il a eu une grosse panique, à un pile C'est grâce à quelques commerçants allemands qui te prêté Zamor 2 millions de gouttes, que les distribué par Kakoyo ont calmé. Le 26 février, ministre américain Porte-Prince, fait au qu'on est que les États-Unis appréhendent le gouvernement à deux conditions. Premièrement, c'est pour le Américain ou administration tout douane dans le pays. Là. Deuxièmement, il faut que le Washington assure que le pape remette Nicolas à aucun autre pays. À Canal de Panama qui était fin de l'ouvri, il faut que nous connaissions ça. Ah, Mons Saint-Nicolas est un point stratégique très important. Pour les États-Unis, dans notre pays, depuis mai 1914, de Ville au Cap jusqu'à Wanamint, tout est sous contrôle Kakoyo qui te met du feu et fait pillage caille en pile partisans à mort. Charles Zamor, frère président, t'est établi au Cap pour suivre le mouvement Kakoyo. Il t'a fait arrêter et fusillé en pile Moun monde la fossette. À cause des ordres de tape continué au reste lui-même, t'est obligé à la tête d'un gros force l'armée. Montaient le nord. Les rives Wanamet, David Matéodor, qui était là, a déguisé en femme et était couru traverser les frontières. En 1914, après déclaration de la Première Guerre mondiale, la France suspend acheter café haïtien. C'est un gros blot pour le gouvernement mort, surtout là nous connaissons sa café toujours représenté dans l'économie pays d'Haïti. Le 14 octobre, Dr. Rosalvo Bobo essayait d'attaquer la prison au Cap qui était plein prisonnier politique. Il y échoué. Là, refuge dans le consulat allemand dans la Ville au Cap. Le 18 octobre, Charles Zamor qui était au Cap et qui sentit que la situation en perdue, prend un bâtiment qui menait à le Le 28 octobre, le président Ores Zamor en saint Fouel Charles, il prend un bateau dans le Gonaïve qui tape bral pour Curaçao. Le arrivé par au prince, le lendemain 29 octobre, Charles Zamor débarqué, il était trouvé par allé à déchouquer. Madame Zamor, en avec toute petite Lyot, a petit point refuge dans légation dominicaine. ministre français a consenti par la famille Zamor asile politique. Le lendemain 30 octobre, ministre français, en avec ministre dominicain, a accompagné al suaf pour qu'il parti à l'exil. Te a un peu de temps pas Il n'a pas manqué de Madame Zamor. karako yo te tombe tire e yo te fe piyaj an pil magazin nan pote prens. Me zami fon bli je fon ti kampe paske se pa ye ma pale de karako, 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 me karako sa yo men ki moun kre yo te ye e mos karako akotel de zoti. Livi stwa rapote ke peyizan nan moun nord-est e sutou moun t'organize, te konme te gran karako bien long sou yo yo te konme le yo monsur karako se konsa mou karako a te vin deforme. Il était contracté en CACO de 10 février à 29 octobre 1914, au rez t'es passé seulement 8 mois et 19 jours au pouvoir. Chapitre 7, David Mathéodore. 7 novembre 1914, 22 février 1915, 24e président d'Haïti. Le 6 novembre 1914, David Mathéodore, a bord entre Macdonald, quittait Saint-Marc, lui rentrait Port-au-Prince. Tout le peuple Port-au-Prince était campé pour recevoir. Historien comparait l'entrée David Mathéodore Port-au-Prince à l'entrée Sylvain Salnav en 1867. Il rentrait dans la cathédrale, il font prier, après Salmont au palais, et sans formalité, il prend le pouvoir. Le lendemain, 7 novembre 1914, la Chambre en bloc votait David Mathéodore, 24e président d'Haïti. Il était prêté serment le 10 novembre 1914. David Mathéodore était fait 1847. L vaut pouvoir, l y y en 1847. L'Elté rive au pouvoir, il était 67 ans. Il dit qu'il était fait soit Henry, soit for liberté ou Adamette. Cependant, l'histoire n'a pas de qui côté exact David Mathéodore était fait. Il y a des bons jouets, il y a le frère. Il n'y a pas de savant. Il était 18 ans, il a commencé à travailler dans l'État. Il était magistrat communal ou en en même temps consul d'Haïti, l'exavant. Il était sénateur en 1888 et président de Chambre Sénat en 1911. David mathéodore à peine pouvoir, te charge avec problème. Problème avec Kako, partisan ou à mort, avec Washington qui te refuse de recommander le gouvernement. À cause vos Bobo, ministre de l'Intérieur, gouvernement, mais qui était opposé à ce que remette remettre finance ensemble avec toute recette de la douane pays sous contrôle américain. À petit soldats yo, que gouvernement pas de cap payé, à composition ensemble avec les qui ont trouvé que David Mateo doit pas de cap dirigé pays. situation était comme ça quand le 17 décembre 1914, le régiment marine américain, qui t'abordent un bateau de guerre qui t'aiderait les t'es débarqué dans le roi Fort au prince Il dirigé à la banque, côté royal, prend plusieurs caisses qui en dépôt 500 000 dollars en or. Pour le gouvernement américain, le gouvernement haïtien est en faillite et seule condition pour les États-Unis reconnaître et prêter gouvernement l'argent, l'agent, c'est de remettre le direction finance pays. Le gouvernement a insisté pour retourner 500 000 dollars parce que c'est le seul moyen qui était capable de sauver le gouvernement à cause de la guerre, pas de gain exploitation, café, ça la cause, que l'État était vide, commerce était faillite. la misère était blâmée tout partout et population était en tous abois. Soldats yo qui étaient soutenus dans nord, à do, tombé simen la ville la terre, pour prince. Ça tellement grave que le président, pour raison de sécurité, était quitté palais national et était transporté gouvernement dans la caserne de salines. Coincé gouvernement a font presse dans capital la capitale, servi avec papier journal pour imprimer bon pour 8 millions de C'est un bon bon sans valeur. Et le peuple là pas de printemps pour aller au bon frère. Et puis, ta, tout simplement, tu a le bon sayo bon. Da. Les États-Unis ont continué à mettre gros pression sur le gouvernement pendant trois mois, quinze jours, que David Ma, Théodore, au pouvoir. Il était passé cinq ministres des Finances. Joseph Justin, ministre relations pays d'Haïti avec pays lot Bodelo, t'a présenté un projet de loi qu'elle t'a dit, comme nous rendons nous compte, nous ne sommes pas capables de ministre pays, on nous mettre à un maître étranger. <coughs> Les causes, ça a tombé la chambre. Il ont pour faire fin avec le ministre Joseph Justin. C'est le docteur Rosalvo Bobo, ministre de l'Intérieur, qui était là, qui réussit à sauver la vie. Au Cap. Dans dimanche 17 janvier 1915, quand nous tiré et au déclaré villebois guillaume chef pouvoir exécutif. Même jour, vice-amiral Caperton, commandant un bateau de guerre américain qui les Washington, recevons un télégramme pour la LOCAP. Cap. Le amiral Caperton arrivé au Cap, ministre américain n'a pas de point de la Il mande Caperton pour aller à en visite. Caperton dit Villebois, il prend deux bateaux de guerre pour suivre de Haut-Cap jusqu'à Port-au-Prince, parce qu'il tient à ce que sous toute route-là, il n'y ni du feu ni de Le 21 février, toute Port-au-Prince, est ses clés, Chalmane impérial la tête force de 1500 hommes, t'est occupé Pétionville et a coupé toute installation qui charriait de l'eau dans Port-au-Prince. Le lendemain matin, 22 février, David Matteo après qu'il finit fait un tournée en ville, rentrait dans le palais, balle d'émission. Desen sou waf al pon batiman pou menen an exil. Lèl rive sou waf, se lè sa solman ke Davil Matheodo realize kel te gen an poch li, l'ajan solman pou l'kap pe yon pasaj pa pi loin ke Santo Domingo. Se konsa, Davil Matheodo, te monton batiman machan alman kit al depozel an exil Santo Domingo. Davil Matheodo, 24èm prezidant d'Haïti, non men pou 7 an, C'est passé seulement trois mois et quinze jours au pouvoir. Le pays a te vin tout une véritable nuisance publique. Et tout le monde t'a demandé, pendant combien de temps les États-Unis qui étaient déjà occupé plusieurs pays en Amérique latine, nan, pour tolérer toute et avec toute gargotte politique qui t'a fait dans le pays d'Haïti. Chapitre 8. villebon guillaume Sam, 22 mars 27 juillet 1915, 25e président d'Haïti. Le 25 février 1915, trois jours après départ de -guillaume -au là même le départ d'Avil Mathéodore, Villebois-Guillaume rentrait à Port-au-Prince, la même Yolomène, chef pouvoir exécutif. La Chambre réunit en Assemblée nationale, il fait élection, et le 9 mars 1915, villebon guillaume prêtait serment comme 25e président d'Haïti. Comme vice-amiral Caperton, où est tout le était passé très bien, il levait l'encre bateau de guerre américain Washington et il fait voile en direction de Guantanamo. Tout le monde était commencé très bien. Ville-Boine nommé nommée un bon monde qui était capable de faire bon gouvernement. Simon Sam, fait le cadeau 50 000 dollars. En plus de ça, le gouvernement a reçu 16 millions de que David Matteo a da, imprimer à New York. La même valeur de la montée, 5 goutte 70 pour yon de la. Comme la banque les ça te suspendu le fonds de l'État, toute l'agence a, a déposé dans le palais national. Bon nom, c'est villebois guillaume Cependant, divine a ajouter Sam Nanol en reconnaissance pour tout sa cousine, ancien président Thérésia Simon Sam, te fait pour lui. Le premier acte que j'ai posé, c'est arrêter toute l'ennemi politique que a gagné. Un mois après, la pointe que Rosalvo Bobo de Montecristi-Etain, lancé au mouvement la Révolution, a fait arrêter plus de 300 membres l'élite paysan. Rosalvo Bobo, c'est un homme qui était fait dans le nord. Il était de taille moyenne. Il était contacté dans la figure et cheveux étaient tout rouges. Par an, il devait étudier la médecine en France. Et là, il est retourné. Il a pratiqué la médecine au Cap. C'est on savait, Yon nationaliste intégral, il était contre-américain, et il gagné en pile la peine pour être dans quelles conditions le pays d'Haïti est tombé à cause de mauvaise administration, ancien dirigeant qui a dirigé le pays. Bobo est au Cap le 5 mai 1915. Le 7 mai, il a une déclaration qui dit pour préserver l'indépendance du pays n'est pas d'accord pour remettre les Américains en direction de la douane ensemble avec l'administration la finance. Entre-temps, les États-Unis font Villebois connaître. seule condition pour reconnaître le gouvernement, c'est pour le Américain au contrôle sur toute douane et finances pays. Le 22 mai, Villebois recevra visite Paul Fuller, qui est un officiel gouvernement américain, qui vient offrir que les États Unis soldats avec marine pour aider si les cas Bobo a marché sur Port-au-Prince. Vin quoi pouvoir? Villeboin fait Fuleur comprendre, seule condition pour l'accepter, il faut que c'est ta qui t'a passé tout américain le plus leur qui qu'il l'éveiller. Fuleur pas t'accepter. Entre-temps, bataille maillée dans ville au Cap entre partisans Bobo et soldats Villeboin. Bobo, comme docteur, te tient à ce que ces lits soient toutes blessés, que c'est partisans, que ces soldats gouvernement. Comme partisans Bobo, te menacé rentrer dans le consulat français au Cap, alpanque que partisans Villeboin, Ministre français à port au-prince, vont un télégramme à Paris et un le télégramme Washington pour demander gouvernement français à gouvernement américain pour envoyer troupes à mettre Claude dans Villeau Cap. La France voyait des cartes. C'est un bateau de guerre qui débarquait ses 50 marins. Le 1er juillet, vice-amiral américain Caperton, à beau bateau de guerre Washington, retournait et arrivait dans Villeau Cap. Stratégie de Caperton, c'était protéger Villeau Cap et empêcher pas tous les moyens. Bobo Marchep sous Port-au-Prince à le point pouvoir. À la fin mois de juillet, c'est pas au cap, mais fois ça, c'est plutôt Port-au-Prince, des blousailles là pour Le 26 juillet vers 2h de l'après-midi, y'a un banc groupe rentré dans la cour consulat portugal. Comme consulat, t'es malade, l'Ital prend repos à Pétionville. Le lendemain 27 juillet vers 2-3h du matin, a un groupe de 37 révolutionnaires t'es quitté consul à Portugal et au tal attaqué par les nationales. Villebois ensemble avec toute la famille, t'es couru travers son muraille qui était séparé par l'air Allégation de France, côté allemandé, asile politique. Villebois voyant l'aide by par général Charles-Oscar Mandel pour le général Charles-Oscar voyant l'aide l'être par pour dire que la à midi. Effectivement, à midi, Charles-Oscar allemand allemandé, asile politique, dans l'égation dominicaine. la même, le peuple a couru à prison pour libérer tous les prisonniers politiques. Là, on ou pas de prison et a rejoint cadavre 168 prisonniers que Jarl Charles Oscar a fait assassiner. Parmi eux, cadavre ancien président, au reste mort que Villebois a fait mettre en prison. La même, Téléjol gaillé pour faire connaître que Villebois a passé Charles Oscar L'ode premier coup d'âme qui partit pour déclencher une révolution, l'ouvre prison et exécuter tout prisonnier politique. Cependant, d'après l'histoire, dans l'être que Villebouin était vous par Chaloska, il était dit agi d'après conscience. La même, le peuple a râlé Chaloska dans l'égation dominicaine. Edmond Polinis, qui a trois petits garçons qui sont assassinés dans prison, fait fin à Chaloska. Après ça... Ils ont vidé des sous lit et ont brûlé le cadavre-là. Le lendemain, après l'enterrement de trois petits garçons et de mon Peuple a almassé devant le garçon de France qui était sous chemin des dalles. Ils ont râlé Villebois, ils ont coupé tête ils ont coupé de bras, ils ont coupé de, de Pierre. Après ça, ils ont traîné cadavre dans toute la rue Port-au-Prince. Villebois Guillaume Sam, 26e président d'Haïti, a passé quatre mois et cinq jours au pouvoir. Chapitre 9. Marine américaine débarquée au fini occupé pays d'Haïti. Même date 27 juillet, après assassinat Villebrun, ministre américain voyait un message par Caperton qui au Cap, Mandel pour le rentrer vite Port-au-Prince. Le lendemain 28 juillet, à 11h du matin, Caperton a bord bateau de guerre Washington, t'es déjà en Port-au-Prince. Vers 5h30 l'après-midi, après qu'elle le fini le bon contact avec le ministre de France et le ministre anglais, Capeton, qui était quatre toute rue Port-au-Prince, fait débarquer une force de 330 hommes, 165 matelots et 165 soldats marine corps. L Occupation pays a été faite en douce. Il y seulement trois personnes qui mourent, de soldats américains qui étaient morts par accident. Et un soldat haïtien de 26 ans qui tirait les pierres sur lui, ou bien Joseph Pierre, soldat haïtien ça a tapé la garde devant la SNAL, un détachement de 50 marines américains qui vers arrivé à la SNAL, il a l'ouvrir ZAM sur lui, il est mort. Sans que l autorisation, Washington, Caperton a débarqué troupes, il a occupé pays. C'est juste le lendemain. département d'État a un télégramme pour dire. Que le Cap agit d'après jugement et prend toute disposition que le juge nécessaire. Le 6 août 1915, Davis, chargé d'affaires américaines à Port-au-Prince, voyait une note par un membre bah, corps diplomatique ensemble avec le pour annoncer au, que ce colonel Eli Cole qui est responsable contrôle militaire et Captain Beach, c'est l'équilat pour toutes affaires civiles. Pita, colonel Waller, pour aller remplacer Eli Cole, et c'est colonel Waller qui peut combattre le mouvement Kako dans le pays. Quelques jours après, Blanc Blancs dissous comité de salut public. Ils ont licencié l'armée, ils ont désarmé Kako et ils ont refoulé tout Kako y a en province, ils ont pris la caserne de Saline et Front National. Dans l'époque, il y a 200 Blancs allemands qui vivent dans le pays. Les Blancs allemands ont été contrôlés plus de 80 toute activité commerce qui t'a fait dans le pays. C'est eux qui t'expédiez dans à l'étranger et vous vont chercher toute qualité de marchandises l'autre bord de l'eau. C'est le déclenchement de la première guerre mondiale en 1914 à débarquement marine en 1915 qui vient craser l'influence allemande dans le pays d'Haïti. L'Église catholique pas pas fin d'accord avec l'occupation du pays. -y. Parce que vous pouvez voir que les protestants pour le pays et écrasés l'influence. C'est ça qui vient arriver. Parce que depuis 1915, les pasteurs protestants américains commençaient à monter tant en dehors dans la section rurale. Là, ils bâti l'école, ils bâtissent l'église. C'est eux qui premiers montrer l'importance de la langue créole et apprennent à lire et à écrire créole. Quand capitaine demande Colonel Beach. Pour le dégager, le trouve un candidat à la présidence, que le cap baille bourad Bitch approchait d'abord Jacques-Nicolas Léger, ensuite d'Arctigue, tous les deux refusés. Finalement, Philippe Sud darctigue président Sénat, t'es fini par accepter. La même, il voulait chercher Bobo au cap. À peine Bobo arrive pas de prince, Bitch convoquait et dit Moi, connais que qu'on voulait servir avec la force pour une présidente ou pas seulement menace, ou sont malédiction pour Haïti. En plus de ça, ou sont l'ennemi public pour les États-Unis. Quand qui ne veut pas ou paraît trop laid. dans dimanche 8 août, il convoque Dati Gnav, ensemble avec Bobo, dans le ministre américain, pour chita Palais. Bitch tout d'abord demanda Dati si Zokabo vous a passé comme président, est-ce qu'on est d'accord pour aider le dirigeant du pays Dati Nav dit oui. Après ça, Bitch m'a dit « Bobo, si ce qu'a t'a passé comme président, est-ce qu'on a encore pour aider le Bobo dit « Non, ma petite pays pe a la même, parce que se c'est moi seul qui est capable et c'est moi peuple haïtien remet. » pren la prend la rue. Un pile, parlementaire reproche Bobo de ce qu'il te manquait de sous presse. Capitaine m'a dit à pour convoquer la Chambre en Assemblée nationale. pour 4 jours, fait élection présidentielle. Le 11 août, la veille élection, un comité révolutionnaire publie un décret côté le mandé pour renvoyer la Chambre, formant gouvernement provisoire de sept membres, montant assemblée constituante et nommant président. Les sacs qu'à furieux, là même, les convoqués Bobo, ensemble avec six membres comité révolutionnaire. Ils font officier d'yon, premier coup de zame qui tirait de main, c'est valode exécution nous. Pas ni arrestation ni jugement. Si vous convoquez nous là, c'est pour avoir non-chance. Si nous voulez continuer à vivre, faites tout ça, capable pour que la journée demain, c'est une journée qui est paisible dans toute l'histoire du pays d'Haïti. Le lendemain, jeudi 12 août, exactement 15 jours après le débat de élection faite. T'es en pile, gros sécurité. Philippe Sud-Arctiguenave. Passé à 94 voix sur 116. aux Alvo Bobo te gagné seulement 3 voix. Bien bonne dans le matin, joue l'élection. Hein? Bobo t'a demandé asile politique dans légation anglaise. Trois jours après, le 15 août, il embarquait à bord d'un bâtiment français qui te à Santo Domingo. Il n'y a pas accepté. Il continue à Santiago de Cuba. Il n'y a pas accepté. Finalement, il débarque à Kingston, Jamaïque, côté il pratiquait la médecine pendant 10 ans. En 1925, Bobo rentré à Paris, côté le mourit en 1930. Chapitre 10. Philippe Sud d'Actiguenave, 12 août 1915, 15 mai 1922, 26e président d'Haïti. Philippe Sud d'Actiguenave était fait en Savo en 1862. Comme avocat, il était une belle clientèle dans la zone sud-pays. Il était monté sénateur en 1910, il est président sénat et finalement président d'Haïti. C'est un monde simple un bon catholique, de belle taille il était gros nègre. Il était moustache qui était fin en pointe. C'est peut-être ça, peuple a le il était chat. Après, Dati Gunnar finit de prêter comme président, elle prend captain Beach, captain américain, et el elle te fait un discours pour remercier captain Nan. Elle finit, il invite captain Beach pour monter en voiture avec elle, et ensemble, elle fait la tournée en ville. Après ça, que nous dit, pas de des hommes qui chantait dans la cathédrale Port-au-Prince pour Dati Quatre jours après, chargé d'affaires américain Bill Davis remet Dati une convention que le gouvernement américain tient à ce que le signe, sans changer, une virgule. La Convention SAD prévoit que le gouvernement américain, sans que n'ait pas de besoin de consulter un gouvernement haïtien, prend le nommé un receveur pour administrer toute douane qui vient dans le pays. Il a un conseiller financier pour contrôler les affaires et les finances. Il monter, il y une nouvelle force a un ingénieur de l'armée, il pourra le quelques ingénieurs pour nettoyer le pays et bâtir programme pour aider le développement du pays d'Haïti. En plus de ça, le gouvernement haïtien n'a pas cédé aucun mot sauté le pays sans consentement du gouvernement américain. Haïti n'a pas bien aucun droit sur la banque, aucun droit sur le chemin de fer, ni aucun droit pour négocier le paiement quelque banque que Haïti a signé avec le pays de la France. Comme nous avons vu, là, tant qu'on a un pétrole. modifier la convention Elle a même menacé la démission. chaje da fe Ameriken Bill Davis, fe datignav kompran ke Washington vwe dil ke lap jwe ak du fe. E s'il persistè, yap toujou genwa isen ki pi souple, ki pi dosil pou remplase l kom prezident. Ou bien tout simplement, yap etabli an Haiti yon gouvernement militer. Le sa, jounalisyon li vek kampen anko datignav. Kritik yo te vin telman chou ke datignav mande Ameriken yo pou yo mette loransi anan vigèr. Et arrêter tout journaliste qui t'a osé critiquer le gouvernement. Le 16 septembre, un mois après Datik monté au pouvoir, il tous tout ministre. Il nommait Louis Borno comme ministre aux relations pays d'Haïti avec le pays de l'autre bord pour remplacer Poléus Sanon, un gros nationaliste. Même jour, Borno qui était d'accord avec l'Américain, signé une convention. Le lendemain 17 septembre, Amiral Capeton fait monter le drapeau haïtien à bord bateau de guerre américain Washington il fait tirer 21 coups de canon c'est en façon pour montrer que gouvernement américain reconnaît le gouvernement d'Arctique-nav. après un pile pression députés et sénateurs ont fini par ratifier convention faut que nous connaissons gain 6 dans 81 députés qui pas signé ni ratifier convention il y en a eu c'était docteur Raymond villers à député bilat avant de sortir la chambre il a coquette député qui était de devant, et il voulait le jeter. La Convention, était signée pour dix ans. Cependant, le 28 mars 1917, le gouvernement haïtien signé pour, pour une prolongation de 10 ans, qui veut dire au lieu de 1925 qu'on y est, gouvernement haïtien, d'accord, pour que l'Américain aurait été dans le pays jusqu'après 1935. Ce n'est pas de la combat qui t'es obligé de faire plaisir bord l'élite payière et l'autre bord gouvernement américain. En plus de ça, officier américain te prend plaisir pour manquer d'attignave de des gars. Le major américain est à camper devant l'attignave et traité publiquement de menteur. Ça porte quoi rien. Franklin Delano Roosevelt, c'est lui comme secrétaire d'État de la Marine qui était responsable du dossier occupation des pays d'Haïti. Il était venu dans le pays à faire inspection. Datignav te venu pour le déplacer en auto avec lui. L'aide à Datignav t'a essayé monter au avant Roosevelt. Major Butler te trappe Datignav dans gagan et fait le comprendre que d'après protocole c'est Roosevelt qui peut entrer en premier dans le toa. T'es colonel américain qui les Waller, et qui t'épale les Français. Colonel sa a arrivé camper devant Datignav et traité publiquement d'hypocrite. Dati Gnave t'a pile problème avec Pallementerio, c'est peut-être ça qu'il t'a fermé la chambre deux fois. Après ça, pour diriger le pays, dattignave monté au conseil d'État de 21 membres. 21 monde parlent que lui-même t'a choisi, quoi qu'en 1915, Dati t'a dit vice-amiral Copperton que le Patgo qu'un faut pour devenir président d'Haïti, de cependant, en 1922, Le mandat da Tignav fini, li pa konsal tabay pou lta fon dezyen mandat. De ven pou li, men 21 man konsey deta ke lte chwazi ya, yo fe eleksyon, e yo nan men pou anplasel, Louis Borneau, yon nan ansyen minisyo ki te servi sou gouvenman. Ren rentren an peil an savo, da Tignav ki te fume en pil, te gon konsey nan lang. Se sak la koz ke lte moui an 1925, trois ans après que tu quitté le pouvoir. C'est sous la que tu promulgué une nouvelle constitution, la constitution de 19 juin 1918. L'histoire n'est pas trop claire pour connaître qu qui qui t a écrit la constitution. Ça. Ou bien c'est Franklin Delano Roosevelt, ou bien c'est staff département d'État américain qui a écrit. En tout cas, la constitution 1918 là, a été écrite aux États-Unis et ce n'est pas haïtien haïtiens qui ont écrit. Tu a présenté la constitution par le bah peuple. Là, qui était voté dans le référendum. la Constitution ça a été plusieurs changements. C'est lui qui, pour la première fois, vient de l'étranger droit pour une propriété terre à Caï en Haïti. C'est comme ça, nous pour aller à l'Aïté quand on est en pays, compagnie américaine, comme Asco, n'importe au Prince, plantation d'aufren, un faible ton, un acte de rac, bon, c'est fois liberté. C'est la Constitution sa, qui pourrait le mettre à la mode, pour ces côtés, ce n'est pas un juge, mais c'est plutôt le membre, il jury. Qui est là, qui peut décider si il peut laguer ou bien condamner au criminel. Soudain, Gnav, il y la corvée. Blanc, a fait prendre un bon paysan et fait un travail gratis. C'est comme ça, le paysan a réussi à faire deux routes. Une route qui relie Port-au-Prince à Cap et une autre qui relie Port-au-Prince à Mirbalet. En plus de route, Blanc a bâti quelques hôpitaux, quelques casernes et quelques prisons. Le 12 avril 1919, le gouvernement américain signe une convention pour le bail de la jarrette. C'est à partir de date ça qu'on a besoin seulement 5 gouttes pour un dollar. Malgré tout, au point de vue économique, ça ne va pas trop bien. Et ça la cause un pile jeune jeunes garçons, ça fait pas bon. Un pile paysan paysans, tu es obligé courir de courir avec pays pour le couper comme soit Cuba ou bien Dominicani. Chapitre 11. François borgia Chalman et pérald Il n'est pas possible pour parler d'occupation américaine et gouvernement darctique sans ne pas parler de Chalman et pérald À deux fois, Soulouk envahit la Dominicanie. Chaque fois, il toujours saisi en terre dominicain. C'est ça qui qu'expliquait que côté, Tancou coup, c'est à Las Caobas, Los Palis, à Malgré que la commune Saïo est non-pagnol, elle yo fait partie territoire Haïti. Après ça, les Dominicains qui vivent dans la commune Saïo, comme ils sont tourner haïtiens, ils ont tout changé non nom de yo en nom français. cest comme ça non-tant que Vincente vin est Vincent, Zamora vin est Zamor et Peralta est Peralta. Mais c'est la Peralta d'origine panyol. après qu'elle ait perdu son premier madame, le 28 septembre 1884, il était bien 44 ans, il était marié avec une jeune couturière de 22 ans qui était Marie-Claire Emmanuel. Le 10 octobre 1885, Madame Péral, font petit garçon. Comme Madame Péral, est un bon catholique, il était date fête toute Saint-L'Église, et comme 10 octobre c'est date fête Saint-François Borgia, il était décidé de faire petit là, François Borgia. Ma pour Bopal vint ajouter Chalmaï. C'est comme ça, finalement, petit la François Borgia, Chalmaï, Perald. Chalmaï passait toute jeunesse, il port au prince, dans la pension qu'a un certain Paul Benoît. Paul Benoît, ça, un ancien séminariste, tel Bon pont Rouge, il y a un école que chez Monsieur Benoît. Il était en même temps directeur et seul professeur de l'école. L'elle pensait que l'élève est bon. Il qu'on mène à composer composée par Saint-Louis de Gonzague. Et frère est accepté plus accepté fort élève que M. Benoît est présenté. C'est comme en avril 1900, Saint-Louis admet Chalmaï Péral, qui est 14 ans dans la classe 8e. Chalmaï était un élève très intelligent. Malgré le fait qu'on ne l'école, ça pas empêcher de changer de classe chaque année. En février 1904, à l'âge de 18 ans, qui quitte Saint-Louis dans la classe 4e. Il y a des gens qui croient que Charlemagne était obligé de quitter l'école parce que c'est même année ça, papa est mort. Cependant, d'après M. Benoît, c'est Maman Chalmagne qui a conquête l'école. Et pour soutenir, Mme Madame, Madame Péral a fait de faire commerce, acheter en gros, vendre en an détail entre Hench, Maïsade et tout le monde, il te conquête sortir Hench, pour tout le prince, douce à Rapadou. Chalmaï était passé un an à prince pour suivre stage à Panthère. Après ça, il est rentré à Hinch, côté agriculture, à l'élevage. son habitation maman l'a et quelques a terre pour pour lui. D'un coup, maman, Chalmaï est un bon catholique. L'idée qu'on assistait à la messe le dimanche, chantait dans la chorale et même servi la messe comme enfant de cœur. Chalmaï, c'est un bon viveur qui t'a remis jupe. Il n'a pas gagné aucune retenue. Servantes, bourgeoises, demoiselles, paysannes, avec Chalmaine, tout ce qui vient passe. C'est comme ça, c'est et a yon jeune paysan, te fait deux petites poulies. En plus de ça, Chalmagne te remènent bat Coq. Premier job Charlemagne te gagné, c'était vice-consul Commodore, une petite ville dominicaine qui est sous frontière. Après ça, te venu magistrat Hench, juge de paix Mirbalet, commandant militaire arrondissement Port de paix, et commandant militaire arrondissement Léogane sous Villebon Guillaume. Dans après-midi 17 août 1915, 20 jours après occupation pays. Commandant un bateau de guerre américain de Eagle ville Léogane passer Charlemagne-Lod pour lui remettre le bureau commandant Charlemagne, qui pas recevoir aucun Lod Avant ça, voyons télégramme le président d'Actignave mandel ça pour le faire dans Casa. Comme réponse D'attignavant Navron Telegram by Chalmay côté le révoquel. Chalmay quittait le organe, il passait Port-au-Prince et puis l'entrée Hinch. Dans le commencement de l'année 1918, il accusait Chalmaï comme quoi il a participé à une vague de fête sous Kazen Hinch. Il a arrêté le Wanamet, il a traversé traverser les frontières pour l'année Dominicani. Il a jugé, il condamné la 5 ans et yo a même prison au Cap. Pendant qu'elle t'a balayé la rue dans ville Cap, Chalmagne Charlemagne t'a réussi à prendre tête jeune dame qui ont été mettre pour suivre Ensemble, elle t'a sauvé et au pris monde pleine du nord dans date qui était 3 septembre 1918. La même, Charlemagne rassemblait rassemblé un bon paysan qui était mauvais contre les affaires corvées, qui lui dit ont était forcé au travail sans toucher. Avec paysan sa il montait monté un gros lamec à il décidait de déclarer la guerre pour qu'il bite Blanc et dehors et libérer le pays. Pendant quatre mois, Chalmaï Péralti nord, Benoît Batraville. Dans la Tibonite, ce n'est pas de mise ils ont fait gendarmes haïtiens au passé. Les marines américains au SAC ont décidé de rentrer dans bataille. C'est ça que la cause de a fait de 131 frappes, 131 batailles, que Kakou Chalmaï Péralti et Benoît Batraville fait contre marines yo ensemble avec toutes les gendarmes haïtiennes. Le 6 octobre 1919, grand matin, Charlemagne qui était campé sous tête yon dans la commune Cabaret, à quelques km de Port-au-Prince, chargé d'affaires anglais à côté le Mandel pour le mettre tête li ensemble avec tout les diplomatique diplomatique et nos apostoliques là, et ouais, si vous n'avez pas une solution à la situation. Comme chargé d'affaires anglais, je vais répondre à Charlemagne, dans Asoua, il fait 300 cacos envahis par au le prince. C'est les ça Il pour le faire, y a un capitaine américain qui tire les Hennequen, la Gécocourouge, derrière Chalmaï. Toute la Chalmaï, pas de bagaille facile. Non seulement il n'y pas de jambes hommes de soi même côté, il y a un bon parti de la population qui quoi dans le lit. Il établi. y a général qui dans le capois. Il y a un anglais qui est bâti dans ta la colonie sous tête de gros monde dans grand hiver du nord. Quelques jours après, Jean-Baptiste Conzé, un ancien général Kako, fait courir bruit dans le grand hiver, qu'il était fatigué avec les affaires blanches occupées ok hier, et ensemble avec Jean-Edmond François, un ancien gendarme qui était déserté l'armée, il parle au jeune Kako. Yo. En réalité, Conzé, c'est un espion que je n'ai qu'à payer, et qu'il et va pas manger. Effectivement, Conzé a réussi à jouer Charlemagne. fort à poids. Chaque semaine, Jean-Edmond François, est très rarement Conzé te condescendu à rendre un rapport sur tout ce qui passé dans Fort. Conzé, comme agent double, te connecté à chalmagne, quelques tout. Au commencement, Charlemagne était suspect de Mais après, il était fini par tout ça, Conzé te condil. Après qu'on ait défini ton scénario avec Henneken et fait courir bruit te que le a attaque et que Henneken a fait sous au Kapoa, Chalmai qui était dans la Thibonide voulait féliciter qu'on ait et nommer le général de division. Henneken, pour Bopal, tombé marcher dans toute grande du Nord avec un gros bandage qu'elle t'a baigné avec l'encre rouge et qu'elle t'a couvert toute bral. C'est une façon pour faire tout le monde quoi que c'est Kako Konze ou qui t'es blessé, l'elt t'a l'attaqué fort à Pas de jambe, gen, aucun attaque qui t'est faite sous fort à C'est ton bluff que ke une t'es monté avec Konze. Connier? Konze vous a dit que le prêt pour l'attaquer garnison américainio. Après go défaite tu t'es prince prince C'est avant belle victoire si tu as réussi pour go commune tant qu'gagniez du nord. Chalmagne, tout à belle, habillé en gros bleu, monté sur un gros millet, coiffé à chapeau panama et à la tête une fausse de 1200 kakos. Chalmagne quittait la Thibonite et le Fort Capois le 20 octobre 1919. Plan, c'était pour Chalmagne, vint vit de résultat, attaque la la rivière Mazère, qui a quelques kilomètres de l'hiver du Nord. Comme René Kent était au courant que Chalmagne était Fort Capois il était fortifié garnison grande et monté de valière à saint-raphaël y a une bonne possibilité militaire que la cause Chalmagne était pris non il pas de aucun moyen pour le sortir le 31 octobre 1919 à souhait Captain henneken ensemble avec william burton un caporal américain a six figures. et à la tête un commando de 18 gendarmes haïtiens tout habillés en uniforme bleu caco, il y a le temps qu'on trappe la rivière Mazère pour assassiner Chalmaï, exactement en place, que Tel te pou vin Résultat, attaque, que Konze pour monter contre garnison américaine. Effectivement, les Hennequen rivés, ils joignent plus par 700 kacotes et de la rivière. Mais Chalmaï n'est pas là. Jean-Edmond François a rapporté à Hennequen que ke Charlemagne n'est pas venu. Et décidé tant que Konze voyant une délégation, vi a la bonne nouvelle. La même, et ne qu'en sauter sur occasion ça, et décider mon temps délégation pour annoncer à la bonne nouvelle. Il a six postes kakou. À chaque fois, Jean-Edmond François dit général Jean. C'est grâce à mon passage que tu as traversé six postes kakou Et arrivé jusqu'au côté Chalmaï, tu établi soit ça. Qu Quelqu'un historien, qui dit que Charlemagne était établi en mode Célestin et monde du Lone. Cependant, il y a une tradition qui veut que Charlemagne était établi sous tête d'un ravine près de monde Pompée. C'est peut-être ça, depuis les Sahara, qu'il y a eu le ravine ça ravine Chalmaï. Effectivement, Charlemagne était là. Jean-Edmond François montrait Hennequin qui est ce Hennequin a les revolvers et le bat de balles. La même, tout le monde a tombé tiré. C'est un véritable désordre qui est établi dans le camp. Bien bonheur le matin, il y a un cadavre de sur un bourrique et il descend à grand grenivia du Nord. Il y un père pour le coeur et un an qui qui est baillé dernier sacrement. Après ça, sa, il y a un cadavre sur une porte et il est rentré à Clique au Cap. Autopsie cadavre a révélé que Chalmagne prend pris deux balles dans le cœur. Il était pesé 140 livres. Comme hauteur, il était gain 5 pieds, 9,5 pouces. Et il était mort à l'âge de 34 ans. Il a exposé cadavre dans la caserne au Cap et ont enterré le Chabert le 2 novembre 1919. Après occupation pays, le président Vincent fait déterrer les ossements Chalmagne. E fe bay funeray nasyonal, li fe chante lan temal nan katedral o kap, e anterre lan simtyer o kap. Apre asasina chalmay, Benoît Batraville te vle kontinye lüt la. Le 19 May 1920, nan yon, nan yon kan ke lte genyen, sou tete yon mon ti boapen a kek kilomet mayisad. Si asasina chalmay make finisman mouvman kako nan nor, lan mor Benoît Batraville, Marqué écrasement, mouvement Kako en Haïti, un mouvement qui était la cause de la mort, plus passé 15 000 monde. Nous y venons finissement première édition, volume 6, qui prend de président Antoine Simon à président Louis Borneau. Nous parlons un volume 7, qui sont l'autre enregistrement pour nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Encore une fois, songez bien que c'est le seul général d'histoire qui a fait nous revivre et fait nous comprendre tout gros l'événement événement qui passait dans le pays. Il faut tout tous les haïtiens tête ensemble et nous doit fait pour nous sauver la belle Haïti, chérie. On y a respect pou tout moun ki branche page l'histoire sou l'ouverture média. Sou pot ko abone, nan men vito pou fè sa konya pandan l'ot chapit page l'histoire apèl komanse nan kelke segonde. Se yon nan fason pou ankoraje l'ouverture média, kontinuye travay edukasyon sa akon ap fè pou la jvenes ka kon istwa pe il. Nou remensyo pou ekoutou e pabliye abone. Non, pas M. Jean-Julien, qui, dans le cadre de la collection 2004, ou la collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter à nous continuer à le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Enregistrement, ça, c'est la première édition volume 7, qui commençait en 1922 avec le président Louis Borneau, pour lui jusqu'en 1946 avec Tombé président Elie Lescaut, en passant par le président Eugène Roy et le président Stenio Vincent. volume 7, ça a un 12 chapitres. Chaque chapitre séparé avec une pause musicale qui est une musique classique haïtienne exécutée au piano par Edi Prophète, un des plus grands pianistes haïtien dans le commencement du 21e siècle. Premier chapitre Joseph Louis Borneau, 27e président d'Haïti. Comme président d'Artiguenave, tu as fermé la chambre pour remplacer le parlementaire, il était monté au conseil d'État de 21 membres. Dans matin 10 avril 1922, 20 dans 21 membres du conseil d'État ont été réunis pour faire élection et nommer le nouveau président. Le journal Le Nouvelliste rapportait même jour ça, il y a trois coups d'État qui étaient partis l'un après l'autre. Premier coup d'État, élection faite et Dactygenave est passé comme président pour un deuxième mandat. Cependant, il a annulé l'élection. Deuxième coup d'État, élection faite Stéphane Archet, qui était président du Conseil d'État, a eu 12 conseillers d'État qui ont voté pour lui. Louis Borno il y a un autre candidat, il y 6, et il y 2 conseillers d'État qui n'ont pas voté. Qui donc, Stéphane Archet, est passé comme président d'Haïti. C'est là ça que Stéphane Archer a campé et a déclaré qu'il faut qu annuler tout bulletin qui était déposé pour Louis Borno Et que Louis Borno n'est pas candidat parce que papa, c'est un blanc français qui n'a pas de naturalisé Haïtien, les Borno sont Qui donc, n'est pas haïtien. La même, gros discussion maillée. Cependant, avant yon levé séance là à 1h15, yon nommé Léo Alexis pour remplacer Stéphane Archer comme président Conseil d'État. À 3h de l'après-midi, l'Assemblée a réuni et a décrété la permanence. À 4h30, à peine Léo Alexis, nouveau président Conseil d'État, apparaît, yon longe une enveloppe bali. Comme te gagnon à Lévigny, en dans cette salle là, séance là te envoyé pour demain matin à 10h. C'est chef qui était sûr que le tape passé comme président T'es viré dans l'allée Erreur, erreur, erreur grave quand on y est, nous prenons le troisième coup d'État Monde a commencé à sortir de salle Quand on a même conseil d'État On a demandé toute de tout mon priorité Et on peut le continuer Avec 14 conseillers qui étaient là Alfred Nemoun, secrétaire conseil là Monté un nouveau comité et séance la reprendre Pas de de plume Pat gen regis pou tire pou se fe bal. Se te magoui net ale. Apre yon gros otobre nan Pato Prince, te voe André Chevalier, algre se pat konseye deta yo, akoute 1500, 2000 et 3000 dola, yo tout te vote pou Borno. Yon Borno, ki nan premye eleksyon, te gonza fe de solman 6 voa, konye an nan denye eleksyon, pi ke kole sa, ki te fet bien ta, À un an à souhait, toutes 14 conseillers d'État ont été votés pour lui. Et c'est comme ça, après trois coups d'État, et grâce à Coup de Greenback, Louis Bonnot est devenu président d'Haïti. La même, le général américain MacDougall, qui était fait criver, a complimenté Borno. Après ça, Borno a loué commissaire américain Roussel. Et pour lui, que la baille collaboration franche et loyale, qui veut dire, le commissaire Roussel, maître compte sur lui. La collaboravelle n'est alcoolée. Le lendemain matin, avant même que Daci Gnav transféré pouvoir à Borneau, le commissaire américain Roussel a invité Nambi Wall, directeur toi, pi, grand journal, ki, de trois grands journaux qui te rien à bordeaux de Et m'a dit pour informer la population que le gouvernement américain t'est déjà reconnu officiellement Louis Borno comme président d'Haïti. Ça, Roussel, te remettre là, c'est un gros faute diplomatique. Parce qu'il y un gouvernement étranger. Pas qu'à courir reconnaître l'autre gouvernement tout en transfert pouvoir pas de prophète. Or, d'Artigue Nave pas de le pouvoir à Baïborno. Même jour, non, apostolique là, ministre pays de la France, ensemble avec tout Monseigneur Conan, avec Port-au-Prince, un chahi compliment à Borno. Dans la première conférence de presse, Borno déclarait que le quoi dans l'amour bon Dieu est le pays d'Haïti. Le gouvernement lance son gouvernement tout le monde, le quoi dans l'honnêteté. Il n'a aucun adversaire. Il fait appel à tout Haïtien, surtout à Moun pauvre. Il comptait un pile sous clergé catholique, là. ensemble avec tout étranger qui a vivre' dans le pays. Le 15 avril 1922, Borno prêtait ses mains. Teddy Homme chantait dans la cathédrale. Journal de l'époque rapportait que Dati pas de passé pour voir bah, Borno. il rencontrait Borno dans un escalier en entrant balère. l'air. Il a 21 coups de canon. Dati a fait un petit discours. Bonno répondre. Après ça, Daktignave, viré l'idée li descend souaf premier elle bâtiment qui mène le nan pays en savou. Chapitre 2. Qui est-ce qui te Louis Bonno et comment te diriger j'ai pays Louis Borneau est né naissance dans le numéro 22 rue oui, Bonnefois Porte au Prince le 20 septembre 1865. L'alter président, il était 56 ans. Papal, Eugène Robert Borneau, c'est ton blanc français qui était sorti de la Guadeloupe. Maman, c'est ton haïtienne qui t'est Elisabeth Elisabeth Lelia Baud. Bornot écoute, il était très usé, il était sec. Les pas de conneries ni les pas de con blague. Bono est marié trois fois. Première madame, c'est une dame auriole. Les première madame, il mourit. mort, est avec un tisseur et tisseur été mouri tout. Après ça, Bono est marié une troisième fois avec une dame qui était Hélène saint macary En tout, Bono te des quatre petites. Bono pas seulement un grand bourgeois, c'est un gros intellectuel. Il parle français, anglais, allemand, Pagnol et italien. Il est avocat. Il était diplômé dans la faculté de droit à Paris. Il était professeur, après ça, il était directeur de l'école nationale de droit à Port-au-Prince. Il était publié en code civil et en code de commerce. En plus de ça, Bornaud était journaliste, poète, botaniste, ancien diplomate, juge tribunal cassation et il de était ministre des affaires étrangères trois fois. Lé Robert Eugène Bornaud était naturalisé haïtien en 1874 petite Lulu Borno te gain 9 ans. Qui donc tout monde t'a demandé est-ce que président Louis Borno c'est un citoyen haïtien ou bien un citoyen français parce que les Borno t'es faites, papa t'es toujours un blanc français, il pas de corps naturalisé haïtien. Situation double nationalité ça, T'es by Borno en pile problème. Borno à peine d'y monter au pouvoir, il a commencé à critiquer le gouvernement et même comploter contre lui. Que fait Borno de temps en temps, il fait réforme, il change et les ministres et il a quelques membres opposition l'opposition rentrée dans le gouvernement et le job. En juillet 1920, deux mois après la mort de Benoît Batraville, un journal américain The Nation publié une série d'articles pour dénoncer l'abus marine marines américains qui ont commettent dans le pays. Le journal a été passé même pour la corvée. Il dit qu'il y a plus de 3000 personnes qui étaient morts. Et surtout ça qui a passé dans un camp qui a été Chabert a te tellement fait bruit que le gouvernement américain a obligé de voir plusieurs commissions pour le faire enquête. Après ça, il ont dépêché en Haïti un haut commissaire qui était le John Henry Russell pour le servir liaison entre le gouvernement américain et le gouvernement haïtien. Haut commissaire, ça, John Henry Russell, est chargé de pouvoir. et pas rien qui a fait dans le pays sans que le pas d'accord. D'ailleurs, c'est qui, en bas en bas. Et aider Borno pour le pouvoir, et s'il ne voulait pas, Borno ne pas président d'Haïti. Il a été nommé un grand prévôt, et le grand prévôt a été journaliste en prison pour délit de presse. En 1920, le grand prévôt a été jugé 911 cas. Malgré tout, le journaliste a continué à dénoncer Roussel en, ensemble avec Borno, tant qu'il a qui dénoncé pour établir une dictature dure dans le pays. D'Atiknaf, tu d'accord pour le faire Haïti prêter une affaire de 40 millions de dollars dans les États-Unis. Cependant, l'État pourrait s'il t'a un deuxième mandat avant que le signe un accord. Les approche Bono no, sans gratter tête. Bono, tu d'accord. C'est comme ça, le 26 juin 1922, deux mois après qu'il le monté au pouvoir, Bono prend une loi qui autorise le pays d'Haïti prêter 40 millions de dollars dans les États-Unis. La même, National City Bank of New York, a commencé à vendre pour le gouvernement haïtien un bon pour une valeur de 16 millions de dollars qui te représenté une première tranche sous 40 millions de dollars. faut que nous connaissions que d'après un accord gouvernement haïtien a signé le gouvernement américain le 12 avril 1919, où tu as besoin de 5 gouttes haïtiens pour un dollar américain. Qui donc, 16 millions de dollars te représenté une valeur de 80 millions de gouttes. Et avec 16 millions de dollars, ça, gouvernement Bonnoa a fini de payer 6 millions de dollars qui étaient sous dette d'indépendance. Pays d'Haïti, que président Boyer a signé avec gouvernement français en 1838. Il a payé 5 millions de dollars commission par plusieurs courtiers haïtiens et étrangers qui étaient placé bon yo. 2 millions de dollars pour acheter bon chemin de fer national. En tout, sous 16 millions de dollars, gouvernement haïtien te recevoir seulement... 3 millions de dollars. Malgré bon tu un grand avocat. Cependant, ce gouvernement, le système justice-là, est en mauvais état. Si tu as un bon juge, avec un bon avocat qui était plaidé dans le tribunal de cassation avec la cour d'appel, pour au prince et au cap, cependant, dans le reste ce n'est pas, pas tout juge qui est à la hauteur. Et tu as un pile corruption, un pile criminel que la justice est connagé sans que pas de jambes gain investigation. Avocat et criminel, te kon tout simplement dit que victime là, c'est un loup Et la même, criminel, l'a telagée e te Et tu même comme complimenté criminel, de de ce qu'il a délivré pays à de loup-garou. Pour Marine Méricaine, vos vodou c'est superstition, vaudou c'est maginois. Et comme bon, noté un bon catholique, ça la cause, c'est pas des misères, vos ont été passés. Soldats d'Haïti, te pour combattre vos et arrêter tout le monde qui connaît faire un ou bien qu'on fait fétiche. C'est comme ça qu'on a arrêté, jugé comme criminel, tout le monde qui était qu'on fait service vaudou ou bien manger l'oie ou manger les seins. Chapitre 3. Grève étudiant d'amiens, massacre machataire, Eugène Ouah, président provisoire. Apen blan meriken yo debake, yo we gen de sistem edukasyon an peyi ya. Yon bo l'ekol nasyonal ki de gonza fe 30.000 eleve, e lot bo l'ekol kongreganist ki ve dir l'ekol mon pe, ma bonn mer, e chè frèr, ki de gonza fe de 12.000 eleve. Ki donk, tout res l'ot ti zanfan yo te la, tan ko piti mi sanga do pat gen l'ekol pou yo. Kom gouvenman, pat kap pou kine desisyon, san ke ho komise meriken John Roussel pat okouran, C'est concernant comme esman, moi, no 2028, bay, sel, toi, a le commencement mois novembre 1928, Borno voyait par Roussel trois lois que le poil passé sous affaire de l'éducation. Quelque Jupiter, le 20 novembre 1928, Roussel voyait une lettre neuf pages par Borno pour dire, ce fait Haïti après plus de 100 ans à traverser toute trahison, c'est que les Haïtiens ont trop importance à l'éducation classique et ont négligé l'éducation technique. Les poils montés en service technique qui pourra le grainer dans tout pays à ferme école côté élève en dehors par la pointe d'agriculture et en pile d'école industrielle côté élève la ville par la pointe des arts et métiers. Bon, non, pas de Roussel en rien. Le 15 juin 1929, les publiés ont arrêté pour faire connaître qu'il a continué Piret enseigné grec avec latin dans toute l'école secondaire dans le pays d'Haïti. Entre temps, ou celle recherché un blanc américain qui était le docteur George Freeman pour venir monter un service technique de l'agriculture et de l'enseignement professionnel. Et en même temps, l'ouvrir d'Amiens et une école centrale d'agriculture pour former agronomes ensemble avec professeurs pour aller enseigner petits paysans dans toute ferme école ruralio Qui a fonctionné dans le pays. Il faut dire que le choix de Dr. George Freeman là pas un bon choix parce que monsieur a manqué de compétences pour le job là. Comme dans un ça pour entrer d'Amien, où tu as besoin de gagner un bon genre formation académique, il s'est trouvé que les étudiant, c'est un jeune garçon, petit gros autobres, petit gros même l'élite, n'importe quoi, prince. Il tes tout le terrain, il pour étudier. Cependant, il n'a pas d'accord pour servir avec mais pour faire travail manuel, ni à faire l'école pour les petits paysans. Pour intéresser plus de jeunes gens, il dans l'école centrale d'agriculture damiens ça. Direction service technique, là, chaque étudiant, yon boost de 25 dollars par mois. En plus que tu te joues une cahier gratis, tu manger, y a les cives pour yon. Il faut que dire que 25 dollars par mois nan, pour chaque étudiant, ça te représente un bon genre d'argent. Surtout là, réalisé que dans l'époque, ça, yon professeur à l'école de pas touché plus passer ces 5 dollars par mois. Au lieu que y ait conformé yon, à la loi à l'école, qui exigeait que ces étudiants eux-mêmes vous point ou manchette picoie, pète rache louchette pour sacler, faire fait des boisements fouille tout fait canal irrigation fait plate bonne fait plantation soyez animaux nettoyer écurie étudiant Damien et haut préférez payer quelques paysans ou bien quelques chômeurs ont ti pour faire gens de travail ça yo place. arrangement ça te cap du net aller si puis qu'à faire pas de tomber Songez que le café, c'est principal des principales denrées que Haïti convoye vendre dans le pays, l'autre bord de l'eau. Qui donc C'est grâce à café qu'une bonne portion de la l'argent est condamné dans le pays. En plus que le café pas de fait prix, Wall Street est éclaté, il est craqué. Wall Street, ça, c'est yon côté New York, côté gros l'argent à brasser, côté où fait gros transaction l'argent. Il faut que nous disons que craque ça, éclatement ça, dans Wall Street, T'es venu tête en bas, économie pays d'Haïti, ensemble avec économie tout l'autre pays sur la Terre. Qui donc Bono t'es obligé couper dans toutes dépenses l'État, de même que l'argent qui te connu pour Damien. Tant qu'on a dit que Bono t'est refusé de faire élection pour peuple choisi député et sénateur pour à la Chambre, faire loi et faire élection pour nos mêmes présidents. Bono, un dictateur, t'es toujours continué à diriger le pays avec un conseil d'État. C'est comme ça avant l'élection présidentielle qui était faite le 12 avril 1926. Borno était remplacé 18 membres dans le Conseil d'État par Mounpal et tout était voté en bloc pour Borno. C'est comme ça, il était le monter pour un deuxième mandat de 4 ans. Quand hier, en 1929, mandat Borno presque fini. Il commençait faire manœuvre pour voir s'il peut pas changer la constitution nommer Mounpal comme membre Conseil d'État pour venir faire l'élection présidentielle et baille troisième mandat. La même, pour barrer Borneau, un avocat, M. Pradel, candidat à la présidence, lançait un mouvement que l'on Ligue d'Action Patriotique et le une campagne qui était à la fois contre Borneau et contre l'occupation par américain. C'est même le sac que Dr. Freeman, directeur CV, service technique d'Amiens, décidait pour le réduire à 2 000 dollars toutes 10 000 qui te payer pour chaque étudiant 25 dollars par mois sous forme de bourse et distribuer l'agence à pito par les élèves qui ont 69 écoles rurales qui gagnent dans tout le pays. Et finalement, exiger que n'a point employé employés chômeurs et paysans pour faire travail que les étudiants d'Amiens supposé mettre pour le faire. La même, étudiants d'Amiens furieux. Et le 31 octobre 1929, vers 3h de l'après-midi, tous 215 étudiants d'Amiens, ensemble avec tous les professeurs haïtiens, prennent la rue pour de Prince, et organisent une grosse manifestation. Bien vite, étudiants de l'autre faculté ont en grève, en solidarité avec collègues, yo, étudiants d'Amiens. Après ça, manifestation gagnées tout partout. En quelques jours, c'est tout le pays qui était paralysé. bon tu voulait faire arrêter quelques meneurs ensemble avec quelques politiciens. celle dit non après sa pièce. Au contraire, ou celle passait l'ordre pour permettre permis à tout groupement qui voulait faire manifestation. Le ça, Bonno est clairement que le bois l'huile il était obligé de faire une déclaration pour dire que le pape candidat à la présidence dans l'élection qui vient pour fête dans l'année 1930. Déclaration Bonno a pas trivé, calmer population. Dans la douane de prince quelques employés haïtiens agressaient et maltraité deux employés américains, ou celle-là même décrétait la loi martiale et mettait couvre-feu. Tout de suite, pays a été chauffé. En solidarité avec Emploi et la Douane Port-au-Prince, Douanier au caillot entré en grève. Après passage un cyclone qui te fait gros dégâts, ça la cause la misère tes blahi. Taxe gouvernement t'a mettez sous alcool à clairin. Ça fait presque toute tu es obligé de faire main. En plus, l'avion de guerre américain qui t'a volé bien bas et t'a fait gros bruit. Ça t'a énervé toute population. À cause de tout problème, ça yo, quelques leaders ont arrivé à monter tête de groupe paysan pour déclencher une manifestation dans Torbec et Chantal. Le 6 décembre 1929, les paysans au point la rue et ont pris à Babornot, à Babrimon. Après que aient fini de saccager un petit poste police, ils ont décidé de marcher à point ville. ils ont arrivé à terre, en entrant à la ils ont plus de 1500 paysans, armés avec piquettes, croisé bab pour bab avec un groupe de 20 marines américains. Les paysans ont dit, ils prennent le caï, à supporter une grève. Ils permettent quelques leaders entrer au caï pour aller voir si vraiment le il y a une grève. Les leaders retournent, ils disent, Fou que la grève l'a fini. Les marines ont demandé tout le monde pour rentrer la caï. Les sardines ont commencé à faire noir. Les patrouilles marines américaines ont réalisé que Fou la les encercler et attaquer... Marigno tirait un lait pour repousser Foule. La. Après ça, il l'ouvrit mitrailleuse. Comme résultat, il a plus passé 10 morts et 25 blessés dans le mi-temps paysan. Yo. Le lendemain 7 décembre, un journal américain de Nation publié un article qui rapportait à un pile de détails ma qui était faite Même jour, le président américain Edgar Hoover mandait congrès pour monter une commission pour aller en Haïti. Et ouais, comment il retirer les troupes américaines et désoccuper les pays. Deux mois plus tard, le 7 février 1930, le président américain montant une commission d'enquête de cinq membres. Cameron Forbes, un avocat Boston, se au était choisi pour diriger la commission. Commission à Port-au-Prince le 28 février 1930. Il a passé 12 jours pour ramasser témoignages quelques et étudier la situation pays. Fab, te fini par ouais que problème là. C'est Borno, c'est peut-être ça li mande Borno. En ce moment, même opposition, hein, pour chaque bayon, liste de cinq citoyens haïtiens que quoi qu'il cap monté un gouvernement provisoire pour solutionner la crise là. Opposition, te bayon, liste de cinq citoyens. Borno, pas de baillon aucun liste. Cependant, dans liste opposition, hein, les opposants de bayes Borno, ont choisi Eugène Roy. À peine la commission Fobla laissait port au prince, Bono sortit pour le dénoncer à Cora pour transférer le pouvoir à Eugène Ouah. Comme quoi, c'est un accord qui est anticonstitutionnel. Le commissaire c'est la même fait Bono comprendre que les États-Unis appellent installé quand même Eugène Ouah comme président provisoire. Le 21 avril, Conseil d'État réuni, il fait élection et il a nommé Eugène Ouah, président provisoire. Finalement, le 15 mai 1930, Eugène Ouatté été monté sous l'hôtel de la patrie qui était sous champ de masse, côté le TPT comme 28e président d'Haïti. Sous-Borno, il a fait route, rangé système irrigation fait travaux de drainage, bâti quelques ponts, quelques écoles, quelques dispensaires, quelques hôpitaux. Il avez monté corps chef section pour faire police dans section rurale. C'est sous-borno a bâti palais des ministères, hôtel de ville palais de justice et grand quartier général, n'importe port au Prince. Bono, c'est le premier président d'Haïti. Les mandats finis, il n'y a pas de descendre sur un bâtiment. Avec toute bon Bono t'a laissé payer à bord d'un avion de la Panaméricaine. Tout d'abord, il est allé à Havane, après ça à New York et finalement en Europe. Les Bonno retournés en Haïti, il n'y a dans les affaires politiques. Il ville Pétionville, le 29 juillet 1942. Bon, n'a no, pas de jam appliqué pour pension, malgré le droit à pension comme ancien président d'Haïti. Il faut dire que dans l'époque ça, personne pas de cap prévoir qu'un simple grève étudiant d'Amiens te cap provoquer provoqué toute réaction ça et force le gouvernement américain commencer à faire des marches pour lever l'occupation pays en 1934 au lieu de 1936, comme ça te pour poule te fait d'après accord qui te signé sous d'artigue NAV pour prolonger l'occupation pays. Le 3 septembre 1930, à peine Rafael Leonidas Trujillo y Molina monté au pouvoir en Dominicanie, yon cyclone t'a ravagé Santo Domingo. La même, peuple haïtien campait pour l'aider. Et gouvernement eugénois voulait l'argent, manger, médicaments, ingénieurs pour aller rebâtir quelques ponts et spécialistes haïtien pour aller réparer système téléphone et télégraphe. Après ça, Trujillo te vouait trois télégrammes pour remercier président Eugène Ouah, ensemble avec tout noble peuple haïtien après que j'ai été rebâti Santo Domingo tout a tout changé dans Santo Domingo en ciudad truillo Santo Domingo pour Alvin point reprendre en 1961 après que été assassiné truillo Chapitre 4. Stenio Vincent, 29e président d'Haïti. Pendant l'été 1930, pays était en pleine campagne électorale et était divisé en deux groupes. Un ou un groupe nationaliste qui était contre l'occupation pays L'autre bord, ou un groupe de collaborationiste qui était pour l'Américain et continuer à occuper pays Et comme la tension était très haute, en pile monde et même les autorités américaines étaient d'accord pour que les gens gardé le pouvoir pour au moins deux ans. Cependant, il n'y a pas de blé. Il a organisé l'élection. Après ça, il prend la retraite le Pétionville, côté le témouri le 27 octobre 1939. Le 14 octobre 1930, élection faite dans tout le pays pour nommer député avec sénateur. Un mois après, le 18 novembre 1930, deux chambres ont réunis en Assemblée nationale pour faire l'élection présidentielle. Jusque-là, pas de a fait peuple à le voter pour nommer président. Élection présidentielle t est faite au second degré, qui veut dire que c'est député avec sénateur qui t'est réuni à la Chambre et où tu voté pour nommer un président. Pour l'élection Sahara, tu plusieurs candidats. Mais de sacs de pire importants, c'est Simon ce Pradel et Stegno Vincent. Dans l'élection Sahara, pour un candidat à la présidence passée, il faut qu'il y ait qui mette dehors pour que ce pas de député avec sénateur. Parfois, en plus de ça, candidat a été obligé pour mettre un député ou un sénateur, que la le ministre, si ce cas lui passait, comme président. Ce Pradel, sénateur de la République, de fait Jacques Mel. C'est un grand avocat qui devient dé, qui cabinet, pour le prince. En 1902, il t'est montré le très, très brave l'étape des de Jacques Mel. C'est peut-être ça où t'es le prince de la jeunesse. Homme de principe, homme de parole, homme d'honneur. C'est Moupradel, patron magouille. C'est ça qui fait l'épée perdu l'élection. Et c'est Stegno Vincent qui était passé. L'histoire porté que c'est Monseigneur Le Gouaz, ensemble avec Édouard Esteve, puis grand négociant haïtien en Port-au-Prince dans l'époque, et que c'est eux deux qui étaient mis en pile cop de pour financer campagne présidentielle Stegno Vincent. Vincent, c'est un mulat qui était fait hinche. Vincent est avocat, c'est un homme du peuple, et c'est un gros intellectuel. Il était fait partie du groupe nationaliste qui était contre l'occupation. Vincent a une belle voix, il te connaît Dans l'époque, il y avait un monde dans tout le pays qui te capable de Vincent dans fait bel discours, que ce soit en créole ou en français. Vincent a passé plusieurs gros fonctions dans l'État. Magistrat communal, au prince, diplomate, ministre de l'Intérieur sous d'Artiguenave. D'ailleurs, c'est lui qui était président du Sénat, l'aide d'Artiguenave fermée Sénat en 1917. Il a présenté Vincent un couillon de monde qui pas mettre l'autre dans sa fête. C'est pour ça qu'il était aux dépens de bons amis. Vincent Pat Maton en chiffre. Il a un problème avec mathématiques. C'est ça que fait en 1908. Tonton note et été fait révoquer comme magistrat communal pas au prince parce que Vincent Pat Kabrand compte sous combien qui rentrait ni combien qui sortit dans la recette communale Ville Port-au-Prince. Vincent Pat Jean Marié, pendant tout le temps le président, c'est un seul qui était le Résia. Qui était intendante et qui était tout occupé au palais national. Les ondits rapportaient que Vincent était un vaudouisant et il était un dossier, un gros qui était un folle dans marouge, dans la zone de Jean Rabel, qui était un travail pour lui. À peine il au pouvoir, deux premiers actes que Vincent pose, est posés, c'est un décret qu'il prend pour tout défendre le palais criol dans toutes toute l'école qui gagnent dans le pays. Et un autre décret, Côté Vincent ferme toute marché rurale et force tout paysan à rentrer à la ville pour y aller acheter tout ça y a besoin. En bas, deuxième décret, ça, Vincent te fait connaître que c'est une mesure le prend pour protéger les paysans. Chapitre 5. Levé occupation américaine. Dans le commencement de l'année 1934, le président Vincent a fait un voyage aux États-Unis. Le président américain Franklin Delano Roosevelt te recevant dans la Maison Blanche et t'a a fait une réception pour lui. Comme d'après la Constitution, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé remplacer le président pendant toute le temps qu'il dehors. Et comme c'est Elie Lescaut qui était le ministre de l'Intérieur, qui donc c'est l'Escaut qui t'a dirigé PIA pendant que Vincent est en visite officielle aux États-Unis. L'Escot a profité de ces circonstances à pour faire un discours devant Statue Toussaint l'Ouverture qui sous-chambre là en face du palais national. discours a démontré clairement que déjà, Elie L'Escot a travaillé pour le vice-président d'Haïti. Le 5 juillet 1934, le président américain Franklin Delano Roosevelt, à bord d'un bateau de guerre SS Houston, débarquait au Cap exactement à 10 h du matin pour le retour d'une visite officielle que le Président Vincent a Washington d'un commencement à nier. Roosevelt, qui était te paralysé, t'est descendu sur une chaise roulante. Ensemble avec Vincent, Roosevelt a fait la vie cap, à bord d'une voiture décapotable. Pendant toute la parcours, le peuple massé deux bords dans toute la rue et a battu bravo. Après ça, il y une réception qui a organisée dans l'Union Club. Roosevelt tient à ce que, au lieu de champagne, il te serve un rhum ponche qui fait avec un rhum babacou, 5 étoiles. C'est juste ça que deux présidents, Roosevelt avec Vincent, signent au Cap un accord pour lever l'occupation hein, et pour toute troupe américaine yo qui pays pays définitivement dans mi-temps, mois, août. Le 1er août 1934, sous champ de masse, port au prince, colonel américain Vogel transféré commandement Garde d'Haïti par le colonel haïtien Demostène Petrus Calixte, qui acceptait le 14 août devant le quartier général Marigno a une cérémonie symbolique côté au descendre drapeau américain et après ça et au monté drapeau haïtien le 21 août, c'est date ça que le président Vincent a choisi pour fêter officiellement le V occupation et commémorer deuxième indépendance pays d'Haïti à minuit, Fort National a tiré un coup de canon et fête là a commencé. À 8h30, cloche dans toute l'église dans port au point s'est Monseigneur Conan, ensemble avec Monseigneur Le Goise, a chanté hommes » dans la cathédrale. Après ça, président Vincent a recueilli le sous-tombe des Salines avec Pétion. Et puis, il a sous-champ de masse, déposé bouquet et fleurs devant statue de Salines avec Toussaint l'ouverture. Il a une grosse réception dans le palais national et a fait tout par tout. Dans la soirée, il était tiré un pile feu d'artifice dans le Port-au-Prince. Pays à désoccuper, blanc et au pâti, qu'on y a à Vincent pour le faire face carré avec un bon problème. Tout d'abord, problème garde d'Haïti. Presque tout soldat sous-officier au parce presque tout officier au mulat, tandis que commandant en chef la mer, colonel Cadix, c'est en noir. Au fond, Cadix, était commandant la Garde d'Haïti seulement de nom. Voix commandant, c'était Major Dursé Armand, Yomulat. »« En octobre 1934, deux mois seulement après que Blanc au Armand a dit Calix, qu'on aime bien, quel que soit ça, les présidents président fait pour la garde d'Haïti, ou fait pour eux d'abord. Il est clair que Armand n'a bien aucun respect pour Calix, qui pourtant est chef. Et il y un pile incident qui passait, qui montrait que Major Dursé Armand, était très arrogant vis-à-vis -vis de Calix. Chapitre 6, Politique Vincent. En 1932, Vincent a profité de l'élection qui était faite pour nommer un député pour commencer à débarrasser de quelques anciens collègues dans le parti nationaliste. là. premier monde qui pourrait tomber, c'était Joseph Jolibois, fils, qui était président de la Chambre façon pour le craser, Influence que sénateur. C'est mon prédile, la chambre. C'est comme ça, avec force magouille, Vincent a réussi, fait frêle ne mou Vincent passé comme député, première circonscription. Pas au Prince, n'en place Joseph Jolibois, fils. Je que qu'à l'époque, ça n'a pas gagné aucun candidat pour député qui était capable battre Jolibois dans Pas au Prince. Jolibois était tellement populaire que dans la campagne électorale 1930, Yo e paysan la caé, vin mettre à genoux devant Jolibois. Après que vous de fait quoi de Dieu, il ont demandé Joli Bois pour l'invoquer grand là et faire la pluie tomber. Élu en 1930 pour six ans. En 1935, à Vincent est presque bout, tant que tout bon président d'Haïti, Vincent a calculé pour le qui m'a il pourrait le faire pour le qu'il pouvoir. Le plan Vincent est simple. Premièrement, fermer la chambre, renvoyez tous les députés et tous sénateurs. Deuxièmement, en la constitution et troisièmement, comme le SA, pas bien la chambre, présenter constitution ça baïe peuple là et mandé peuple là pour voter si oui ou non, yo d'accord avec constitution ça a, et fait que c'est peuple souverain lui-même qui ratifie constitution. Dans le commencement 1935, yo tombé fait circuler une pétition dans tout le pays a mandé Papa à Vincent pour rester au pouvoir. Le 2 juin 1935 le peuple a voté pour approuver la constitution que Vincent constitution a préparée. La constitution, c'est un président qui paquet de pouvoirs. Il pour pouvoir à la Chambre, il doit le gouverner par décret, il doit pouvoir nommer 10 dans 21 sénateurs et choisir 11 autres sénateurs, une liste que la Chambre des députés pour le préparer. Et ça qui est plus important, c'est que Teguyon a à article qui automatiquement Vincent, président d'Haïti, pour un autre mandat de 5 ans et qui parle permettre les de continuité de au pouvoir de 1936 à 1941. C'est un crime pour présenter et mander un peuple à 90% en alphabet pour y approuver une constitution qui écrit en bon genre français. Il faut que nous pas croire que tout le monde d'accord à gagote ça eu que Vincent a promet en mars 1935 du sien secrétaire d'état des affaires étrangères qui veut dire ministre. ki ta pou kipe za fè relasyon Haïti ak lot peyi, tal wè Kalix, komandan gade d'Haïti, e mandel pou yo fè yon kou d'Etat e renvesse Vincent. Kalix tal rapote bay Vincent ki la mèm revoke e fè arete Luchien Iber. Nou dè remanke ke set mwa selman apre ke marine merikè yo e te pati, politisyen Haïtien te de deja wè nan la gade d'Haïti yon bonje instrument ki ka pè de yo fè kou d'Etat e pran pou vwa. Au point de vue économique, le pays a traversé une période très difficile. Puis café a été tombé à l'étranger. En octobre 1935, un gros cyclone a frappé toute la région sud du pays a, et, de côté Jacques Mel, de Jacques de l'eau a montée plus de 3 mètres de haut. Dans la grande danse, la vallée de l'eau a descendu et a en pile caille. Et dans tout le pays, le cyclone a été la cause, plus de 2000 personnes ont été toutes les compagnies américaines qui venue installées dans le pays a pendant l'occupation ont toutes été élevées et ont été fermées sauf à dans qu'on au prince et plantation de dans zone zone de liberté. Cependant, le commerce figue en a monté en flèche. En 1938, Haïti a exporté 1,4 million de régimes figue-banane et en 1939, Haïti exportait plus Fig Banane parce que Brésil, Équateur, la République Dominicaine et Honduras, deux pays que dans l'époque ça, ils étaient reconnus comme grand producteur et grand exportateur Fig bananes. Chapitre 7. Relation Vincent avec Turio. Rafal Leonidas Turiyo imolina te pon pou vwa Dominikani an 1930. Kwa ke maman Turiyo te pitit yon Haitien, ki te rele Louisa Ersina Chevalier, ki donk granme maternel Turiyo se ton Haitien. Sependan Turiyo pat vlewe Haitien. A koz Turiyo se ton mouve diktater, te gon goup Dominikain ki te vin pon asil politik an Haiti. E an pil nan yo tap viv, swa pato prins ou bien sou fontiyer. Sous pression de ministre de l'Intérieur, Vincent a fait en pile dans l'exil de à vivre dans la zone de Jérémie avec Okaï. Après ça, Tourio a trouvé le nécessaire pour rencontrer Vincent. Effectivement, il a fait une première rencontre à Wanamet et d'Abonne da le 18 octobre 1933. Il a été à Colade et il a été à parler en dans l'école Fouet à Ouanamète. C'est depuis jour ça a parle commencer à rentrer col bien fond dans la politique pays d'Haïti. Après ça, entre Vincent et Tourio, c'était sa net. C'est tout le temps qu'on a visité l'autre. Et le 19 novembre 1935, le gouvernement dominicain était même rivé proposer non Vincent avec Tourio comme candidat pour prix Nobel de la paix. Cependant, bonjour, relation ça entre Tourio et Vincent, pas de durée. L'histoire a porté, chaque fois où tu Tou yo te toujou mande Vincent pou l'fèm mas haïsyen yo ki tap vive ilégalman. An Dominikani pou yo retoune la kayo an Haiti. Vincent te toujou vague tou yo. Nan lan nuit de Octob 1937, e pendant 3 nuit et 2 jou, la amè, an semak tout la polis Dominikène, te masakre entre 15 000 et 22 000 haïsyen. Nan zon Borda Abonde, Montekristi, Baraona, Samana, e San Pedro de Macoris, fam, gason, Grand monde, petit monde, d'un ou noir... et d'un peau pas capable de pour dire péril, qui veut dire persil, yo tué ou. Pour pas de faire bouillir, y pas tiré tirer armes, yo te plutôt servi avec manchette ponya baïonnette et bâton. Des grand pile de haïtiens, ils vivant dans la mer pour aucun manger. Mais pour qui ça tout y fait massacrer tout haïtien ça personne pas connaît. Cependant, je ont supposé que premièrement tout y parmi dominicains qui n'a jamais donné le fait que Haïti t'occupait la Dominicanie sous-boyée de 1822 à 1844. Deuxièmement, Tourio te voulait que Haïtien yo fait un mouvement, Les ça pour le faire l'armée dominicaine envahit et occuper Haïti. Troisièmement, Vincent a fait craser un bon calier, qui veut dire Haïtien qui tape travers en Haïti comme espion Touriot. En parlant d'espion, en a plus gros soufflet. Tout te kon yon cahier haïtien. C'est là l'invité Il l'été Li fait l'ouvri à tête devant le yon grand drapeau haïtien. Qui donc pour y aller jusqu'à Touilleau espion ça a été obligé marcher sous drapeau haïtien. Moi pas quoi que au Cap Bayon haïtien yon pigot soufflette leur fait marcher sous drapeau pays. En attendant, après ça Vincent pas fait aucune réaction. C'est juste le 9 octobre mon Carrier, qui était ministre haïtien en Dominicanie, a pour dire que Vincent n'a pas cru aucune responsabilité dans tout le massacre. Le 15 octobre, Evroy Carrier, ensemble avec Joaquin Balaguer, un officiel gouvernement dominicain, signé y a une déclaration pour dire que la relation entre la Dominicanie et Haïti n'a pas subi aucun dommage et que toute bagaille pourra le régler à la satisfaction du gouvernement. Yo. Sous pression gouvernement américain, le 12 novembre 1937, Vincent mandé les États-Unis, le Mexique et Cuba pour intervenir. Président Roosevelt voyait un message, tout pour dire, s'il si ne les pas conformer il a fini par mettre le haut à la loi. Le 14 décembre, Vincent, toujours sous pression gouvernement américain, mandé pour y porter de Massacre tout haïtien, ça devant une commission interaméricaine. Le 22 décembre... Tout y fait publier copie télégramme Joyeux Noël et Bonne année que le tévoye bah, Vincent. Monseigneur Maurilio Silvani, qui était non-apostolique à la fois pour Haïti et la Dominicanie, t'est servi comme intermédiaire pour essayer d'arriver à un accord entre deux gouvernements. Le 7 janvier 1938, le gouvernement dominicain proposait pour le payer 750 000 de dédommagement. Et le 22 janvier 1938, le gouvernement haïtien recevra de la main de monseigneur M et Maurilio Silvani une première tranche de 250 000 dollars. Le 26 février, la Dominique a été versée par le gouvernement haïtien dans un hein? compte qui était fait à Washington, une deuxième tranche de 250 000 dollars. Après ça, le gouvernement haïtien recevra 25 000 dollars. Ça fait... Au lieu de 750 000 le gouvernement dominicain a payé seulement 525 000 de dédommagement. Bagayot te a fini tellement bien pour Tourio que le gouvernement dominicain est tombé, fait des marches pour l'autre fois encore. Ils ont tout Rio avec Vincent comme candidat pour le prix Nobel de la paix. Même les ça dans la gueule d'Haïti, il te y gagné une te conspiration qui t'a bouilli. Ils bo, ont au jeune major du' Qui était commandant garde présidentielle, ensemble avec Kazen Dessalines. Malgré lui-même avec Vincent, ses familles, il même renverser Vincent, mais comme président Frédéric Duvignot, qui était ministre de l'Intérieur, de façon pour lui-même, du C-Armand, venir remplacer Calixte comme commandant garde d'Haïti. Yon l'autre bord, comme Haïtien, vous prendre les armes, accompagner soldats yon, et traverser les frontières pour nous venger frères avec soeurs yon, que tout assassiné. yon bon jeune officier, voulait basculer Vincent, et remplacé par colonel Calix, qui était commandant garde d'Haïti. Pour ça, il pensait que devait assassiner Durcé Armand de façon plus joindre Gros armes pour réaliser coup ça. Il faut que nous connaissions que Major Durcé Armand, c'est lui qui était contre les armes, ou du moins c'est lui qui était armes avec munitions qui étaient en dépôt dans la caserne des salines. Dans après midi 12 décembre 1937, Major Durcé Armand, ensemble avec capitaine Arnaud Merceron, qui était chef de la maison militaire, t'échita devant Rex, café sous champ de masse, bu un Quelqu'un dans un automobile qui était passé à toute vitesse, t'es l'ouvri Zam sous Armand et Merceron t'es blessés. Comme te ils étaient pris un numéro au plaque auto, ils étaient fini par découvrir que c'est le lieutenant Bonicia Spérard, avec toi l'autre officier qui donne dans l'Ottoa, et t'as tiré sous Armand et Arnaud Merceron. La même, t'es le Jol Vincent a tout profité pour faire masse, masse arrestation. Après investigation, de a trouvé 16 officiers qui étaient montés courants. Ils ont jugé Ce Se seul bonicier Spera, un noir, a été condamné à mort et a été exécuté. Ils ont mis l'autre officier en prison et, après quelques mois, ils été lagués. Vincent a voué Calixte en Europe comme inspecteur des consulats. Après ça, il a été révoqué. Il a été jugé par contumace, c'est-à-dire, qui veut dire des doles et ont été condamnés à mort. L'histoire a que qu'à l'époque, un groupe d'étudiants a offert tête comme volontaire. C'est le là que la Garde d'Haïti pas de bien plus que 3000 soldats qui étaient là pour défendre pays et ensemble avec la police. Et ils ont des munitions seulement pour deux heures de temps. Quand question nous faite pour nous poser, est-ce que 3 000 soldats haïtiens ont campé devant une force de l'armée dominicaine? de 50 000 hommes bien armés et bien entraînés. En 1938, Haïti re recevra une première tranche de 5 millions de dollars sur 24 millions de dollars que le pays a prêté dans une banque américaine pour payer JJ White. JJ White, c'est une compagnie américaine qui a signé un contrat avec le gouvernement haïtien pour ranger route, faire drainage, faire agriculture et réparer quelques coiffes. JJ White a eu un problème. Le Vincent t. Mandel pour lui évoquer quelques employés qualifiés. Et remplace par Mounpal. À part ça, Vincent voulait contrôler toutes dépenses de J.J. White. En 1939, Vincent a fait un voyage officiel à Washington. C'est même année ça, la deuxième guerre mondiale éclaté en Europe. Comme avec la guerre, pas tellement de moyens pour bateaux prendre dans en Haïti pour aller vendre à l'étranger. Ça la cause économie pays à la graba. Pendant tout le temps que Vincent est au pouvoir, dans tout le pays, y a la loi martiale est en vigueur. Pas de moyen parler, ni personne pas de cap osé critiquer sa gouvernement. En plus de ça, la corruption te blâhi et te pile gagot dans l'argent de l'État. y a un gros trafic de passeport avec visa qui t'a fait dans le consulat haïtien à l'étranger. Dans le ministère des Affaires étrangères. Dans Port-au-Prince, le gouvernement haïtien est même rivé, vendre pour gros l'argent, passeport diplomatique à quelques bachats étranger qui tape couille quitter l'Europe la deuxième guerre mondiale a été en 1939 Chapitre 8 Finissement gouvernement Vincent Au commencement 1941 Vincent a fait manœuvre pour essayer de ne pas faire un troisième mandat Ministre américain en a pas de Prince, fait Vincent qu'on est sa point sa pièce. L'Esco la même couru rentrer en Dominicanie. Après que le film conféré avec tout, l'Esco va de Vincent pour dire s'il si part à l'école, il a un compte de documents que le cap met de pour là, pour aviller. Et la pour mettre les documents document sa ses mains comme président. C'est comme ça le 5 avril 1941. Vincent a une déclaration publique fait qu'on est, à cause de santé, le pas de bon, l'IPAP candidat à la présidence. Qu'on y est, porte la louve deux battants pour l'ESCO. Dix jours plus tard, le 15 avril 1941, la Chambre réunie en Assemblée nationale, té nommé Elie L'ESCO, 30e président d'Haïti. T'es gagné seulement deux parlementaires qui n'ont pas voté pour l'ESCO. C'était Dumarset estimé et Frédéric Duvignot. Après, Vincent finit transféré le pouvoir par l'ESCO dans le Palais national. Qui était tellement peur que le patron va sous lui, il demandé l'ESCO pour accompagner le sous côté là le prend bateau pour aller à l'étranger. Vincent est passé 11 ans au pouvoir. Comme réalisation, il a fait bâtir un pont sur la rivière Guayamouco, Hinch. Il a fondé un lycée Saint-Marc. Il a ouvri pour recevoir 10 délinquants de pension. Il a l'école centrale Port-au-Prince et une fondation Vincent qui était la fossette au Cap. C'est sous Vincent, il a commencé à faire exercice physique dans l'école. Et à élève a fait par 18 mai. C'est sous Vincent, le football a commencé à vraiment développer en Haïti. Vincent a fait bâtir deux asiles communales. Il y a un porte-au-prince, il y a l'autre au cap pour recevoir vieux grand monde. Ça fait pas bon. Il a reproché Vincent de ce qu'il a fait arrêter Joseph Jolibois, fils, et Louis Calard, un journaliste, et tous les deux t'es mouru dans la prison. Vincent est aveugle l'aile retournait en Haïti en 1943. Il était passé quelques temps au Cap-Haïtien. Il était un conseiller politique François Duvalier, jusqu'à ce qu'il était mouru Pétionville le 3 septembre 1959 et est enterré dans le cimetière Port-au-Prince. Chapitre 9 Elie Lescaut, 30e président d'Haïti. Avant l'oubli, c'est titre un livre que Elie Lescaut publié. Dans le livre, ça, Lescaut écrit que le naissance Saint-Louis du Nord le 9 décembre 1883. Il l'école au Cap, côté le fait étude primaire et études secondaire. En 1902, il étale prince à l'étudier pour le vin pharmacien. En 1905, L'étape travaille comme interprète dans la douane Port de Paix. En 1907, il est marié avec une dame qui tire les Corinne Jean-Pierre. Dame, ça a été mouru quatre ans après, en 1911. Le 2 août 1913, l'ESCO marié avec une autre dame qui tire les Georgina Saint-Aude. De 1915 à 1917, l'ESCO était directeur l'école secondaire Port de Paix. En 1917, il a nommé l'ESCO commissaire gouvernement tribunal civil Port de Paix. En 1919, il nomme le consul d'Haïti dans Antiville, Cuba. En 1922, avec Madame lier saint timoun l'ESCO quitte Haïti et au vive à Paris, en France. L'ESCO retournait en Haïti en 1926. En 1926, il était juge tribunal premier instant de porte de paix. En, en janvier 1930, Borno nommait le secrétaire d'État, Instruction publique, agriculture et travail. En mai 1930, Borno nomme le juge d'instruction, tribunal, pas au prince. Borno tombe, l'ESCO sans problème repédalé avec Vincent qui nomme le juge tribunal cassation, commissaire tribunal cassation. Il y a une grosse question nous avons posée, nous la connaîtrons. Comment se fait-il que l'ESCO ait à occuper toute grosse position dans la justice, sans que par aucun côté, aucun document qui fait recueillir l'ESCO ait étudié droit ou bien il était avocat en 1932, Vincent nommait Lesco ministre de l'Intérieur et le 22 mars 1934, avant que le parte à un voyage officiel un moins aux États-Unis, Vincent émettre Lesco à la tête toute minicio qui donc c'est Lesco qui t'a dirigé pays et pendant tout temps ça que Vincent pat là. Lesco a profité de belle occasion ça pour te faire un discours devant Statut Toussaint Louverture, qui toussaint masse devant Palère. Disko sa te fewe kleman ke leskot ap travay pou lvin prezidant d'Haïti. Lucien Ibert, minis de finanso Vincent, te prezante la chom yon deman pou permette gouvenman koupe 10% sou aprentman tout emploi l'Ita de fason pou yorive balanse budget ane fiskal 1934-1935. Depute du Marseille stime ki te gonza fe personel avek Lucien Ibert, te kampe an kwa kont proje sa ap, Et la Chambre t'a voté non. Ça été représenté pour tout cabinet ministériel-là, un vote de blâme. Vincent, après ça, t'es mandé ministre pour yon tout bail démission. Démission en bloc, ça vient ranger les affaires de l'ESCO. a même passé de ministre de l'Intérieur à ministre d'Haïti à Ciudad Trujillo. Vincent, sans que le patron ne compte, c'est lui-même qui peut le permettre, l'ESCO président d'Haïti. Zamitaï Trujillo avec l'ESCO, et commencé depuis l'ESCO. Forcé Vincent refouler quelques exilés dominicains Jacques Mel avec Okaï. Zamita et la devine pifo. les après rencontre deux chefs d'État, Wanamet et d'Abron. Vincent en 1935, mettait l'ESCO à la tête d'une commission pour régler les affaires frontières entre deux pays. Yo. Avec nomination l'ESCO comme ministre en Dominicani, qu'on entre l'ESCO et Tourio, c'est pas ça net. En mars 1937, Vincent déplaçait l'esco et nomme le ministre d'Haïti, Washington. Là pour là, l'esco rentrait dans un avec Sumner Wells, un gros auto-bré dans le gouvernement américain. Zamitaï ça a été te tellement serré que le 11 janvier 1941, Sumner Wells voyait un mémo par le président Roosevelt pour présenter l'esco comme un bon ami des États-Unis et le faire comprendre que si l'esco vient président d'Haïti, Nou kap kontè sou li, el pral kolaborè avèk les Etats-Unis net alè. Antre tan, Trouillot ap fè manèv pou l'fè Lescaux rive prezident d'Haïti. Gouvernement haïtien te voye baye Lescaux yon gros som l'ajan la pou l'achete os Etats-Unis 3000 fuzi pou la gade d'Haïti. Apre un an, kom Lescaux pat voye fuzi yon, Sidney de la rue, yon blan amérikèn ki te lè pou kontrol le finance pays d'Haïti, voué mandé l'esco pour lui retourner toute l'argent. jambe. L'esco qui était dépensé pifo dans Kobsa. courit téléphone à Touyo et mandé l pour le portel concours. là même, passe Andrés Pastorissa, qui était ministre dominicain Washington. Instruction pour le bail. L'esco yon chèque. Au lieu que l'esco dans la banque fait un transfert ou bien fait un lot chèque, lit tout médecin a t dans deux chèques, ministre dominicain, et voyez-le comme ça en Haïti, bail de la rue. Un mois après, le 20 septembre 1940, Lescaut veut en belle lettre by toyo cultérer les chefs pour remercier-les de ce qu'il dans une situation qui était très dangereuse pour l'avenir politique. Finalement, en 1940, nous joignons Elie Lescaut comme sénateur de la République. Chapitre 10. Administration Lesco. Lesco montait au pouvoir le 15 mai 1941. C'est un président d'Haïti qui était chargé avec expérience politique. L'elle était montée au pouvoir. Une semaine après, le 22 mai, l'Ikouri a rencontré tout sous frontière dans la zone boilias Pignas et Belader. À cause de toute belle position que l'elle était passée sous Borno et Vincent, ministre, juge, ambassadeur, Député, sénateur, l'ESCOT est monté au pouvoir chargé avec expérience politique. À la papote, l'ESCOT déclarait que le programme politique est simple. Premièrement, a maintenu la paix. Deuxièmement, a maintenu l'ordre. Troisièmement, a créé travail. Et quatrièmement, a réalisé un programme de justice sociale largement large. Au fond, l'ESCOT a un plan secret qui pas de gain aucun rapport avec déclaration officielle que les a fait dans bel discours. Plan ça, premièrement, c'est faire la garde d'Haïti était fidèle à lui-même. Deuxièmement, dominer la chambre. Troisièmement, faire Haïti bénéficier pour façon que le poil camper à côté les États-Unis. Quatrièmement, gouverner Haïti avec main de fer. et cinquièmement, cambé tout le monde noir dans camper loin favorisé et by gros avantages seulement à Blanc, Mulat et Griffe. Le 6 juin 1941, trois semaines seulement après qu'il était monté au pouvoir, l'escote organisé par au point son gros parade militaire, Côté il était déclaré tête commandant en chef garde d'Haïti. La même, du point de décret, il mettait garde présidentielle en avec la police directement sous contrôle lui. L'escote est censé vinguer tout pouvoir militaire en main. et tout gwo chabrak etamajor la mea, te la tan kon ban tipo petwel. A patir de fevriye 1942, lesko te pousse sa ankon pi loin, lel te etabli tribunal militer nan tout 5 depatman peyi ya, pou juje tout moun ki komet krim e deli. Kon sa, tribunal militer yo te remplace tribunal sivil. Fok nou kone ke nan, etat, nan epok sa, peyi ya te gen solman 5 depatman, Le nord, le nord-ouest, la Thibonite, l'ouest et le sud. pays à le temps jusque sous François Duvalier pour le diviser en neuf départements géographiques. Il y a une façon pour te consolider le consolider pour les l'ESCO a décidé de remplacer toutes les par délégués. Et il té nommé un délégué pour chaque six villes saillot au Cap, Port de Paix, Gonaïve, Jacmel, Okaï et Jérémy. Toutes six délégués étaient sous contrôle de Ouzier, qui était ministre de l'Intérieur. Le 8 décembre 1941, après un escadron avion japonais et fin de bombarder quelques bateaux de guerre américains en Harbor, dans la zone bord Hawaï, dans l'océan Pacifique, l'ESCO déclarait le Japon la guerre. Quatre jours après, le 12 décembre 1941, l'ESCO déclarait l'Allemagne, ensemble avec toute l'Italie, la guerre. Et il fait fait main dans le fort national, un pile allemand avec un pile italien qui tape vivre dans le pays. Le 24 décembre 1941, l'ESCO déclarait la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie la guerre, qui fait dans 16 jours, le président Elie Lesco déclaré en total de 6 pays la guerre. À partir de 7 janvier 1942, comme sous-marin allemand ont commencé à couler quelques bateaux marchands dans la mer, dans la zone haïti. L'escote a tout profité pour le fait d'appuyant sous-bien totalement avec Italien et au, qui était dans la prison Fort National. il était offrit pour le mettre à disposition des États-Unis 20 000 soldats et 50 000 travailleurs agricoles, si au cas les États-Unis t'avaient Le 15 janvier 1942, la Chambre votée et l'Esco plein pouvoir pour tout temps. Deuxième guerre mondiale a duré un mois. Après... Puisque l'ESCO dégaine plein pouvoir, il te suspend la constitution et il a passé la garde d'Haïti l'ordre pour arrêter, juger, condamner et exécuter tout le monde qui t'avait fait sabotage ou bien mettre du feu. Après ça, l'Esco fait un voyage aux États-Unis. Il a l'ouvrir pour lui une ligne de crédit de 2 millions de dollars. Pour le cap de la jarrette, il a 5 petits bateaux de guerre. Pour te l'ouvrir, marine haïtienne dans bisoton ensemble avec six petits avions de glace. Avions étaient anciens. C'est pour ça qu'ils n'ont pas duré. Mais quand même, ils ont permis de formation en corps d'aviation et les États-Unis ont dépêché 50 officiers pour venir montrer aux militaires haïtiens comment ils pilotaient l'avion. L'escorte est tellement voulu collaborer avec yu, les Américains qu'elle t'a offert les États-Unis pour au Haïti et mettre le gouverneur pendant tout le temps que la Deuxième Guerre mondiale a duré. En octobre 1943, l'Esco te fait l'autre voyage aux États-Unis. Côté fois ça, Président Roosevelt te recevant à la, la Maison Blanche. Il te promet mettre que les États-Unis ont un projet pour développer caoutchouc pour aller pomper 40 millions de dollars en Haïti. Canal que le gouvernement américain t'a choisi pour développer le programme, relève la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole ou bien tout simplement Chada. Chada, c'est un ampier goflé que le pays d'Haïti te passé. Blanc yo vini à gros tracteur. Il a rasé tout ça au sur les affaires de 133 400 hectares. Ça qui représenté 21,55%, presque tout bon terre te qui a conservé dans le pays pour faire de l'agriculture ou bien faire jardin. Il a rasé Kaï, il a rasé un ils ont plantation café, cacao, de bananes. Ils ont coupé pied pieds de mangue, des pieds noirs, pieds pie lames véritables. Ils ont planté des pour faire codes et des que peut plater les côtes cabrites pour faire caoutchouc. En 1944, après seulement un an, Chada a fait faillite dans la zone de bo boy dans le nord. No. Ils ont fait gros plantation de cabrites. Ils ont réussi à faire seulement 5 tonnes de caoutchouc. Après, ça Alé, plusieurs côtés d'un pays, j'ai été mon vaste savane, toute caille écrasée, toute bonne déchouquée, en pile dans le pas de même qu'à montrer un placement de côté de terre, ensemble ensemble. Les ça les scoulis même, habillés en militaire, avec Képi ou chapli bien raide raides sous tête, ils ont fait un bel discours pour dire qu'en qualité de commandant en chef des forces de l'air, de mer et de terre, Chada, c'est ton façon pour Haïti aider notre grand et puissant voisin du Nord, que sont les États-Unis. Puisque dans le toute industrie en Europe et aux États-Unis est tombé faire avec matériel pour la guerre, te viennent tes produits de première nécessité. Puis produit un coup savon, l'huile cuisine, pièces de rechange, caoutchouc pour automobile, camion, bicyclette, motocyclette, tout tes monté tête nègre. Quel gros commerçant n'a pas de prince te profité de situation ça pour serrer quelques produits et tomber fait machine noire. L'esco qui te énervé de ce que situation machine noire ça a, t'as qu'à gros problème, te dit si au cas les alliés pas cap' fini avec ça, la yon ciel d'avion elle bombarde Berlin. Personne pas qu'à comprendre sans déclaration ça, sa, parce qu'à l'époque, Aviation haïtienne gagné seulement 6 avions Douglas en mauvais état et puis loin avions sautait été rivé, c'est San Juan Porto Rico. C'est quelques temps après ça, gouvernement haïtien pour monter la compagnie haïtienne de transport aérien qui veut dire Koata qui dégaine deux ou trois avions à hélice qui t'ont quitté Port-au-Prince deux ou trois fois par semaine pour déposer ou bien prendre passager Port-de-Paix au cap Jacques Mel, Jérémy avec Okaï. C'est aviateur, l'armée d'Haïtio, qui déconne piloter avion sa Chapitre 11. Mouvement rejeté. Sous les scopes a de gens bon dans la rue. Les défend défendent ça ça fait bonne rara fait dans sa cérémonie faut d'oublier ça dans l'année 1941 1942 tu as gagné un gros événement qui t'est passé en Haïti le mouvement rejeté les qui qui un bon catholique t'es toujours gagné un mail chapelet ou bien un rosé que l'a brûlé. c'est comme ça les sco par l'église catholique autorisation pour lancer mouvement rejeté pendant ville, cependant Père français avec quelques pères haïtiens qui étaient dans la commune en dehors yo té procession avec la croix devant bannière déployée largement large, deux enfants de cœur habillés tout en rouge yon enfant de cœur à balancer yon tous tout mains qui dapt dégager la fime pour chasser mauvais air yon l'autre enfant de cœur avec un goupillon plein de l'eau pour mon père faire aspersion et vouer de l'eau bénie. mon père lui-même habillé avec une grand robe noire chasu blanche li lit, Yon ti bon net toal noa, Bien chita sou tet li, Ebreviel namel, Teral e deyel, Yon latriye fidel, E apre chak dizen chaplet, Fidel yo tap voye monte, Yon chante, Kite gen kom refren, Marche avek nou, Saint Michel a kanj, Ou te bat demon ak tout mouvezanj, Gran mesi bondye nou tout rejetek, Pou nou sevi ou san melanj, Kaporal sou distrik, Kek soldat, Chef seksyon, Yo tout bien ame ak fizik, Ansem ak kek sou ket la ouze ak gwo koko makak, te ansek le posesyon pou baye sekirite. La posesyon sa yo pafwa te kon mache plusieurs kilometre pou yal kreze, pye, brule tout un fo ki genyen an bouk ansen ak nan seksyon rural. Se pa de abu ki te komet, sa te pitris, se pa de pet gwo trezor ke peyi da iti te fe. Yo te kreze, brize, an pil ti statu an wosh ke indyen yo te fe. un pile poupée en porcelaine de Limoges, un pile vert en cristal de Baccarat, un pile pot, un pile terrine, un pile bassinette qui était pour colon français te, et qui était conservé pour faire cérémonie. Cependant, pas étonné le roi pointe que journain d'hier, au cap jeune en pile dans trésor exposé dans quelques gros musées en Amérique et en Europe. Pour bail mouvement rejeté à j'arrête, c'est un père blanc qui était le père Froisset, qui était professeur dans un petit séminaire collège Saint-Martinal-Port-au-Prince. Père ça qu'on montait sous prêche et écrit dans le journal pour salamber religion vaudoua. L'idée qu'on dit que vaudoua c'est une bonne pratique superstition, qui donc, pour père Froisset, vaudoua sont religion satan. La même, il y a un ethnologue et communiste haïtien qui était le jacroumet, qui était monté sous plume lit il était publié dans le journal Le Nouvelliste, une série titre pour faire comprendre que vos droits, ces religions peuple-là. Et c'est une bon religion que l'Ier. Si vous voulez changer religion peuple-là, ce n'est pas pour poursuivre les, ni critiquer. Les. Ça, nous besoin en Haïti. c'est pas une campagne contre la superstition, mais plutôt une campagne contre la misère, une campagne contre l'ignorance. C'est tout intellectuel dans le pays qui tape suivre dans le journal, groupe polémique qui tape fait entre Père c'est et Jacques Roumen. Après que Père était fini de un pile ou un faux qui en dehors, ensemble avec la section rurale, il a parlé pour al déchouquer un faux qui en ville. Il a matin, dans chapelle d'Elma, dans le port au prince, alors que on possession, te pour al déraper, pour déchouquer un faux, dans le port au prince, la mêlée paraît et l'ouvrez sous tout le monde. Pas de gain mort. Cependant, ni mon Père. Ni sacristain, ni enfant de coeur, ni fidèle, tout point rac et tout un camarade boisé. C'est ça que Tevin mettons point final dans un mouvement rejeté. Le 8 décembre 1942, comme fermeture au mouvement rejeté, gros la possession, sans ma gros cérémonie, était faite dans l'église catholique dans tout pays pour consacrer Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours. À cause crasse et brisée, et tout gros des qui a fait dans affaires affaires hier lesco courir la gueule toute responsabilité à sou peyo peyo même blâmer lesco ça la cause lesco avec peyo t'est dos à dos et lesco même t'est tellement mauvais que il décidé décidé couper influence Père français en haïti c'est comme ça Deux mois après en février 1943 lesco fait Louis Collignon, un père américain de la congrégation des Oblas Marie Immaculée, vint Monseigneur Okaï, en dépit opposition à chevet port Mgr Monseigneur Le ensemble avec toute non-apostolique qui sont italiens. Même en 1943, l'ESCO invité la congrégation sainte croix au Canada, vint bâtir un collège port de paix. Les Canadiens étaient rentré au Cap en visite, Lesa ils vint trouver le plus commode pour y acheter collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au lieu qu'il ait bâti un collège pour de paix. C'est ça que le permet. Quelques temps après, Père Cousinot, un canadiens viennent au Cap comme évêque coadjuteur. C'est à partir de l'année 1943 que les oblats Marie Immaculée et les religieux de la congrégation Sainte-Croix pour commencer l'AIT Corio en Haïti. Jean-Santa Pati là, s'il laisse côté passé plus de temps au pouvoir, l'éclat que le tap finit par réduire et même craser l'influence français et française en Haïti. Chapitre 12. Finissement gouvernement Lesco. À partir de l'année 1943, Lesco est tombé en pile l'arrestation parce que l'opposition a commencé à monter contre lui. Le 19 avril 1944, la Chambre votant l'autre constitution qui déclarait, premièrement, pas d'élection tout en la guerre, pas qu'on fini. Deuxièmement, changer mandat président et permettre l'ESCO de au pouvoir jusqu'en 1951. Et troisièmement, la Chambre a ratifié toutes actes que l'ESCO posait. En juin 1945, délégation plusieurs pays était réunis San Francisco aux États-Unis, pour remonter l'Organisation des Nations Unies, qui veut dire l'ONU. Dans la première séance, toute délégation, yo est jouée sous bureau, yon paquet qui a gagné photo toutes toute lettre que l'ESCO a écrite depuis 1937. Presque même le... Tout y a fait distribué en Haïti. Copie une lettre qu qu que l'ESCO a écrite. Quand déclaré tout l'argent que l'ESCO a elle a reproché l'ESCO de ce y a un gras pour tout ça, qu'il fait pour lui. Rapidement, copie lettre ça a gagné dans tout le pays. En mai 1945, le gouvernement fait, fait mon petit journal étudiant qui les Anglais. Là même, un groupe de jeunes intellectuels qui est à gauche, a décidé de monter un petit journal qui la ruche. Avant que l'on journal le journal, il était tellement monté contre l'Esco, que voulait le de l'Esco rue la mare, côté le passer chaque matin, l'aile prale dans le palais, et faire un vasoulis. Numéro 1er janvier 1946 du journal La Russa a tombé dans Port-au-Prince tant couillon bombe. Tu journal La Salle 1946 comme l'année qui pourra porter la victoire et la démocratie pourra blahi il pourra triompher contre toute fasciste et toute oppression. Journal l'a dit que pourra changer non tout mois qui dans l'année. Moi janvier pourra vienne moi liberté, mois février pourra vienne moi unité et moi mars pourra vienne moi résistance. Le lendemain matin bien bonheur il a arrêté Théodore Becker, qui était directeur journal, là, ensemble avec René Depestre, qui était rédacteur en chef. Là même, récemment, équipe journal la a passé à l'action et a décidé de lancer une hôte de grève pour toute l'école port au Prince. Les gouvernements apprennent ça. Ils couru la Guéna à souhait. 5 janvier. Théodore Becker, ensemble avec toute René Depestre. Même soir, toute équipe journal -là, la a réunit et a décidé de monter un comité national de grève. Il ne a pas faire grève dans Port-au-Prince seulement. Non, il n'y a pas de grève dans tout le pays. Après, au déboulonner de l'esco. Deux jours après, le 7 janvier 1946, étudiants école de médecine, d'abord. Après ça, étudiants toute l'autre faculté. Et finalement, c'est toute l'école dans Port-au-Prince qui était fermée. Élèves avec étudiants, prennent la rue. Et au pris les Vive la révolution. Le lendemain, 8 janvier, tout magasin fermé, emploi et l'État, Vous fait ça l'école. C'est tout le pays qui est en grève. Le 9 janvier, toute porte au Prince Campé pour faire volontairement pour un jeune garçon bel air qui traînait les André Jean que la police t'assassinait T'as a plus mort si la police te l'ouvre les âmes sous manifestant. Il était seulement marcher sous foule là, faire quelques arrestations et vouer quelques coups de bâton. Le 10 janvier, toute mission remette Les L'ESCO essayaient avec Émile Saint-Lô, un leader noir, monter un nouveau cabinet. Tout le monde sait le contacter, et tout est refusé. Les scopes dans la radio pour dire que la priorité n'en parlait quand même. Et dernier avertissement que le bail la prend des mesures très sévères pour lui rétablir l'ordre. La nation est prévenue, le monde entier est averti. Le 11 janvier, grand matin, un agronome haïtien qui les louis des joies, tal offert à M. Journal Larouchot un caisse revolver, et essayé de faire comprendre que révolution parfaite sans armes. Comme c'est un bon jeune garçon, sans expérience politique, un bon apprenti révolutionnaire, il été refusé. C'est bien longtemps après, il a compris que si il était pris un et distribué au peuple, il était été capturé tourner l'autre gens. Même jour, en janvier, il y a un groupe de politiciens envahi si M. Journal La et invité pour ensemble former un comité de salut public. Il mis en gros discussion quand le National tiré trois coups de canon colonel Frank Laveau, monté radio, déclaré la radio, il déclarait que la garde d'Haïti prend pouvoir, il a fait président et prisonnier dans Manoir des Lauriers, il a monté un comité exécutif militaire de trois membres qui gagne un colonel Frank major Antoine Levelt et major Paul Magloire, et que bien vite, il a fait élection. Le 13 janvier 1946, après cinq jours que y les cinq glorieuses, il a embarqué l'ESCO à bord d'un avion américain à destination Miami. Là, les sco toutes toute famille prennent train et à en exil au Canada. Les tu à Montréal, c'est Père et Dom Taurisio qui te et asile. En Haïti, ils as couru faire porter les sco en chien. Tu les jol de gars et tout pour faire connaître que les sco te volont pile l'argent. Ce n'est pas de vrai. En exil au Canada, ça fait les scots pas de bon du tout. Pendant que les sco président, ils te refusé de te pas l'air. Parce que le pas de ça président, c'est le compte la dérivelle. Se pou tèt sa, an desan 1941, set mwa solman apre ke lte pren pouvoar, li kaskè 80.000 lola e l'achète bourdon nan men yon blan merikèn ki te direkter Asko, mwa anouar de lorye, yon nan pi bel kaj te genan pou ou prins nan epok sa. Apen lesko pati lal an exil, l'Etat sezi mwa anouar de lorye e ou l'ouel. Kom yo pat liki de pansyon l, lesko voye plizior letre, plizior mesaj bay prezident estimé Pour exposer la situation, pour prévoyait l'agent loyer pour lui. Estimé pas de gens me l'ESCO. C'est Paul Magloire, l'elvin président, qui a fini par liquider Pension l'ESCO. L'ESCO est retourné en Haïti en octobre 1956. L'Ital vive la boule, côté le Temuri, le 21 octobre 1974, à l'âge de 90 ans. L'ibon pour nous connaît que c'est l'ESCO qui a créé l'université d'Haïti, ensemble avec la faculté d'ethnologie. C'est sous l'Esco, centre d'art tel ouvrit Port-au-Prince, qui prend la cause tout go et que la peinture haïtienne le point. Et c'est encore sous l'Esco, Yon Blanc qui les dit, les qui t'a travaillé dans l'ambassade américaine Port-au-Prince, t'a publié Yon Méthode sous façon pour écrire créole. Les t'est Bâti ont cité la fossette au Cap. Ils rapporté que les a fait la Chambre passer plusieurs bonnes lois. Parmi les lois saillants, yo, Yon loi qui mettait un fin naturel sous même pied d'égalité avec un légitimes. légitime. Pour garder des affaires séparées, bien héritage, les papas ont mouru. D'après histoire, les scouts qui ont été considérés pas au point comme comme la province, te réservé tout bon job dans le gouvernement pour les griffes et les mulâtres. C'est ça que la cause. Après les scouts tombés, y a un mouvement tout neuf fois a déclenché dans le pays hier que qui pourrait régler la révolution de 1946. Pour une finie question que nous avons posée, est-ce que vraiment en Haïti te une révolution en 1946? Nous arrivons en finissement de la première édition, volume 7. Qu'on y a, nous pour un volume 8, qui sont l'autre enregistrement. Côté, nous poilons oui, la révolution de 1946, gouvernement Léon Dumas, estimé, gouvernement Paul-Eugène Magloire, et comme ça, nous poilons continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Encore une autre fois, songez bien que c'est seul général d'histoire. ki ka pèmèt nou juje ansyen dirijan yo. Fè nou reviv tout gwo l'evenman ki te pase nan tan lontan. Fòse nou mèt tèt nou ansam e wè san dwe fè pou nou sove bel ti ha iti chèri nou. Onè respect pou tout moun ki branche page l'iswa sou l'ouverture mèdia. Sopote kwa abone, n ap evito pou fè sa konya pandan lot chapit paj l'histoire pral pa, komanse nan kelke segonde. Se yon nan fason pou ankouraje l'ouverture medya kontinye travay edukasyon sa akon ap fè pou la jenèz kakon istwa peyil. Nou remensyo pou ekoutou e pabliye abone. Chapit wak finissement gouvernement Geoffroy. Malgré la Constitution 1846 1846 t'ait aboli la peine de mort, cependant, ce n'est pas de l'ennemi politique que Geoffroy t'a fait arrêter, juger, condamner et fusiller. Sylvain Salnave, qui est un leader très populaire dans la masse peuple-là, et qui t'a vivé en exil en Dominicanie, rentré au Cap le 9 mai 1865. Là même, Geoffroy Vauhenissage saget à la tête d'une force de 12 000 hommes pour lancer Cléville au Cap. Alors que Sylvain Salnav avait sous commandement seulement 500 soldats et 1000 volontaires, ni sage-sage, à sage, 12 000 hommes, pas de cap privé entré au cap. Après six mois, Geoffroy, personnellement, t'ai obligé de monter en nord pour aller prendre le commandement et diriger l'opération. Après un accrochage qui t'est passé sous la mer avec un bâtiment anglais, révolutionnaire ont entré dans le consulat anglais au cap. Il prend sept réfugiés politiques qui sont dans le consulat et j'étais en prison. En représailles, deux bateaux de guerre anglais t'ont bombardé, ville au Cap. C'est grâce à bombardement ça que Geoffroy et fini par entrer au Cap le 9 novembre 1865. Qu'en est-il là Mais de 12 000 hommes pendant plus de six mois? C'est la cause en pile, l'argent dépensé. Et ça t'est fait à grave situation économique pire. pays. un bon jeune intellectuel au Cap, à Port-au-Prince, qui pas de travail, t'est tombé critiquer Geoffroy. Pour mettre sous contrôle, Jeffrey de force enroulé dans l'armée. Jeune intellectuel, ça yo, facilement, terrivé à monter tête soldat contre Jeffrey. Dans la nuit, 22 janvier 1867, ...un groupe tirailleurs de la garde qui était cantonné dans une caserne tout près par l'air tombé tiré sous l'air... côté Jeffrey, toute famille lit vive. Après ça, soldat au point la rue, ...ils tape crié Vive salnave, nave, abat Jeffrey le tyran. Zam tombé tiré tout partout et peuple a été profité, pillé en pile magasin. Victorin Chevalier qui est en exil inag, couru rentrer et le soulevé ses marques. Ni sage sagesse soulevé toute la Tibonie. Laisse ça, j'ai foi à réaliser que n'en point moyen qu'un encore. Il a démission le 13 mars 1867. Et à toute famille, il partit en exil Jamaïque. Cotel mourit en décembre 1878, à l'âge de 72 ans, Geoffroy a passé 8 ans et 2 mois au pouvoir. bons pour nous connaître que J.C. d'Orsainville, dans un livre Histoire d'Haïti qu'il publie en 1924, a écrit que Geoffroy, c'est un des meilleurs chefs d'État qui est passé au pouvoir en Haïti. Chapitre 5. Jean-Nicolas Nissage Saget, 11e président d'Haïti. Immédiatement, après que vous avez exécuter Salnave, il y a un gouvernement provisoire qui te fait fusiller en pile le partisan salnave. Enfin le 19 mars 1870, Nissage Sajet est nommé président d'Haïti pour une période de 4 ans. Nissage Sajet c'est un mulat. Quoique il fait de Port-au-Prince, Racine Famille Sajet, c'est dans la ville Saint-Marc. Du fait qu'il était passé 8 ans en prison sous Soulouk, t'es pas fin toi bon. Il était très simple, très religieux. Il pensait que le rôle comme président, c'est respecter la Constitution, reconstruire le pays et réconcilier tout Haïtien entre eux. Les quelques partisans voulaient faire pression sur lui pour craser la chambre qui t'a Problème, il était toujours qu'on dit yo, que chaque bourrique grandit dans le pâturage. T'es un masse vieux que peuple les oreilles bourriques et quitte en circulation dans le pays. Pour contrôler la situation, ça a... Gouvernement Sage est obligé fait de faire deux empoints. Yon de 100 000 dollars et l'autre de 2 millions de dollars. Avec l'agence A, tu as changé les oreilles à raison de 300 gouttes pour yon dollar. Ça a créé un pile problème parce que les paysans ont des belles pièces l'agent américain et ont refusé de remettre yo en circulation. Le 9 février 1872, y'a du fait éclaté. Et par les nationales là, yon fois encore brûlés rapier. Le 15 mars 1872, deux ans après que pris prend pouvoir, Sina le compte, un descendant Dessalines et un partisan salnave qui t'a vivant en exil en Dominicani, rentré au Cap avec un groupe de huit mercenaires. Ils prend l'arsenal au Cap et il tête Tetli Jean-Jacques Dessalines II. Le lendemain, Général No Alexis, qui était commandant du département militaire du Nord, point de la snale. et sans jugement, il fait fusiller Sina le compte ensemble avec tous les mercenaires. Parmi eux, blanc français à quatre Dominicains. Après ça, il fait masse arrestation au Cap Gonaïve, à Dans la nuit du 3 au 4 mars 1873, Gallumet Michel, à la tête d'un groupe de 15 hommes armés, déclenchant le mouvement de Gonaïve. général Laplace, Montmorency Benjamin, Marché prendre. Ils descendent tous à coups de fusil et à coups de manchette. Après ça, ils quitte cadavre dans la rue pour bête manger. N'importe votre prince, en pile du feu, te éclaté et en pile caille, te brûlé. Deux blancs allemands, Yon Dickman, qui t'a fait commerce Miraguane, et Yon Lot Stappenhot, qui t'a fait commerce au Cap, ont réclamé que le gouvernement paye 15 000 dollars pour dommages que été subis sous Geoffroy axel Nav. Le 11 juin 1872, deux bateaux de guerre allemands rentraient dans la rade port au prince Deux heures de temps après, capitaine Batch, qui était commandant de bateau, exigeait gouvernement haïtien pour le payer 3 000 livres sterling. Et sans que le patron réponse au gouvernement, il était saisi deux bâtiments haïtiens qui étaient dans la rade là. Comme gouvernement haïtien, pas de Cap fait un il était obligé de frapper quelques commerçants pour rassembler l'argent et payer batch. Cependant, avant que vous allé, les marins allemands ont ouvert quelques drapeaux haïtiens sous pont de bâtiment. Ils te descendu les pantalons et yo te chier sous les drapeau haïtien. Yo. En 1870, le président dominicain Buenaventura Baez a signé un accord pour livrer la Dominicanie aux États-Unis. Il faut que nous songeons. En mars 1861, Santana t'a livré la Dominicanie à l'Espagne. ça, c'est grâce à un sénateur américain qui était le Charles Sumner de Massachusetts qui fait que traiter ça avec les États-Unis pas ratifié. Deux ans après que ça a été monté au pouvoir, la Chambre te trouvait l'incapacité pour le fonctionner à cause de marronnage. Le pays a été bloqué, le gouvernement a été paralysé, c'est un point après un point. « Puisque pas de bien la chambre pour contrôler, en pile l'argent et fait chemin crochu. » Finalement, après que le ténomène Michel Domingue, commandant de l'armée, Sajet de remettre démission le 12 mai 1874, trois jours avant Mandal est fini. Depuis 1804, c'était pour la première fois qu'un chef d'État haïtien t'ait quitté pouvoir avec tant de dignité. Le 21 mai, après qu'il était passé l'armée en revue avec Michel Domingue, l'idée s'en dessouave les à bord d'un bateau de guerre haïtien qui terrait les mots organisées qui menait le Saint-Marc côté le passé toute villes jusqu'à ce qu'il le mourisse le 7 avril 1880. Chapitre 6 Michel Domingue, douzième président d'Haïti D'après une nouvelle constitution promulguée le 6 août 1874, Michel Domingue, élu président le 11 juin, était supposé qu'un pouvoir pendant 8 ans le Domaine, le président, il était grand monde. C'est un monsieur qui tête dur, il était violent, il était méchant. En plus de ça, Domaine, c'est un Le Domaine, grand, est gros le domaine monté au pouvoir sans aucun programme politique. Au fond, c'est Septimus Rameau, il en est fait le 48 ans, qu'il t'est nommé vice-président qui t'a dirigé pays. Il faut que nous dit, Septimus Rameau, c'est ton servit. Cependant, c'est ton monsieur méchant. Il était rapace et il était corrompu. De plus, comme tout bon savait Haïtien, il pensait que tout bagaille. Il n'a pas de conseil et il pas de, de personne. Septimus Ramote a eu deux seules idées. Premièrement, créer une banque l'État, qui veut dire une banque nationale. Ensuite, pour le bâtir un panthéon, qui veut dire un mausolée, un gros caveau, pour honorer tout grand héros qui était fait en 1804 de belles idées. C'est vrai, mais ça n'a pas de cas pour représenter un programme de gouvernement. Puisque l'État est -ce, es vide, le gouvernement tombé prêter l'argent à l'étranger. Tout d'abord, le 12 août 1874, la Chambre approuvait un emprunt de 3 millions de piastres. Six mois après, la Chambre votait un deuxième emprunt de 12 millions de piastres. Le gouvernement envoyé en France quelques commerçants sous Bodner pour régler les affaires en point c'était Crédit Général Français qui a été employé pour faire des actions. Sous 12 millions de en en point ça. Crédit Général Français, pour qu'on parle, a été 9,5 millions de piastres comme commission. À peine, si le gouvernement haïtien te recevait 2,5 millions de piastres, pour le payer, coup de à ça, pendant 40 ans, c'est un véritable scandale. Après ça, l'opposition a été très fâchée. Et ils fait domaine ensemble avec Septimus Rameau. Comprendre clairement que pas de cap dirigé pays. Comme l'époque, c'est surtout Gaucha chabrat dans l'armée qui a fait politique. Domaine Acceptimus Rameau décide de craser quelques généraux qui ont été suspects de conspirer pour jeter gouvernement. Général Polémon Lorquet, commandant militaire du département de l'Ouest, profite de fête l'agriculture 1er mai pour faire trois bataillons à l'arrêté trois générales général Brice, Général montplaisir Mon Pierre et Général en Canal. Dans deux accrochages, Général Brice et Général montplaisir Pierre t'es morti. Général Braun Canal t'es sous habitation frère dans Pétionville. Les à a quelques amis l'été rivé repoussé une première attaque. Là, le point refuge kaye ministre américain. en Canal t'es quitté pays hier et en exil le 4 octobre 1875. Après ça, Domaine Akramo Kramo, tu un bon crime politique. Ça la cause en pile moon, t un pile monde, tu es obligé de chemin l'exil et ça devine grave situation gouvernement. Bien vite, c'est tout le pays a qui te soulevé. Domaine Akramo, les Sah, ont réalisé que la situation a devine plus grave, ils ont décidé de transporter siège gouvernement au Caï. Le 15 avril 1876, pendant que tu as transporté sous faute au Prince plusieurs mâles plein d'argent, le peuple a fait un va sous Malsayo. Après ça, tu point la rue. Tu as tombé déchouqué. Tu tombé écrasé. Tu tombé brisé. Tu as tombé pillé. Michel monde, alors qu'il t'a entré dans le consulat de France, tu as blessé la coup de baïonnette dans le bras consulat. Tu a tué ce petit muslamo. Léo fini au coupé, au garçon et au fouet dans le bouche li. Le lendemain soir, il y a l'attaque de Caille lorquet et au passé, à l'infinitif. Michel Domingue t est passé seulement un an et dix mois au pouvoir. C'est Domingue qui vient faire mes affaires gouvernement de Doublure, là, qui était commencé en 1844 avec Philippe Guerrier. Chapitre 1. Fab Nicolas Geoffroy, 9e président d'Haïti. Tsoulouk tombe, li patil al an exil. La menm Géfoire monte ou pale al point pouvoir. Nan tan sa, se kon sa bagay yo te fet an Haïti. Fab Nicolas Géfoire, se te pitit Nicolas Géfoire. Yon nan general yo ki te siyen ak l'independence peyi d'Haïti nan Gonaïve le 1er janvye 1804. Géfoire te fet an sa avou, le 19 septembe 1806. Géfoire te an grif, pa pal ton mulat, e manman ton noar. En Enrôlé dans l'armée très jeune, bien vite, Geoffroy pris en grade. comme s'est consulté une générale de brigade, commandant Jacques Mel, et puis général de division. Le pris prend pouvoir le 15 janvier 1859. Il était gain 52 ans. Il était très simple, très aimable. Cependant, il était un mauvais défaut. Geoffroy a pensé que le compte toute bagaille. Après renversement sous Louk était retourné à ancienne constitution qui était faite en 1846 sous président Richer. Comme constitution, ça a été prévu à la présidence à vie, qui donc, Geoffroy, était censé nommer président à vie. Geoffroy était un tout ancien ministre qui servi ce gouvernement sous louc. Cependant, il y en a après, après l'autre, il révoqué et le remplacé par des collaborateurs intelligents et instruits de monde qui vraiment capé d'elle. Un ben ancien gros fonctionnaire ça, yo, tombé conspiré il t'ai même décidé assassiner Geoffroy et le ministre de l'Intérieur Jal Guerrier Prophète, président d'Haïti. À cause oui, ça t'est fait... général Guerrier Prophète t'est obligé démissionner et le parti à exil... Geoffroy a eu habitude presque chaque soir à l'ouais maman ensemble à Cora, une petite fille qui t'est resté dans tout près Cora t'est à peine mariée et elle temps enceinte. Le lendemain soir que Guerrier Prophète t'est parti à l'exil. Conspirateurs tel Massé Bokai Kora et au tap Foi pour assassinerl. Soit ça, Jé Foi pas de cap qui pas l'air à cause occupé dans un conseil de cabinet avec ministre. Les conspirateurs au et vous Bahwa Jé Foi y en a tiré sur Kora qui t'es chitan dans sa et Le tap lire. Kora t'est morti Kored. C'est en façon pour forcer Jé Foi sortir qui t'es pas l'air. Effectivement Jé Foi t'es sortir... Mais ministre dit le non. Le lendemain, il a arrêté 23 conspirateurs. Après jugement, il a été exécuté 16 dans yo. Non moins, c'est Jean-Julien, qui, dans le cadre de Collection 2004 ou Collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est première édition, volume 5. Qui couvrait une période qui commençait avec le gouvernement Fab Nicolas Geffroy en 1859, pour lui jusqu'au juste sous gouvernement Antoine Simon en 1908. Volume 5 ça a 14 chapitres. Chaque chapitre séparé à une pause musicale qui sera extraits, tirés de une musique classique haïtienne, exécutée au piano par Eddie en Prophète, fait, un grand pianiste haïtien dans le commencement au 21e siècle. De plus, moi je voulais faire tout connait que Phoenix. C'est bon nos oiseaux qui dessoudra pour moi Henri Christophe. Là. Chapitre 2 Politique et administration. Geoffroy Geoffroy a été sous pied un bon genre d'administration. Tout d'abord, il a réduit l'armée de 30 000 à 15 000 hommes. Il était formé encore d'élite que et les tirailleurs de la garde. Il était voulu chercher quelques militaires en France pour entraîner eux. En juin 1859, sept mois seulement après qu'il était monté au pouvoir, j'ai fondé l'école de droit pour préparer l avocat. Il a été réorganisé l'école de médecine qui était l'ouvrir sous Boyer en 1838. Il était l'ouvrir plusieurs écoles secondaires pour filles, tant petits garçons. D'ailleurs, c'est sous Jeffroy que jeune fille commence à fréquenter l'école secondaire en Haïti. Avec l'aide ministre Koueli du Dubois et Jibé Damier, elle n'a négligé l'enseignement primaire et elle même créé service pour inspecter et surveiller comment l'école est marché. Jeffroy a fondé l'école de musique, l'école des beaux-arts, l'école navale militaire. L'ité a lycée Jacques Mel et lycée Gonaïve. L'ité modernisé et elle laboratoire chimie avec laboratoire physique dans tout ancien lycée, Il était chercher professeur à l'étranger pour financer enseigner dans le lycéo. Jeffrey a été porte au sur l'école professionnelle. Il n'y pas de, pas de préférence à aucun groupe. Il a été distribué bourse d'études à jeunes étudiants noirs, tant que jeunes étudiants mulats, pour y aller faire, ou bien continuer étudier en France. Grâce à Belle Politique, ça que que Jeffrey a poussé dans le domaine de l'éducation. En 1872, Pays-y et hier, es déjà gagné, et en gros l'élite intellectuelle. C'est le 28 mars 1860, sous Geoffroy que Concordat a signé Monseigneur Testa du Cosquet. C'est lui que Vatican a comme premier archevêque de Port-au-Prince. avec lui 40 pères de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Première école que Pessa a été c'était le petit séminaire Collège Saint-Martial. En février 1859, un mois seulement après que le pouvoir, j'ai foi négocier avec Pedro Santana, président dominicain, et on détente pour cinq ans. Cependant, deux ans après, le 18 mars 1861, Santana livrait la Dominicanie à l'Espagne. c'est que la cause, la Dominicanie était retournée en colonie sous l'obédience de l'Espagne. Dans toute l'histoire, c'était pour la première fois que ça dérivait pour un président consenti recoloniser propre pays pâle. En Haïti, ça te pas tête chargée... Parce que l'Espagne n'a jamais aboli l'esclavage... Cuba... Et tout le monde a demandé... Est-ce que l'Espagne va pourrait penser... Envahir Haïti et rétablir l'esclavage Trois semaines après... Le 6 avril 1861... Geoffroy protesté énergiquement... Il dit que Haïti pas pas jamais reconnaître... Forme d'occupation Sahara... Et le pral prendre toute disposition... Pour défendre intérêt du pays d'Haïti... Jeffrey te permettre d'imprimer... En pile folage en dominicain... e mem te vou e kek tiraier haisyen al pote konkou a kek deryero dominiken. Li te mem rive autorize ke organize devan konsula de Spain an pou ou prins yon wou manifestasyon kote ou te deploye yon ban drapo espanyol ke soldat haisyen ou te pran apre yon fwap ke ou te fe a kek soldat espanyol. Le 6 juyen 1861 yon flot bateau de ge espanyol te vin pointe kek wou piyes kanon sou pot de prins Commandant Flotte Sahara, amiral Ouibalcava, Balcava, vous un ultimatum pour ne pas quitter aucun rebelle dominicain, venez chercher refuge en Haïti. En plus de ça, il exigeait un paiement de 200 000 piastres comme dédommagement. Pour Géfra fait excuse et baillez pour Espagnol. Là, ils ont de 21 coups de canon. Grâce à l'intervention consul anglais à n'importe de au Prince, Balcava a fini par accepter 25 000 piastres. Et Jeffrey a été obligé de conformer et fait faire tout ça, Rubal Kava a demandé. Il n'y a pas de chambre à donner, Jeffrey, pour que ce souffle ça, que Rubal Kava a été payé. a fait construire plusieurs fontaines publiques. Il a corvé. un système qui a existé du temps de la colonie et qui a forcé les paysans à travail gratuit dans la construction à réparation route. J'ai a été chercher quelques ingénieurs français pour réparer quelques canaux d'irrigation. Il a créé service télégraphe et il t a amélioré système hydraulique Port-au-Prince. Liban, bon pour nous connait que c'est sous Jeffroy, les États-Unis en 1862 et l'Iberia en 1864, Il établi relations relation diplomatique avec Haïti. Jeffroy a ouvert toutes les portes que Soulouk Soulou Et commerce t'es pris un gros élan. Il t a contrôlé et il t a réduit droit gros négociant négociants étrangers qui t'a opéré sous de mer et te fait plusieurs Haïtiens commencer à faire commerce. Ils t'ont mis bon petit bateau à vapeur qui t'a fait cabotage et t'a transporté marchandises sous toute la côte-là. Ça t'a favorisé, commerce dans tout le pays. Et ils t'ont développer industrie. C'est pour ça qu'ils ont chercher quelques spécialistes étrangers pour monter une fonderie nationale et apprendre aux jeunes garçons haïtiens comment ils cap travail et servi à faire. J'ai froid, t'es empêché rentrer dans à toute vive et toute qualité manger que PIA a produit. De 1861 à 1865, coton haïtien a une grande demande tout partout. J'ai froid, t'es prime à tout le monde qui t'est planté et exporté plus coton. J'ai froid, te faire rentrer en Haïti plus que 2000 Américains noirs qui t'a subi discrimination dans zone beau connecticut dans pays américain. Cependant, au point de vue finance, ça n'a pas de marché budget, chaque année, est en déficit. Pour combler le déficit, il tombé imprimer l'argent papier par pile et par paquet. Comme pas de bien bon, j'en contrôle. Ça, c'est la cause. En pile, comme tu disparaître en pile, millions de fait chemin cochu. J'ai été un rapport avec le parlementaire de la 9e, 10e et 11e législature qui ont voté plusieurs lois. Malgré que j'ai fait fermer la chambre, il a envoyé tout le parlementaire de 10e législature ça n'a pas empêché le peuple dans l'élection de voter et de retourner la chambre en pile dans le parlementaire pour continuer à monter en opposition contre Jeffra Jeffrey n'a pas dansé à Vodou, il fait écraser tout péristyle, ramasser tout tambour et tout instrument qui a conservé conservé pour faire cérémonie. Cependant, ça n'a pas empêché que gros scandale ait éclaté n'importe où, prince que dans l'histoire, livre rapporté comme l'affaire Bisoton. Le 27 décembre 1863, une fille de 6 ans qui était réglée Claircine disparaît. Quelques jours après, il a arrêté 8 personnes qui avouaient que étaient sacrifié Claircine dans une cérémonie qui était faite bisoton dans la nuit 31 décembre 1863. Il s'est trouvé que deux personnes qui étaient la cérémonie ça. Congo Pelé, Yomboko et Jeanne Pelé. Yomambo, c'était mon oncle et ma tante Claircine. Tous les deux étaient sortis dans une tribu en Afrique qui relève la tribu mandaigne. Ils ont été condamné tous les huit à mort et exécuté. Le journal à l'étranger a publié Bagaïsa, à camp pile détail, était présenté haïtiens comme un peuple qui toujours continuait à faire vieux pratiques qui sortit en Afrique. Chapitre 4. Sylvain Salnave, dixième président d'Haïti. à Pati Sylvain Salnave, qui est en exil il turc, turques, courut au Cap. Là, il a fait belle réception pour lui. Après qu'il ait fait fusiller quelques mille, parmi eux, d'assais sévères, dit a l'armée de 4000 hommes et il marchait sur le marché sous bord de Prince. De Pont Rouge jusqu'il est devant la cathédrale, peuple a massé deux bords à bon Laurier dans main, et a pris les vives Salnave. T'es tellement gay moun que foule pas de cap déplacé. C'est pour la première fois que y'a aux manifestations manifestation comme ça Port-au-Prince. Les salnaves arrivaient rue de fond fort. les viraient en direction cathédrale. Devant cathédrale là, Monseigneur Testa du archevêque de Port-au-Prince, tape tant l'invitait à entrer en dans cathédrale cathédrale et chantait « tes hommes pour lui. qui était membre du gouvernement provisoire de 22 membres, te démissionnait le 2 mai 1867. Deux jours après le 4 mai, le peuple prend la rue et au tape crié Vieux Salnave. Finalement, le 14 juin, l'Assemblée constituante nomme Sylvain Salnave dixième président d'Haïti pour une période de quatre ans. Salnave, c'est un mulat foncé qui t'est fait au cap. Comme soldat, il était très brave, il était honnête. Cependant, il t'a monde sans convenance, sans manière. Et il t'est senti à l'aise seulement l'élan un soldat, de paysan dans mitan temps pauvre, n'a dans le peuple. L'IT en train d'en parler en bonne femme 20 les Amazones. C'est la cause en pile pas de proche, près Salnav. qui ne savait pas, t'est monté au pouvoir sans aucun programme politique. Il est venu président seulement pour te prendre grade général en chef de l'armée. D'ailleurs, d'après ténor Firmé, pour beau fils, li, Sylvain Salnav n'a aucune compétence aucune qualification pour te diriger pays. Salnave c'est un gros réduisant et il y a un plus bon conseiller que Salnave. te gagnais c'était Jean-Pierre Ibo Yongungan. Léon Montas c'est un général très instruit, on savait. C'est lui que j'ai frotté nom même pour commander le département du Nord. Comme Montas te combattu Salnave immédiatement que le arrivé Au pouvoir, Salnave t'ai fait arrêter Montas pendant cinq mois. Il fait Kembe Montasse dans la prison, soit au Cap, soit par au prince Le 11 octobre 1867, la chambre dans une séance salnave pour la guerre générale Montasse. Trois jours après, une équipe femme enragée les Amazones, yon envahit la chambre, et au ont crié vive salnave à bas la chambre. Ils chassé tout parlementaire et ont écrasé toute chaise, tout bureau. ont déchiré un ancien portrait rare qui était dans la chambre là. Mesdames, vous tombez chanter, vous tombez danser, vous ont vous ils vous faites orgie toute la nuit. Le lendemain matin, vous le sorti, vous cloué toute porte la chambre. Et sous grand porte-là, vous cloué un morceau de carton, sous qui vous écrit maison à louer. Sous ça, c'est peuple qui t'a commandé. Pas de bien la chambre, pas de bien loi, pas de bien justice. Le peuple est seul souverain. Tout ça peut c'est ça. Tout ça, peut faire, c'est très bien. Le 18 décembre 1867, le journal officiel Le Moniteur annonçait que Général Léon Montas était mort dans la nuit du 4 au 5 décembre. Assassinat d'assassinat sévère et l'un mort. Léon Montas était monté tête à un bon monde nord qui était bataille contre Salnave. Pour commencer, en juin, un vieux général qui était le Robert Noël. al souleve yon goup kako nan mon valyer ak la salman t'organize. Le 20 novem, salnav kite Port-au-Prince pou lal troke kon li avèk le kako di nor. Kako yon tombe fe gerya. Nan de jou, salnav te pedi 200 om. Le salnav retoune nan Port-au-Prince li te touvel an fasyon situasyon kritik. Peya te touvel divize an toa. Salnav nan Port-au-Prince ni saje nan Saint-Marc. La Tibonité le Nord, Michel Domingue, Naucaille. Puisque la Chambre était fermée, ça l'avait rapidement formé un conseil qui nomme le président à vie. Sans contrôle, gouvernement tombé imprimé l'agent par pile et par paquet. En décembre 1869, où t'es besoin de 3000 goudes pour yon dollar. Ça la cause toute activité commerce campée et peuple a été fini par les gouttes-là zoreille oreilles Le 19 décembre, 1869, trois colonnes rebelles attaquaient Port-au-Prince. Bateau la terreur qui tenait en rade la bombe à Salnave avec un groupe de dix partisans mettent dehors et ont dirigé aux sous-frontières. Palais éclatait. éclaté. Rebellio a salnave Salnav, l'a traversé les frontières. Dominique a arrêté-le, deux points, li et il a li ensemble avec tout les partisans-là le, by le en sapitre. Yo ont fusillé tout les dispatisants, ils ont Yo des bouquets. Ils sont rentrés avec Salnav, Photo prince ils ont et yo condamné à mort. Ils ont marré sous yon poteau et yon peloton d'exécution sous commandement bois canal Ils ont fusillé Salnav sous le centre-palais national, là, qui après bombardement était toujours tout chaud. Salnave te, tou Salnav te passé deux ans et six mois au pouvoir. C'est ça que vous avez fini par remarquer que la société haïtienne été divisée en deux classes, nettement séparées. Le côté, où jouent les libéraux, c'est un bon monde de couleur et philosophie politique, le pouvoir au plus capable, comme c'est eux qui savent, c'est eux qui ont la connaissance, qui donc c'est eux qui font pour diriger le pays. Sous l'autre bord, où joignent les nationaux, c'est un bon monde noir et philosophie politique, le pouvoir au plus grand homme, puisque c'est eux qui ont majorité. Se yo ki nan mas pepla Ki donk se yo ki gen doa egzase Pouvoi politik nan peyi ya Tout moun admet Se gro diferensa ki egziste Antre le libero e le nasyono Se yon nan koz prinsipal Ki otap de devlopman peyi Da iti Chapitre 7 bois canal 13 e président d'Haïti Le 17 juillet 1876 Boaon canal prêtait serment comme 13 e président d'Haïti Il était 44 ans Malheureusement, il était, était monté au pouvoir sans aucun programme politique En plus de ça, c'est un pourrianiste Des ordres à la sécurité était n'a pas de prince Tout partout, y a tiré, y a assassiné y a volé, y a cassé caille il y a cassé magasin la police était là. y a pas me fait un rien. L'air le président Canal, de ce que le indolent, le toit insouciant, ils ont seulement le te qu'on dit, les Et non seulement après Canal monté au pouvoir, un peu partout dans le pays, il y a ces bouleversements après bouleversements. Le 17 janvier 1879, 400 maisons, ensemble à la cathédrale Miragouane, brûlées. En avril, à cause de yon epidemi la fèv joun eklate nan veyi ya la fèv joun sa a te pote a le minis franseya ansan ma konsul general P.I.P.U. nan Pado Prince le 30 juen an dan la chanm goupalmente a noa yo patisan kanal ap goupalmente a mulat yo patisan boye, patisan boye basle tombe tsi reyon sou lot dan la soare mulat yo tal reyuni ou ipave kay boye basle Pendant trois jours, tu as une bataille dans Port-au-Prince entre Noir et Mulâtre. Le 3 juillet, y a un canal, vous voyez, mettre du feu, Kay, bois Après deux heures, tout Port-au-Prince a brûlé. Le ministère des Affaires étrangères, le Ministère de l'Intérieur, Ministère des Finances et du Commerce, la commune, et puis de l'État, tout est brûlé. Bois-y, Baselet, tu perdu deux frères et plus que 150 personnes ont été mort. Après ça, Baselet, ensemble avec Patizanlio, allemand refuges dans l'ambassade. Quelques jours après, ils sont sortis, ils ont pris un bâtiment, ils sont rentrés Gonaïve. Côté Baslet, elle continue l'insurrection. Ça a duré jusqu'au 17 août, après que toute Gonaïve était brûlé. Baselet est laissé à Gonaïve, il ta dans l'exil à la Jamaïque. Après 18 soulèvements en trois ans, le 17 juillet 1879, dégoûté, Boiron-Canal, un, un an avant Mandal fini, bah il a et à Boyon Bateau, il à l'exil Saint-Thomas. Chapitre 9. Finissement gouvernement Salomon. Dans la nuit de 24 juin 1881, yon la commettre te parait dans le ciel là. la même, Telejol fait songer que la veille sous que te pral tombe. Te la comète qui était être dans le ciel-là et rien à faire, Salomon pourra le tomber. Le lendemain matin, Mono capter réveillé pour jouer un écrit sous plusieurs murailles, à bas Salomon, vive la révolution. Dans la soirée, du feu éclaté dans ma marché de -boussale. Le 29 août, c'est presque toute ville au caille qui t'est brûlée. C'est dans la même époque ça, que l'épidémie épidémie la t'est te dans bordeaux Rapidement, la verrette-là dans tout le pays. En pile, en pile, le monde te mourit. est C'est jusqu'en 1883, qui veut dire deux ans après, épidémie ça que le peuple a et la verrette, Salomon, t'es fini par faire cousser. C'est tout le temps, Salomon t'a fait la tournée dans le pays. Tout, pas tout, côté le passé, c'est un seul message, c'est pour nous dire, bah la révolution, et au lieu que nous dit, vive la révolution. Le 8 décembre 1881, le général des hommes grisseaux, prend la Saint-Marc, et déclarer la révolution. Salomon décrétait la loi martiale. Port-au-Prince, Saint-Marc et Jacques Mel, et il fait faire une masse d'arrestation. En avril 1882, il montant en tribunal Saint-Marc pour juger 48 plus gros révolutionnaires. Quoique toutes 48 étaient condamnés à mort, il fait exécuter 28 et qu'il 20 en prison. Après ça, il déclarait chaque trac que exilé ou a fait circuler dans le pays la les yon nan 20 nan prisonnier il a fait exécuter situation était comme Saint-Marc quand Salomon a deux bateaux de guerre chaque soldat est couru entrer dans ville au cap dans une déclaration il dit au cap ali seul empêcher que progrès blahi dans tout le pays puis loin il a ajouté moi viens ici pour me craser plusieurs premiers coups de physique qui tiraient c'est va massacre du feu pillage. Malgré ces monocaille moi je en fais plus pour au cap que je en fais pour ville Après ça, Salomon, t'a fait faire un pile d'arrestation. Il t'a déclaré l'état de siège sous au cap, pour Liberté et Trou du Nord. C'est un groupe qui n'est pas d'accord du tout avec Salomon. C'était les libéraux. À la fin mois mars 1883, Jean-Pierre Bouraille-Baselais, à la tête d'un groupe de 106 rebelles, débarquait Ravine-Salé dans la zone de Bomiragouane. Salomon qui t'a col t'a en pile l'autre problème au lieu que t'attaque et boit et Baselay t'a préféré chargé français chargé d'affaires français à n'importe de prince al parle avec Basle, et bay garantit que Salomon celle qui a plaissé le quitter pays et même a payé toute dette qu'il t'ai fait pour monter rébellion basle te refusé entre temps, situation devine de plus en plus compliquée pour Salomon dans le sud, c'était soulèvement après soulèvement le 7 août 1883, un gros du feu éclaté Port-au-Prince. Plus que 100 cas été brûlés sous bel air. Le 22 septembre, un groupe de 20 à 30 étudiants, école de médecine et école de droit, ont couru à le point refuge dans le consulat d'Espagne, après que était fin assassiné général Pénor Benjamin, commandant de port au prince Dans une heure de temps, un groupe de volontaires noirs montés au palais. Là même, il y a un incendie grand ont met du feu dans le ministère des Affaires étrangères, dans le ministère du Commerce et des Finances. Et il fait pillage tout magasin de forts et il massacre que soit mulate qu'il a rencontré. Le lendemain dimanche 23 septembre, commandant quelques bateaux de guerre anglais, français et espagnols qui était dans Port-au-Prince, te fait même quoi diplomatique l'a une note by Salomon pour dire s'il si pas passer l'ordre pour faire tout brigandage au suspens il y a bomba par national ensemble samak tout fort et n'importe prince. Le lendemain matin à 8h, Salomon te notre la là. Et à midi, tout bagaille est rentré dans l'ordre. Comme bilan, en trois jours, plus passé 4000 mulats ont été assassinés. Dans l'histoire du pays d'Haïti, période de la trouble il y aurait la semaine sanglante. Comme ça, sa, Salomon a fini par éclater les libéraux. Un mois après, le 27 octobre, Bouai Baselet est mouru, Miraguane, il est mouru de dysenterie. À la fin de l'année 1885, l'autre du fait éclater Okai. Il faut que nous songeons que Salomon, c'est mon Okai. Après qu'il a fait changer la Constitution le 30 juin 1886, Salomon, qui a gagné 71 ans, a réussi à faire nommer le président pour un nouveau mandat de 7 ans. Le 4 juillet 1886, ils ont dû faire éclater dans la Chambre des députés à cause vent. Du feu, ça a été gaillé, il te bouille toute toutes mer. En tout, presque yon capote au prince te englouti. Le 23 septembre 1887, yon tremblement de terre qui fait gros dégâts dans tout le pays. Inquiet, Salomon voyait en exil de associés politiques, c'est légitime et maniga. Le 4 août 1888, c'est Telemak, commandant au cap, révolté contre Salomon, et à la tête d'une force l'armée de 10 000 hommes, il prend la route naïve pour l'entrée de Port-au-Prince à le point pouvoir. Six jours après, garnison, dans la capitale-là, entrée en rébellion contre Salomon. Ministre français, anglais, américain et consul d'Espagne dans Port-au-Prince, fait arrangement et ont embarqué Salomon ensemble avec sa famille à bord un Bateau marchand en route pour la France. En partant, Salomon dit qu'il quittait dans le pays, il y a un cigare même en deux bouts. Pour Salomon, ça n'a pas duré longtemps. Deux mois après, le 19 octobre 1888, Salomon est mort et il était enterré dans un cimetière passé à Paris. Historien dit un pile bien de Salomon. Il présente le comme un président haïtien qui était quoi dans la discipline et quoi dans le progrès. Il reprochait les libéraux du fait que n'a pas météo ensemble avec Salomon et fait payer. Avancez Chapitre 10 François-Denis Légitime, 15e président d'Haïti Légitime qui a peine deux mois, Salomon Thévault en exil jamaïque, t'es couru entre port de Prince à bord d'un bateau anglais. Légitime t'es fait Jérémy, c'est ton noir, honnête, Instruit et modéré. C'est un bon catholique, légitime, es la France et tout sac français. C'est un membre de l'élite, quoique était noir, était penché du côté des libéraux. C'est une pour parler, immédiatement que était rentré pour tout prince, tal le poste devant Palais deux divisions sous commandement général Botex. En face, en dans la coupe à général Anselme Prophète, commandant de la garde présidentielle, t'es déployé quelques pièces canon. En pile ils ont formé un gouvernement provisoire avec Baron Canal comme président, qui décrétait élection pour nommer une assemblée, pour venir pays une nouvelle constitution. Avec popularité saisie, les nord et Tibonite, tout moun te connaît que c'est lui que la chambre a nommé président. Le 28 septembre 1888, à 7h30 du soir, trois coups d'âme parti en dambaler. C'est un signal, la même qu'un nom National, ont commencé à tirer sous la troupes qui était massées devant Valère. Même soir, vers les 9 heures, Seyid Télémac était criblé de balles. Immédiatement, c'est tout le pays a, qui est en bouleverse. Janis soulevait Jacques Mel, Flovy qui était même gouvernement, il allait mettre dehors et l'a soulevé soulever le département du Nord. Le 16 octobre, il nommé légitime chef pouvoir exécutif. Légitime te pour lui Port-au-Prince. Puisque ouvertement, tu t'accuses comme le monde qui t à l'assassinat assassinat, assassinat c'est Télémac, ça la cause que Légitime te gagné tout respect contre lui. Le. le 27 novembre 1888, un comité révolutionnaire te détaché le nord de respect et te fait le département du nord, vigne la République septentrionale avec Florville comme président. Trois semaines après, L'Assemblée nationale n'importe au prince, te fait une nouvelle constitution, la constitution de 1888, et finalement, il a nommé général François Denis Légitime, président d'Haïti pour une période de sept ans. À peine nommé légitime attaque Saint-Marc, naïf, et puis les marchés sous le département du Nord. Hippolyte est obligé de courir à l'école de façon pour le cap traverser frontières, si ce cas, ça t'a tourné mal pour lui. Après que légitime était subi un pile baf, un pile d'empathie dans le lieu abandonné, le matin 20 août 1889, légitime réunit dans le réuni palais tout membre corps diplomatique qui était dans Port-au-Prince et le demande pour aider à préserver la paix et l'ordre. Il y ministre américain, un médecin, le docteur Thompson, à le conférer avec Hippolyte, qui était déjà bien troupli massé Saint-Marc et il était prêt pour marcher sur Port-au-Prince. Le 22 août 1889, deux jours après que le ministre américain t'ait fait des arrangements avec ténor firmin qui était porte parole général fauville légitime tu es descendu à Fort Prince, côté le pont bâtiment, et il est parti à l'exil. Légitime, tu passé seulement huit mois et six jours au pouvoir. Chapitre 11. Louis, Mondestin, Florville Hippolyte, 16e président d'Haïti. Immédiatement après légitime partie en exil, comme d'habitude, quelques général montent gouvernement provisoire. Une nouvelle assemblée constituante sous direction anténor firme et avocat léger Covin, écrit une nouvelle constitution. Constitution, ça a été promulguée le 9 octobre 1889. Même jour, Florville Hippolyte, âgé de 62 ans, T'es monté au pouvoir. C'est Yon dans la plus belle constitution pays d'Haïti et Yon qui t'est duré plus longtemps. L'IT était en vigueur jusqu'en 1918, qui veut dire pendant 29 ans. Hippolyte t'est prêté serment, naïve, le 17 octobre 1889. Florville, Hippolyte, pas de savait. Cependant, il était très intelligent il t'est choisi pour aider le dirigeant pays pays des éléments vraiment compétents. Comme militaire, il était là pour l'ordre et la discipline. Cependant, comme dans le temps, ils te font crise, ça te la cause qu'ils te fait gros coller, gros collè, et, et c'est ça qui expliquait plusieurs mauvais actes qui te commettent ce gouvernement. Trois semaines après que Hippolyte prend le pouvoir, ils publie un décret qu'ils éviter tout exil politique à retourner dans le pays. Sous Hippolyte, la presse était libre et la chambre fonctionnait fonctionnée sans problème. C'est sous Hippolyte en 1890 que les frères de l'instruction chrétienne ont fondé l'école Saint-Louis de Gonzague dans Port-au-Prince. Frères ont bâti l'école Pouti Garçon dans plusieurs grandes villes dans le pays. C'est sous Hippolyte que le département des travaux publics a organisé. Il a fini construction palais des ministères. Il a bâti un gros local pour loger la Chambre des députés. ouvert la première usine à glace dans le pays. Avant ça, c'est en Europe et dans la zone Boston aux États-Unis que qu vous êtes chercher glace. Le gouvernement Hippolyte l'a dessiné plus que 50 contrats. Contrat service hydraulique, contrat télégraphe terrestre, contrat téléphone, contrat câble sous-marin, contrat WAF, contrat marché Valière avec l'abattoir Port-au-Prince, contrat marché cluny avec pont Hippolyte au Cap, contrat pont la rivière Momans, contrat centrale électrique Jacmel. Et il faut que nous connaissions que Jacques Mel, c'est premier à ville d'Haïti qui était éclairé à l'électricité en 1895. C'est un véritable carnaval contrat. c'est pas de scandale ni de gargote qui a gagné dans ce contrat. C'est sous Hippolyte que le premier dans sa postolite est arrivé en Haïti. Hippolyte a établi une relation diplomatique avec Berlin et a l'ambassade d'Haïti à Londres et à Madrid on rencontre Tomaso avec le président dominicain Ulysse Euro. L'i bon qu'on nous connaît que papa le président dominicain, ça a Ulysse Euro, c'est un haïtien et maman, yon dominicaine. Le 28 mai 1891, général Sully Guerrier, en saint françois Gracia, un officier de garde présidentiel, prend les armes. Il attaque le pénitentiaire national et ont libéré un groupe de prisonniers politiques. La même, patrouille pour la rue Port-au-Prince et ont exécuté plus que 150 conspirateurs. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1896, Mérisier Janis soulevait Jacmel. Hippolyte, en dépit d'Octobre, dit le non. Le 24 mars 1896, grand matin, il monta à cheval et il décide de prendre route Jacmel pour l'altroquer connui avec Mérisier Janis. Les hippolytes rivent pour les organes, ils te font crise il sous cheval là. Il t'est Chapitre 12 Tiresias Antoine Simon-Sam, 17e président d'Haïti. Le 31 mars 1896, sept jours après la mort du président Hippolyte, l'Assemblée nationale réunit au nom de Tiresias Antoine Simon-Sam, président d'Haïti. A pas à faire l'armée, Simon Sam s'étant un incompétent, sans plan et sans programme de gouvernement. L'ité vient seulement pour suivre le travail qui était déjà commencé sous Hippolyte, tels que construction de ligne rail-train qui relie Port-au-Prince à Tomaso, de l'autre ligne rail-train qui relie au Cap à la Grande-Rivière du Nord et de service tramway train Port-au-Prince. Si colonialement dans le pays, a, et c'est ce gouvernement tiré a Simon Sam, que l'influence blanc allemande, ça a vraiment commencé à C'est allemand, yo, surtout, qui déconne des marchandises à l'étranger. Et comme spéculateur, et vendre en Europe, t'es une bonne partie ré que le pays a produits. Nous songeons que le gouvernement Hippolyte a plus que 50 contrats avec une bon spéculateur haïtien et étranger. Et dans bien des cas, une bonne partie de l'argent, t'es versé avant même que le travail ait commencé. Comment, pile dans le contrat, tu as négocié à l'étranger Il s'est trouvé en fin de compte que ce gouvernement qui était toujours sorti victime. Parce que finance payante sous la graba, le président Simon Sam a mis de bon, avec un gros rabais de plus de 40%. Le commerçant allemand été tombé acheter bon ça avec rage et courage. Comme ça, il était venu un pied sous tête gouvernement qui finalement était obligé par une bonne concession. Dans les affaires usine à glace, dans compagnie électrique, dans la douane, dans la et dans les affaires train. C'est l'affaire Ludes qui parle de nous pouvoir allemand au terrain dans le pays. Émile Luders c'est des petits blanc allemands avec une haïtienne. Le 20 septembre 1897, un policier a arrêté un employé qui a accusé de vol et qui a travaillé dans les écuries nationales que Émile Luders a dirigé. Luders, c'est un policière. Le lendemain, ils ont arrêté l'UDES. Ils ont jugé, ils ont condamné pour le passer un mois en prison et pour le payer amende. Dans la suite, à faire aller un correctionnel, ça a condamné l'UDES à un an de prison. Raison, c'est que trois ans de cela, ils ont arrêté l'UDES sous pression. Le gouvernement a libéré l'UDES et déporté en Allemagne. Chargé d'affaires dans n'importe au prince, il y a un certain Comte van Schering... Mandé gouvernement pour révoquer juge ensemble avec tout policier qui était impliqué dans l'affaire. Il était même exigé que le président Simon Sam pour te présenter personnellement une note de protestation du gouvernement allemand. Simon Sam était vague venturing. Le 6 décembre 1897, bien bonnet, paraît dans rade Port-au-Prince deux gros bateaux de guerre allemands. Capitaine Thiel, commandant en chef de bateau allemand fait gouvernement haïtien connaît le gagne jusqu'à une heure de l'après-midi pour premièrement payer l'UdeS 20 000 dollars, deuxièmement, réadmettre l'UDS en Haïti, troisièmement, présenter excuses à gouvernement allemand, quatrièmement, un salut de 21 coups de canot à drapeau allemand, cinquièmement, réception au palais de compte Van Schering chargé d'affaires allemand, et sixièmement, descendre drapeau haïtien qui n'est pas le national là et monter dans le un drapeau blanc, si à une heure de l'après-midi, toutes les zones, on ne exécuter. Bateaux de guerre allemands ne bombarder par l'air ensemble avec tout le au prince. Si Mossam t'est coupé allemand, des représentants américains dans le au prince, si dans la zone n'a pas eu aucun bateau américain qui t'ait capu, porter, n'y a pas eu américain te dit non, pas eu aucun bateau de guerre américain dans la zone À 4h d'après-midi, le gouvernement t'est fini par rassembler 20 000 dollars, Émile Lydia s'est débarqué, le Front national t'est tiré 21 coups de canon. E prezident Simon Sam te oblige recevoa ofisyeleman nan pale nasyonal, chaje da fe alman, kont van chering. Pe pa isyen ki nan tan sa, te gonsan nasyonal is ki tap koule nan vanyo, pat padone Simon Sam pou gwo souflet sa, ke alman o te bay piya. Panan tout resman dal, kom Simon Sam te gen pou lkolte ak an pi l'insureksyon, li te fe an pi l'arestasyon, Et en pile exécution. Finalement, le 12 mai 1902, trois jours avant le mandat fini, Simon Sambal démissionné. C'est ton manœuvre, puisque avant ça, Simon Sam te fait une vieille élection magouille, quand elle te fait passer comme député, une bonne petite famille, qu'on s'alte sûr qu'elle te capte assez de votes pour nommer ce le compte président pour venir remplacer. Dans l'après-midi, jour élection, peuple souverain envahit la chambre. Il y envahit parler, va y envahit bilan, plusieurs centaines morts et blessés. Le lendemain, sous protection même corps diplomatique dans Port-au-Prince, Simon Sam, c'est Sinatus Le compte, avec toute famille qui était Port-au-Prince, a un bâtiment et allé en exil en France. Thirsea Simon Sam t'est passé six ans, un mois au pouvoir. Et l'histoire rapportait que le Thirése Simon Sam tombait... tombé, il était en un dépôt dans la banque en France. Une fortune de près de 3 millions de dollars américains. Chapitre 14 Procès de la consolidation Finissement gouvernement en ton ton or Comme le président Hippolyte T'a prêté un pile à un commerçant Haïtien et étranger Le gouvernement le de réservé Simon Sam Qui vient après Hippolyte T'a signé convention pour consolider Toutes les La chambre après ça a voté deux lois Qui viennent diviser les en deux catégories Les consolidés bleus Que le gouvernement t'a d'accord pour le payer A un taux d'intérêt de 12% les consolidés roses, que le gouvernement est d'accord pour le payer à un taux d'intérêt de 6%. Entre-temps, tonton a envie de monter président. Dans le commencement de l'année 1903, il y a eu un gros magouille qui t'a fait dans un fait pays de consolidation. Ça. Scandal là le scandale a éclaté. Les est converti en consolidé bleu... deux vieux bons qui étaient payés déjà La Là même, il y a commission d'enquête qui révélait que près de 2 millions de dollars étaient fait chemin gaucher. Ils ont l'action publique en mouvement et en octobre 1903, ils ont arrêté Joseph Delamire Maury, yon blanc français qui était directeur de la Banque nationale, George Orrich, yon blanc allemand qui était sous-directeur, Jean-Baptiste Pout de Puy-Baudet, un blanc français qui était chef de service, et Rodolphe Tippenhauer, yon blanc allemand qui était l'autre chef de service. Ils ont arrêté tout, ils ont ben gros chabraque haïtien. La France a fait gros pression militaire sur Tonton Nord pour forcer de libérer deux employés français. Yo. Tonton Nord a été ferme. Il a fait comprendre, monsieur, abjuger Et si il coupable, il a pas en prison. Malgré la situation crise, sa, Tonton Nord a quitté Port-au-Prince. C'est algo naïf pour fêter 100 ans d'indépendance pays d'Haïti. Pour occasion, ça. Il était fait bâtigo naïve, yon un palais qui était gagné quatre grands portails. Le palais du centenaire. Chaque portail, il y a nom. Yon portail, c'est le portail toussaint le yon deuxième portail Dessalines. Salines. y troisième portail Pétion. Et un quatrième portail Non Alexis. Le 1er janvier 1904, naïf, plus passé 250 000 personnes étaient réunis. Et c'était gros fête. Pour occasion de ça, Oxygenti était composé 1804. Il y a marche militaire. Et Justin Lérisson est composé l'hymne national, la Dessalinienne, qui s'est en pays d'Haïti. Pendant que une bonne belle cérémonie d'interdiction où les Gonaïve, n'importe au prince, si yon groupe de plus de 20 conspirateurs, qui décidé de prendre les armes pour renverser Dondonor. Ça n'a pas marché. Ils ont arrêté les conspirateurs, et ils fusillé fusillés, tout. Le 14 mars, la police du centenaire qui encore en cours, les Anglais de Soulouk, arrêté et assassiné un co-intellectuel qui était relémation en avec en saint marc de -Frel. Personne, pas de ne connaît combien de monde qui était assassiné dans ça Le 28 novembre 1904, un assise criminel possède la consolidation en Tel-Ouvry. Après 20 jours, le tribunal a prononcé deux qualités de condamnation. Il y qui était en prison en pays hier. C'est comme ça que le bon gué condamné aux travaux forcés à vie 5 n'ont accusé à 4 ans de travaux forcés 4 à 3 ans de travaux forcés et 1 à 3 ans de prison t'as gagné une deuxième qualité de condamnation qui t'a frappé accusé eux qui t'a vivé en exil c'est comme ça l'ancien président si on Jasson t'es condamné aux travaux forcés à vie 11 n'ont accusé à 15 ans de travaux forcés et 8 à 5 ans de travaux forcés tout le monde est d'accord que c'est un bon procès après condamner, tu remets l'État, tout l'argent qui t'est fait chemin cochu et payer dommage intérêt. Tonton Nord, te il t'est fait grâce. C'est ça d'ailleurs qui te permet de te condamner. C'est Sinatus le Comte, Tancred Auguste et Sam, Homsam, Tkavine Pita, président d'Haïti. À partir de janvier 1908, il était clair que Tonton Nord tombé. Le 15 janvier, Général Jean Jumeau débarquait sur Saint thomas et le soulevait la Tiboni. Antenne qui était saint Thomas couru entre Gonaïve à avec un groupe partisan. dans un accrochage marchand des salines Jean Jumeau était mort les à apprennent la mort de Jean Jumeau du coup à prennent refuge dans le consulat français à Gonaïve. le 15 novembre, Tonton a no révoqué général Antoine Simon après 18 ans que le tape-commandé vit La même, Antoine Simon à la tête d'une force l'armée, marchait sous le bord de prince le 2 décembre Tonton accompagne de ministre français à descendre sous Waf, à le pont bâtiment qui mène en exil Jamaïque. peuple souverain te profité de pillage en pile magasin, surtout magasin arabio. Tonton note été passé six ans au pouvoir, il était mort en 1910 à l'âge de 90 ans. Chapitre 13. Pierre Nord-Alexis, 18e président d'Haïti. Après Simon Sampa, en exil, c'est bois canal Lyon l'autre fois encore, qui montait à la tête d'un gouvernement provisoire. Parmi quatre candidats à la présidentielle, c'est Antenor Firmin et Général Nord-Alexis qui étaient plus en vue. Antenor Firmin, c'est un gros intellectuel que tu connais dans tout le pays. C'est lui qui suit politique. Et empêcher le gouvernement américain de installer une base militaire à c'est Nicolas. Firmé un ambassadeur à Paris, et courir entre en Haïti pour te porter le porter candidat à la présidence. Firmez, et gagne en face, le général, non, Alexis, que le bayon, t'inon tonton, Nord. Ambition, tonton, Nord te tellement fort que pata le patap recule devant rien pour pour le dériver président d'Haïti. Les Simon Sam Patal en exil, amiral Amaton Kilik qui te prévoit que ça va le gâter. T'es embarqué à bord de bateaux de guerre haïtiens, la crête à pied haut et tout sur l'ouverture, ils ont cargaison zamak munition et le talton pour un commun événement pour le développer. Madame Firmin c'était petite fille Sylvain Salnave. Or, comme c'est Brouhaha Canal qui était commandé peloton d'exécution, qui était fusillé Sylvain Salnave, il faut dire qu'entre qu la famille Firmin et Brouhaha Canal, eh bien, on l'assure pas de bonne du tout. Et c'est ça qu'expliquer raison qui fait que Boiron-Canal, comme président provisoire, pourra favoriser Tonton-Nord, écraser Antenor-Firmin. Au Cap, toute population était sûre que Firmin pourra le passer comme député. Première circonscription et de la Montée-Porte-au-Prince à la Chambre poser candidature à la présidence. Le 27 juin 1902, nous cent ce qu'on éclater au Cap entre partisans Firmin et partisans Nord alexis Malgré qu'on coupe au frêle, Albert Salnav, qui était commandant la place, et Hamilton Kilik, qui était débarqué au capion escouade marin bien armé, tonton nord à l'équipe Lia, forces ensemble avec tout marin, marins réembarqué à bord la crête à Piro. Immédiatement après, ont yo déchouqué une belle caille que Firmin te gagne, sa qui regrettant, c'est perte manuscrit yon livre Histoire d'Haïti, que Firmin t'es écrit et que le fait publier. Le lendemain, l'autre bateau de guerre, Toussaint Louverture, était fait naufrage dans la zone boc Les les L'infirmerie à Gonaïve, peuple de Gonaïve l'a déclaré le premier député. Tout partout dans le pays, les partisans ont décidé de soutenir firme, même par les armes. Cependant, si les firmes étaient en province, les n'est pas populaires à Port-au-Prince. Là même, les partisans de tonton à l'action. Ils ont fait un pile choc avec les partisans firmés, surtout l'IMBE, Saint-Marc, Saint-Michel de la Dalaigne, et au te met du fétiguave. Pendant que le était chaud, gouvernement a envoyé un bâtiment allemand dans le nord pour te donner des munitions pour ton or. L'amiral qui dit qu'à bord la crête à pierre a saisi le bâtiment allemand et tout zamak, tout a capturé toutes les armes et toutes munitions qui étaient à bord. Là pour là, gouvernement a décrété la crête à pied aux pirates et a yon bateau de guerre allemand qui était le panthère al capture capturer la crête à haut. Quand le panthère est arrivé dans le roi de Gonaïve, Amiral Kilik qui était malade après que la veille il était perdu en douette Courut monter à bord il envoyait tout le monde sauf Docteur Cols qui était être avec lui au lieu qu'il te rende ou bien te livre à Kilik t'a préféré développer Coles dans un drapeau haïtien et il t'a tiré sous gros dépôts qui était en bas dans la calbatoa la crête à pieds hauts Kilik, ensemble avec tout Docteur Cols tous les deux mouris. Ça a été passé le 6 septembre 1902. Destruction de la crête à Pierrot en Samaklamo Kilik était un coup dur pour Firmin. Après un mois, Firmin réalise que dans le point moyen qu'il y a encore, -en le 17 octobre 1902, il point bâtiment et là dans l'exil Saint-Thomas. Après départ Firmin, le pays a été perdu, ou du moins avec départ Firmin, le pays a été perdu en pile, parce que dans le temps ça a c'est raï Haïtien qui vraiment de fait la différence la même, Tonton Nord à la tête d'un gros l'armée quitté le département du Nord et rentré par le Prince le 14 décembre 1902 trois jours plus tard le 17 décembre, l'armée Tonton Nord a nommé le président et a installé le Navalais National quatre jours après, la Chambre ratifié le coup d'état et reconnaît le général Pierre Nord Alexis 18 e président d'Haïti Pierre Nord Alexis t'es fait en 1820. L'été arrivé président, ou du moins est président, il était un grand monde de 82 ans. Il était marié avec une dame qui est Amélia. Amélia, c'est ton petite-fille, ancien président Jean-Louis Pierrot. Président Pierrot, pour Bopal, tu marié avec ton petit Madame Henri Christophe. Qui donc, ce qui est très important, Pierrot, au lieu de frère, c'était plutôt Beau-frère, Madame Henri Christophe. Et Amélia. C'était nièce Madame Henri Christophe. Amelia, c'est ton mambo. Et il était un vétinon jouet cesse. Tonton Noss c'est ton illettré. Il était un secrétaire qui était comme lire pour lui. Il était suspect tout blanc, tout étranger. Il était pensé que Mounsayo a une mauvaise idée sur le pays. Tonton c'est ton patriote, qui était toujours parler de la patrie, ensemble avec cette yo Qui était fait 1804. Seule l'idée qui était domine, c'était de conserver l'indépendance pays d'Haïti. Tonton n'a été après qu'on balle t'a éclaté dans la figure. Tonton n'a très dur il était très méchant. Il était qu'on marche avec un gros coco macaque il n'a pas de ses sa vie à cli. Depuis quelques ben années, un bon arabe, ça fait pas bon, qui te en Syrie, au Liban et en Palestine, t'a envahi ma chérie rural, côté où t'as vendu toute qualité de marchandises. Il est rentré dans le pays sous décollage avec faux visa américain. Comme un pile, il n'a pas même qu'il un yo te oblije ale de mache rural a mache rural ak gro boat marchandiz chaje sou do yo kom pri kafe a te tombe al etranje sak la koz ke gouvernmentan ton nou a te chaje ak problem finance yo te rena pova Arabio responsab kom mal fini bek fin ki vin fe dapiyan sou riches peyi ya yo te fe Arabio pase de tre mouve mouman e yo te ekspulse en pil nan yo Nous arrivons dans le finissement de première édition, volume 5. Quand y a, nous prenons le point volume 6, qui en l'autre enregistrement pour nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Encore une fois, songez bien ce seul général d'histoire qui a fait nous revivre et comprendre tout gros événement qui était passé dans tant longtemps, et forcez-nous, mettez-nous ensemble, et oui, ça nous est fait pour nous sauver belle Haïti, chérie, nous. Chapitre 8. Dizius féliciter Salomon, 14e président d'Haïti. C'est Salomon qui pour de mettre un point final dans la fait mettre au pouvoir un gouvernement de double. Ancien ministre des Finances, Soussoulouk, et non même plusieurs fois ambassadeur à Paris et à Londres, politicien noir, tant commis toutes tout est peur Salomon, parce que c'est pour la première fois que dans le pays d'Haïti, était un politicien haïtien aussi bien préparé. Salomon était profité pendant que le temps en Europe pour l'étudier et augmenter connaissance connaissances. Il était fini par entrer dans le pays hier, le 19 août 1879, après qu'il ait passé 20 ans et 7 mois en exil. Quoique, ambassadeur, il pat pas même eu en vacances en Haïti. Il a toujours trouvé une raison, yon prétexte, pour pas quitter l'entrée dans le pays. Hier. Après, il canal pas en exil. Il été formé en gouvernement provisoire dans la nuit du 2 au 3 octobre 1879, après un coup d'état, Salomon est monté comme chef d'un nouveau gouvernement provisoire. Finalement, après que il fini de réviser la constitution, le 23 octobre 1879, la Chambre nommée Lycius Félicité Salomon quatorzième président d'Haïti. Salomon était fait au Caille en 1815. Il est arrivé président à l'âge de 64 ans. Il faut dire que depuis foi, c'est la première fois qu'un président est arrivé au pouvoir avec un programme de gouvernement en cinq points. Premièrement, réformer l'éducation. Deuxièmement, nettoyer les finances pays. Troisièmement, professionnaliser l'armée. Quatrièmement, augmenter la production agricole. Et cinquièmement, restructurer l'administration publique. Après seulement quatre mois qu'il est au pouvoir, Salomon présenté la Chambre une loi pour créer une banque nationale. Banque ça a été faite pour les titulaires dans les principales villes, provinces, dans le pays. Et World Bank Sahara, c'était premièrement recevoir dépôt fonds, l'État. Deuxièmement, contrôler toutes dépenses, l'État. Salomon te recherché chercher en France 17 banquiers pour venir diriger Bank Sahara, pour régulariser les finances du pays. Salomon te payé en point 12 millions que le gouvernement de a fait en 1875. Le 1er, janvier, le 1er juin 1880, Haïti était adhéré à l'Union postale universelle. C'est dans la date ça que le monde en Haïti est cap entré en correspondance par lettre avec le monde entier. C'est la première fois sous Salomon que le pays a commencé à faire timbre pour poster lettres. Salomon a fait établir un service câble télégraphique qui reliait Port-au-Prince à Kingston, Jamaïque. Sept ans plus tard, il a fait installer un lot câble. Qui reliait Mols-Saint-Nicolas à Santiago de Cuba. Salomon te fini par payer dette indépendance que Boyer te signé avec la France en 1838. Salomon t'est fait un pile de réparations dans le lycée Pétion. En plus de ça, il te venu chercher en France plusieurs professeurs pour venir enseigner dans le lycée Pétion-Port-au-Prince et dans le lycée Philippe Guerrier au Cap et au Caille. C'est sous Salomon que tu commencé vraiment à ouvrir l'école rurale dans le pays. Il était organisé l'école de droit et l'école de médecine Port au prince C'est à l'époque que jeune mulâtre, après études militaires en France, est décidé d'entrer dans l'armée d'Haïti. Avant ça, c'est presque noir seulement t es bien dans l'armée. C'est sous Salomon que quelques Mitrailleuse sont entrée dans le pays. Bien entendu, Mitrailleuse Sahaïo est au service seulement militaire de la garde présidentielle. Depuis 1872, Sonny Sage. Pire, fol l'argent qui est en circulation dans le pays, c'était l'argent américain. En 1880, Salomon décidait corriger situation ça. Il était commencé faire l'argent métal et l'argent papier. Il a gain un pile de réclamations que les commerçants étrangers quittent gain magasin ou bien des fonds de commerce ou pillé, brûlé ou saccagé. Gouvernement pour le a tellement de problèmes que le terrivéon tant il y a pas de cap payé employer l'État. Cependant. Salomon t'a employé des mesures financières tellement habiles qu'en 1887, good Haïtien, non, même valeur à dollars américain. Oui, en 1887, sous Salomon, yon good Haïtien t'est yon dollar américain. En 1883, Salomon t'a fait la chambre passer en loi. Sous cette demande, le gouvernement t'a distribué un ben pile moun entre toi à 5 caractères l'État. Si entre deux et cinq ans, trois canons de terre sont plantés en denrées d'exploitation, Mounsa, qui tape travaillé de immédiatement propriétaire. En 1887, Légitime, qui était ministre de l'Agriculture, a organisé la première exposition en Haïti. Pour ça, il a été bâti en Gokai. C'est dans Caille-Caille que l'école de médecine y est, je ne c'est sous Salomon. se travay konstruksyon pale de minister de komanse. Kom pale nasyonal la te bomba de soucis vin sal nav, sal ou monte fe bati yon nouvo pale, ki malourezman pral disparet ak sensin atus le kont en 1912. On y a respet pou tout moun ki branche page li swa sou l'ouverture medya. Sopote kwa abone, n ap envito pou fè sa konya pandan lot chapit paj l'histoire pral komanse nan kelke segonde. Se yon nan fason pou ankouraje l'ouverture medya kontinye travay edukasyon sa akon ap fè pou la jwenez kakon istwa peyil. Nou remensyo pou ekoutou e pabliye abone. Moi-même, c'est Jean-Julien, qui, dans quatre collections 2004, ou collection 2004, aux collections du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter à nous continuer à le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est première édition, volume 6, qui pourra commencer en 1908 avec Antoine Simon, pour le arriver jusqu'en 1922, avec le président Louis Borneau, en passant par occupation américaine et Charlemagne péralte. Volume 6, ça a un chapitre. Chaque chapitre séparé avec une pause musicale qui sont musiques classiques haïtiennes, exécutées par Edith Prophète, un grand pianiste haïtien dans commencement du 21e siècle. Là. Premier chapitre, Antoine Simon, 22 décembre 1908, 2 août 1911, 19e président d'Haïti. Jalno Alexis tombé, le premier bâtiment, l'ipatia parti en exil Jamaïque. Deux jours après, le 5 décembre 1908, Général Antoine Simon, à la tête de la force armée de 8000 soldats, rentrait Port-au-Prince. Le, le lendemain 6 décembre, il prend pouvoir. Deux semaines après, le 20 décembre 1908, toutes 117 députés et sénateurs voté en bloc. Général François Antoine Simon, 19e président d'Haïti. Antoine Simon, c'est un paysan. Il était fait dans la section rurale, tout prévu au CAI. Il monde simple, modéré, malgré le pas de save. Il était très intelligent et il ne manquait bon sens. Il commence sa carrière militaire comme chef section. Il montait, il prend grade. Il était en général il était commande des départements du Sud pendant 25 ans. Paysan paysans dans le Sud pile. C'est pour étaient composés en pour lui. Antoine Simon n'a pas mouru pour où Ou nous, Ou ses lampes, nous ses papillons. Comme président, Antoine Simon un eu une bonne idée. Et peut-être qu'il a en pile bien pour le pays. Malheureusement, il était mis de boc pour aider le dirigeant pays. Il y un ben malhonnête qui ne connaît pas l'autre bagaille, sinon volé et plein de Parce qu'Antoine Simon ne connaît pas les Français, le pas de prince, de aucun respect pour lui. Il est tombé parce qu'il la bêtise. Il a même relé le président Gade Champette. Il est ça, en septembre 1909, il fait passer une loi qui dit que n'importe qui où a passé, tout le monde, fait pour suspendre le fumet, retirer le chapeau et le bien bas. Sinon, on ne va pas arrêter. Il y a rentré en bas et Abjeto, en prison. Mon pote au prince, t'es passé Antoine Simon en an Babetise pirède Antoine Simon, en ce toute la famille c'était vaudouisant. Et c'est une religion qui a été pratiquée au vêtement, sans cachoterie. Comme commandant militaire du département du Sud, Antoine Simon est arrivé tromper évêque au Kaila, Monseigneur Maurice, et faire chanter l'enterrement Simalo. Yon petit cabrit blanc que te gagne. Antoine Simon te même rive fait enterrer Simalo malo en cimetière au caille. Naturellement, ça fait bruit. Après ça, Monseigneur Maurice passez l'ordre que yon paix fait pour faire l'ouvrir tout ce que Ouais, si c'est un monde qui est dans ce caille là avant que cap chante yon enterrement. Antoine Simon te gon petite fille que te remet en pile qui te relève Celestina. Celestina, ça, c'est ton gros mambo. L'Italie ouvrent le péristyle de l'air et ils fait cérémonie de Dans commencement 20e siècle, les blancs français et les blancs allemands ne pas jouer un gros rôle dans les affaires pays. Les États-Unis te surtout les allemands parce que c'est eux qui contrôlent les compagnies de train, usines de glace, ou compagnies électriques, port et au Cap. En plus, les allemands sont mariés avec des femmes haïtiennes. ont façon pour les parce que le pays a n'entend ça. Pas de de étranger fait commerce. C'est l'Allemagne qui te convoie. vendre yon bon parti dans le pays a fait l'autre bord de l'eau. L'Allemagne, pour qu'on parle, te acheté plus passé. Y yon tiers de café que PIA tes produits. C'est l'Allemagne qui te commandé en Allemagne produits en le ciment, bière, médicaments, actuels. Influence allemande te fond dans les affaires politiques. Commerçant allemande te qu'on acheté bon n'en mais n'importe qui général qu'il veut faire une révolution. à raison de Discord pour Yondola. Si so, aucune révolution a triomphé, gouvernement qui monte au pouvoir, est obligé payer comme ça allemands yo, pour chaque bon Discord. Si pas mal chance, révolutionnaire pas triomphé, consul Allemand dans la ville-province, ensemble avec mission allemande dans au prince tu toujours ouvert porte de bâton pour les révolutionnaires, asile politique. Entre l'année 1912 et 1914, comme l'Allemagne la a gagné plus d'influence en Haïti que dans toutes les autres îles dans la Caraïbes, pour le gouvernement américain, il était sûr que l'Allemagne allait occuper le pays d'Haïti. Et les États-Unis ne voulaient pas que ça arrive. Après le procès de consolidation, Tonton ton note fait main Banque nationale de la République d'Haïti. Ça cause pas de gain banque dans le pays. Quel gros autoboué français à l'Allemagne, ils ont quel gros autobus américain, l'autre bord.